Et bonjour, comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. On se retrouve nouveau live, let's go. Aujourd'hui, live un peu exceptionnel, c'est vrai, parce qu'en vrai les gars, donc on va live pendant 1h30 sur farming. Bah non, sur Euro Truck, pardon, je suis trop matrixé par farming. On a eu des news par rapport au nouveau farming. Enfin non, bah, vous allez voir, mais c'est trop de trucs à vous dire les gars. Bref, on va parler. Alors du coup, expliquer. Le programme de la soirée, c'est on live sur Euro Truck pendant environ 1h30-2h. Ensuite, je vais faire du GeoGuessr avec Nico. Enfin, lui, Nico, il est en live de son côté, donc on va jouer ensemble. Et ensuite, à 20h45, on passe sur Energy. Donc vous pourrez écouter Energy depuis le live. Enfin, je retransmettrai l'antenne. Enfin, j'arriverai à faire ça. Donc salut Copa, salut Nono, salut le chat les gars, salut tout le monde. Pub, ah y a des pubs. C'est une bonne nouvelle ça. C'est une bonne nouvelle, c'est une pub ça. Salut Alexis, salut Nico, salut Loïc, salut Naël, salut le fermier du 59, salut à tous, salut Titi, salut Ethan, salut tout le monde les gars. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez vu la vidéo d'aujourd'hui. Donc ouais, alors ceux qui ont vu, Farming a publié, avant qu'on commence à jouer, Farming a publié les gars un truc, enfin une photo, où c'est qu'il y a marqué 3. Et donc ça, on n'est pas con. C'est, enfin moi, j'ai eu des infos comme quoi c'est jeudi. Jeudi est quelque chose. Jeudi est quelque chose, les gars. Donc tu as fait une vidéo pour ton passage à NRJ. Non. Non, la musique elle est pas copyright normalement. Normalement les musiques c'est pas des musiques copyright. Mais en fait j'ai changé de playlist et je crois qu'elle est nue cette playlist. Donc voilà les gars, jeudi on aura des infos du nouveau farming, enfin de ce qui va arriver. Peut-être c'est en DLC. On ne sait pas. Mais c'est peut-être un nouveau farming. Donc voilà, vous verrez ça. Enfin, bon, même moi je suis même pas sûr à 100%. Bon, je pense clairement que c'est un des. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il y a quelque chose jeudi. Mais quoi? Je ne sais pas. Voilà. Mais vous verrez ça les gars, vous verrez ça. Tu as vu la promode, on peut pas être un multi pour le moment, la 255. Moi on est sur la 251 actuellement sur la promode les gars. Donc voilà, salut à ceux qui viennent d'arriver, yo. Donc du coup pour ce live, je suis toujours accompagné du même et même présent, Ganel, salut. Yo. Ça va? Ça va. Ça va nickel. Et bien c'est parfait alors, c'est nickel. Salut 10 sur 10 le fan 720. Ah vous avez kiffé la vidéo d'aujourd'hui? Magnifique, merci, merci. Salut Aquarium, salut Grissou, salut Pierre. Il y aura la rediffusion. C'est cool le TS2. Bah ouais, j'aime trop. C'est pour ça que je live au TS2. J'ai envie de live au TS2. Salut Thomas, salut Nicole, salut Yannick. Salut Lianis. Bref, du coup, donc voilà. Voilà un petit peu pour le programme de la soirée, ce qui vient d'arriver. Donc ouais, on va l'arriver 20h30, 21h30. En gros, vers jusqu'à 22h. En gros, on fait 1h30 d'Euro Truck et après, on ira avec Nico. Je sais pas combien de temps je vais jouer avec lui. Après, je reviendrai sur Braque et Louis d'Energie. Yes! Mais j'ai déjà passé avec eux, donc je le connais un petit peu, Braque, donc c'est cool. Donc on va, je vais parler un petit peu de ceux qui veulent savoir. On va parler de la FSL, de la Farming Simulator League de Farming, parce qu'il y a une compétition e-sport qui va être dessus. Et du coup, bon, ils m'ont contacté pour savoir en gros qu'est-ce qu'on doit faire à la compétition. C'est quoi le but de la FSL? Donc je vais expliquer ça rapidement. Et voilà, tu peux nous montrer le tweet. Bah, en gros, les gars, je peux vous montrer ce que Farming a publié avant qu'on commence à jouer. Ceux qui veulent savoir, les gars, on va être à La Rochelle, sur le serveur de la promo de La Rochelle. Donc n'hésitez pas à venir ceux qui veulent venir. Tout simplement. Donc regardez un petit peu les amis. Non c'est pas moi. Farming. Where is Farming Simulator? Farming Simulator ont publié ça. Voilà, ils ont publié ça. 3. Et en fait, il se passe des petits trucs au début. Est-ce que vous voyez un petit peu au début ce qu'il y a en... Attendez, ça passe quelques millisecondes. Ah, là, il y a une info sur le côté, on voit pas beaucoup. Et après, attendez, est-ce qu'on voit le reste? J'avais réussi à screener tout. Ah, j'arrive pas à le voir là. Ah si, allez, il y a des trucs qui apparaissent en bas, en haut, etc. Et du coup, bah voilà, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, les gars. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça se déchiffre? Est-ce que vous savez ce que c'est tout? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ou alors est-ce que c'est rien? Je sais pas, il est marqué, il y a des carrés. Enfin, ça se trouve, regardez, il y a ça en haut qui apparaît, ça aussi qui apparaît. Est-ce que ça fait juste partie du décor? Enfin, du compteur? Ou alors est-ce que c'est eux qui l'ont mis pour une raison? On ne sait pas. Mais on verra bien. Voilà, donc vous, normalement, ça veut dire que Count Star, c'est que bah, le compteur démarre dans 3 quelque chose. 3 quoi? 3 jours? 3 quelque chose? Enfin, ça, on sait pas. Salut Mathilde. Comment? Enfin, re-Mathilde du coup. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Ah, elle est passée du cœur blanc au cœur rouge. Magnifique. Magnifique. Bon, Ganel, ça va? Bah, ça va nickel. Hein. T'es chaud? On va live sur Eurotruck. Ouais. Par contre, il y a toujours un insolent. Ah, il est toujours là lui? Attends, je regarde un petit peu ce que Farming répond. What teaser, what next? Attendez, ils disent quoi? Il y a un mec qui avait marqué quel teaser et après, et Farming a répondu, ils ont dit. Après 3, un 4 suit généralement. Ah, attends quoi? Attends quoi? J'ai pas vu ça. Après 3, un 4 suit. Ça veut dire quoi ça les gars? Comment on... Après 3, il y a 4. Mais c'est quoi genre? C'est 4... Est-ce que ça sortira du coup le 4ème jour? FS24? C'est ça FS24? Non j'en sais rien. Waouh les gars, c'est trop compliqué bon. De savoir.
Bah écoutez les gars, on va voir un petit peu ce que ça veut dire farming un petit peu, qu'est-ce que ça raconte, et on va aller sur Euro Truck, hein. Mais on n'a pas d'infos, donc on va attendre jeudi, et jeudi les gars, vous verrez. Mettez la cloche. Live énigme, c'est ça ouais, c'est pour nous provoquer. Bah non, c'est pas pour nous provoquer, mais c'est bien qu'il y ait une... Ils mettent pas ça pour rien. Regardez, si tu regardes les commentaires de la vidéo les gars, on arrive, on va sur Euro Truck. Les commentaires sur Euro Truck, c'est FS21, FS22, 3 choice, enfin il y a des trucs, c'est que du FS22 ou FS21. Il y en a qui disent que c'est un DLC, il y en a qui disent que c'est New Farming, voilà. Donc on sait pas trop, on sait pas trop ce que c'est encore. Et voilà, ETS2 est à 20€ sur Steam. Oui, n'hésitez pas à aller checker ETS2. Donc voilà, bref, on verra ça, on verra ce qui se passe les gars, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais voilà, donc nous sommes partis sur Euro Truck. Donc je rappelle que nous sommes du coup bien évidemment... oui voilà, Farming ne fera pas... Enfin, ça m'étonnerait que Farming fasse quelque chose comme ça pour un DLC. Le plus gros DLC du Farming, c'était le Class, il y avait le Clear the Land, enfin, et le Alpine. Le Alpine, c'était un gros DLC quand même. Et il n'y a pas eu tout ça. Là, s'ils font un compte à rebours, c'est pas pour annoncer un DLC, à mon avis. Sinon, je vais être déçu. Oh non, j'ai été kick du serveur, parce que j'ai pas bougé. Oh merde, comment on fait pour revenir sur le serveur, pour redémarrer le jeu? Bah, tu relances ton jeu. Oh fuck. Merde, change de camion. Alors oui, on peut changer de camion si vous voulez. Si vous voulez. Par contre, est-ce que la miniature du live, elle est pas stylée? Est-ce qu'elle est pas stylée? J'ai mis... En fait, à la base, la photo, le ciel est bleu, mais j'ai modifié et le ciel est un peu genre foncé, genre en mode... Ça va péter là. Bref, allez, on lance au TS2. T'es avec la promode? Oui, toujours promode, les gars. Toujours promode. On va faire le sud de la France, on va faire un petit bout d'Espagne et après, ben, on va essayer de découvrir... Enfin, en fait, on va essayer de faire... On roule, quoi. On roule. Je sais pas ce qu'on fait, mais on roule. Voilà. DLC Sibaria, tais-toi. Et faut jamais mettre du bois parce que ça va plus. Alors, donc voilà, du coup, il y a le serveur Simulation 1 qui est sympa, mais nous, on est sur le serveur de la promode qui est vachement mieux parce que... Bah, parce que c'est mieux, quoi, tout simplement. Est-ce que tu fais un live demain? Ouais, demain, live principal. Au péage. Comment ça, au péage? Mon chien est mort. Oh, la merde. Je viens de me réconforter sur ton live. Ben, force à toi, mec. Gustavo, j'ai 7 ans et je suis fan de toi. Ah, et bien ça, c'est pas mal. C'est quand même énergie. Les amis, le titre est écrit. C'est écrit dans le titre. Je crois qu'il y a des modérateurs qui vont devoir écrire. Lisez le titre pour savoir quand c'est énergie. T'es à énergie à 22h du coup. Bah, du coup, non, c'était 22h45. À peu près, après, bon, c'est pas. Je les connais. Et la dernière fois que je devais passer sur énergie, c'était 23h. 20... Ouais, 23h, je suis passé à 23h20, quoi. Donc, voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. 22h45, exactement. Bon, du coup, on va changer de camion alors. Ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'on change de camion? C'est la grande question. Tu veux qu'on change, Ganel, ou en vrai, il va bien le mien? C'est comme bon te semble et ça dépend les abos. Les abonnés, bah, en vrai, il est bien le nôtre. Non? Moi, en vrai, je m'en fous. Hein. C'est toi qui roule, donc c'est toi qui vois. Hein. Ah, attends, je peux pas épingler ton message. Attends, je vais essayer de faire ça. Je pense que je peux épingler des messages. Normalement, tu peux, hein. Masqué, épinglé, voilà, voilà, change, est-ce que, ah, voilà, magnifique, mec, c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais épinglé de message. Ah, je le vois pas. Bref, donc oui, change, très bien, on va changer de camion, la question c'est on prend quoi, dans la miniature du live, c'est quoi le camion qu'on a déjà, je sais même plus ce qu'on a en miniature. Un DAF, c'est nul le DAF. T'as mis un DAF rouge. Un petit Mercedes me ferait plaisir, moi. Un petit Merco Iveco. Je découvre ta chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, les gars. Yo. Bon, on va s'acheter un petit Camtar, un petit Merco. Alors, pas des voitures, du coup, non. Qu'est-ce qu'on a en Merco bien stylé, par contre, hein. New Actros, Giga Space, Big Space. On prend quoi, le Giga Space ou le Big Space? Bon, le Giga. Non, le Big, on prend. Personnalisé. Je suis nouveau. Bah... Tout le monde dit Meiveco et tout, mais tu passes à la télé ou quoi? Mais non. Big, hein. J'ai pris le... Attends, j'ai pris quoi, moi? J'ai pris le Giga? J'ai pris le Big, je sais plus ce que j'ai pris. Big Space. Ah, voilà, regardez. Ah, ben en fait, on voit, c'est là, on peut choisir. Ah, mais attendez, on s'en fout. On prend le Giga, non? Regardez, ça, c'est le normal. Ça, c'est le Big et ça, c'est le Giga. On prend lequel? Merde. On prend lequel, les gars? Bon, enfin, on s'en fout, c'est que la cabine, donc je pense pas que ça change grand chose. Bon, je voulais choisir. Ensuite, le train, si on prend le relevable à l'arrière, ça sera niveau stabilité, ça sera mieux. Les chevaux, 625, bien évidemment. Giga. Et du coup, bah, ok, on prend le giga, j'ai compris. 12 vitesses retardées. Alors, du coup, ouais. Power shift. Ah, c'est du power shift. Mais non. Ah, ouais, j'ai jamais vu que ça s'appelait au power shift. Mais du coup, niveau des vitesses, j'ai jamais pris des vitesses bizarres, genre 6 vitesses retardées,
12 vitesses retardées. En gros, retardées, ça veut dire qu'en gros, il y a plus de régime. Je crois que c'est ça. Bon, on prend ça. Ensuite, on va prendre une petite cabine bien sympathique, en petit bois. Voilà. Et en couleur, en couleur, on va se mettre en couleur d'énergie. On est si énergie, c'est quoi? C'est noir. Noir. Au pire, énergie, c'est. Ouais, je sais pas trop. Comme ça, au pire. Énergie, c'est blanc un peu. Non, attends. On va mettre du noir et là, du rouge, au pire. Ça fera. Ouais, ça fait vachement énergie. Ça fait pas du tout énergie. Ouais, je sais pas. Voilà. Non, ça fait énergie comme ça. Je sais pas. Noir et rouge. Bah, noir et blanc ou noir et rouge? En vrai, noir et blanc, c'est peut-être mieux. Parce que noir et blanc, ça fait plus, plus couleur, tu vois. Noir, rouge, blanc. Ah ouais, sinon, on prend. Noir, rouge et blanc. Non, c'est moche. Blanc, noir. Ah non. C'était mieux comme j'avais. Hein. Celui comme j'avais mis, il était vachement mieux. Donc, on prend le blanc là. Et on prend le rouge là. Moi, j'aime trop les camions rouges. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Voilà, petit camion. Bon, bah, on va pas tout remettre encore. On va pas. À l'inverse, les couleurs. Ah ouais. Bon, en même temps, c'est chiant, les gars. Désolé, parce que à chaque fois, je remets toujours les mêmes pneus. À chaque live, les gars, je remets des pneus. Je remets tout comme avant. Mais j'aime bien. Moi, vous voyez un peu ceux qui découvrent le jeu. Pièce d'origine, ok. On met pas mal de luminaire, pardon. Salut, Ange. Ah. Light Chrome. Light Chrome. Toujours plus de Light Chrome. Et enfin, Light. Et là, attends, il y a quoi là? Merde. Il y a rien là? Bah, si, je vais mettre. Voilà, Light. Normalement, on est bon là. J'ai mis des lumières partout. Ok. Donc là, c'est bon. Ensuite, ça, c'est quoi ça? C'est la calandre. Là, on va mettre un peu tout ce qui est phare. Bah ouais, des phares qui éclairent, quoi. Ça peut être pas mal. Vous dites quoi dans le chat? Ça va super bien, et toi? Bah. Je crois que. j'ai vu un message. Tu fais comment pour avoir beaucoup d'argent? J'ai cheat le. Enfin, la partie, quoi. J'ai vraiment cheat le truc. Quoi? Mais t'es quoi, c'est ça? On peut mettre tout ça là? Mais attends, mais quoi? Attends, y'a pas un bug là? Attends, mais y'a un bug. Ah voilà, c'est ça. What? LED strobe. Les gars, je mets des LED strobe partout. Ça va clignoter de partout le bordel. Les gars, est-ce que j'en mets partout? Parce que vraiment là, il va y en avoir vraiment beaucoup, je crois, de LED qui clignotent. Peut-être même trop. Ouais, je crois qu'il y en aura trop là. Je vais en mettre trop, les gars, là, de LED. Ah, j'avoue qu'il y en a trop là. C'est ta gueule le bug. Oula, calmez-vous. Mais calmez-vous dans le chat. Ganel, du coup, tu m'attends là? Ouais, je suis en train de. Non, je vais être kick. Ah non, c'est pas moi qui ai été kick, ça va. Et moi, je vais être kick si je bouge pas. Ouais. Ok, c'est bon. Et ensuite, encore là, mais c'est quoi tout ça là? Instagram. Bon, vas-y, je mets pas plus de lumière, après ça fait trop. Là, on s'en fout. Là, est-ce que c'est mis par défaut? Bah, je mets énergie. Hop, ça en a bien. Et là, je mets Stervio. Bah, c'est déjà écrit, magnifique. Voilà, ici le plafond, on met un petit plafond. Ici, des. Non, pas. Alors là, pas de trompette là. Là, on veut des bonnes lumières, quoi. Genre là, on veut des gyros, déjà. On met des. Que ça. Mec, je veux des gyros pas. Il va clignoter de partout, mon camion. Comme les miens, en fait. Putain, le bordel. Attendez, hop, hop, hop. Là. Mec, attends, là, ça fait trop, là, les gars, non? Parce que là, mec, il y a trop de gyros par là. Allez, regarde, derrière, on met quelques petits phares pour éclairer, parce que c'est ça vrai. Ça passe ou pas? Ah, il y a un abonné qui parle. Ah, c'est toi qui parle? Ouais, je parle avec eux. Ah non, pas sur la cible. Devant, ça passe, le mec dingue. Ça passe. Le mec dingue, mais j'entends des gens parler. Ok, ça, et là, si. Derrière, on met... Normalement, ils sont garés. Ça, voilà. On est bon, les gars. On est tipard. Je pense qu'on est niveau déco. Le mec dingue. Tac. Toujours plus. Ah non. Ah, ça, c'est les lumières, ça. Ah non, pas du tout. Voilà, bon, on est bon, les gars. On est bon, on est bon. On va y aller. On va pouvoir commencer à rouler, parce que, voilà. T'es à Paris, mec. Hein. Ah ouais, super. On va mettre en petit. Par contre, y'a du monde, hein. Y'a du monde à La Rochelle? Oh ouais. Mais c'est des abonnés ou c'est des gens normaux? Bah, pour moi, on est 8 dans mon tab. Donc après, bah, venez à La Rochelle si vous voulez, les gars. Venez à La Rochelle. Sachant qu'il y en a que je me souviens d'hier. J'en connais 1, 2, 3, 4. 5, j'en vois 5 d'hier, mais d'autres pseudos qui me disaient rien du tout. Ah, c'est trop stylé ça! Ah, mais mec, je découvre des trucs, j'avais jamais mis des décorations comme ça, les gars. Mais bonjour, ceux qui viennent derrière, les gars, on fait un petit peu de décoration dans le camion et après on roule, les gars, je vous promets. Mais là, j'ai envie de. Je vous teste un petit peu les décorations qu'il y a, quoi. On a du. Ouais, enfin, c'est un peu moche, quoi. Ouais. Bah, on est dans un Mercedes, alors autant mettre un truc Mercedes, quoi. Voilà, on met un petit truc Mercedes. Après, c'est quoi ça? Après, on s'en fout, en fait.
Vas-y, on met juste ça. Ouais, puis on met rien en fait. Ok. Alors ça, c'est... mais ça c'est vraiment moche, pas. Les gars, est-ce qu'on met une décoration comme ça là? Parce que vraiment, je trouve ça vraiment mais dégueulasse dans les camions. Donc je sais même pas si. Bon, je le laisse si vous voulez, mais je trouve ça vraiment dégueu. Voilà. Ici, la petite plaque. Oui. FS22. Ouais, allez, va, FS22. Oh, il me tarde. Il me tarde tellement, FS22. Le sandwich, il est toujours présent. Le petit PQ, toujours présent. On sait jamais si on doit se torcher le cul. Hop. ça, c'est quoi ça? Le petit coussin. Bon, la petite coussin. Et enfin, pour terminer, voilà. Magnifique. On est bien là. On est pas mal. Non. Bon, je l'ai mis comme ça, c'est bon. J'écoute énergie. Ben, énergie, je vous le mettrai à la. Enfin, vous pourrez l'écouter énergie pendant le live. Vraiment, si j'appuie sur cette touche. Attention, écoutez bien. Ça, c'est énergie, ça. Mais du coup, c'est nul. Ah non, j'ai tout cassé. Voilà, c'est bon. Attendez, énergie. Tac. Voilà. Bref, le camion. Oh, il est trop beau. Il est beaucoup trop beau, le camion. Oh là là là, c'est incroyable. Vas-y, je le mets à La Rochelle. Let's go. J'arrive à La Rochelle, les amis. Bug. Alors non, pas de bug. Merci, vous êtes 8. Vous êtes... Quoi? Vous êtes 2000? Mais c'est pas possible. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de gens? Mec, je comprends même plus pourquoi. C'est incroyable. Donc là, c'est bon, j'ai mon camion. Gestion garage. Alors du coup, je vais me TP à La Rochelle. La Rochelle, voyager. Oui. Je vais me TP. Ta vidéo est trop bien. Mais merci ceux qui ont vu. Trailer de FS22 est sorti. Alors non, il n'est pas sorti. Mais il y aura une info bientôt. Ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai plus d'essence, mais parce que j'ai pas mon bon camion. Donc là, on va dans gestion des camions. Et on va prendre du coup. C'est lequel que j'ai pris? C'est le. Non, c'est le. Mercedes New Actros. Conduire. Oui. Par contre, je sais pas si j'enlève la CB parce que sinon, il va y avoir trop de gens qui vont parler. Ça va être un peu chiant. Attends, je mets un peu de bois, j'arrive. Parle, Ganel. Ouais, ouais. Comment ça va le chat? Comment ça va? Vous êtes on fire. Putain, je parle anglais. Ah, vous êtes trop chaud. Ouais, c'est good. C'est good, c'est good. Je dois aller manger la puce, y'a pas de problème, les gars. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver déjà. Et t'as loupé quoi? Juste un achat d'un nouveau camion. Regardez-moi ça. Petit camion sympa. Putain, ma main, elle sent le bois. Voilà, mon joli petit camion. Attends, on teste les phares, les gars. Attendez, on met le contact. Oh, ça rend LED et tout. Et là, si on met les phares. Attendez. Attends, faut allumer. Rampe de là, gyrophare. Et là, mon gars, normalement, ça devrait clignoter. Ah, oh, stylé. Ah, ça clignote comme ça. Oh là là. Oh, les gyrophares, regardez les gyrophares en haut. Oh, ouais, mais c'est un peu abusé. Là, j'avoue que j'ai un peu abusé. Par contre, le problème, c'est qu'il est minuit 26 et on peut pas avancer le temps. Donc, on va devoir attendre qu'il fasse jour. Voilà, y a pas le choix, les gars. Minuit 27, ça passe assez vite, mais on va quand même rouler, je pense, pendant une petite. Une bonne demi-heure sous la. Ah, mais c'est moche, mon tapis sur le toit là-haut, là. C'est vraiment moche. Donc, Ganel. Où est-ce qu'on va aller? Ah merde, je suis pas là. T'es pas TP, hein. Ah merde, je suis pas à bon endroit. J'arrive. J'arrive. Là, on est tous à t'attendre, mec. Gestion de garage. Ah merde, j'étais pas au bon endroit. Ah, je me disais. Ah, je me disais, non, on je me disais. 10. Non, ah, on est pas 10, on est 1, 2, 3, 4, voyager. 5, 6. Ouais, on est 6, 7. Oui, il est moche ton tapis. Ah, super. Merci pour les 1000 pouces bleus, les gars. Mathilde, c'est la boss. Bah oui, c'est la boss. Ok, je suis là. Oui, non. Non? Non, non, non. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mec. Non, je suis à La Rochelle, je te jure que je suis à La Rochelle. Mais au garage de La Rochelle. Bah non. Je te jure que je suis à La Rochelle, mec. Ah, t'es pas en promode, on me dit. Si, t'es en promode. Comment ça, je suis pas en promode? Bah, je sais pas, fais tab pour voir et t'as écrit serveur promode normalement. Tab. Oh non, je suis sur simulation 1. Ah oh, putain! Oh là là, le bordel. Bon bah, t'avais un abo qui avait raison. Hein. Ouais, j'arrive. Putain, mais merde. J'étais pas sur le bon serveur. Ah mais c'est bon. Je redémarre le jeu, tout va bien. Ah mais en fait c'est ça les serveurs. Pourquoi on veut pas... C'est bizarre qu'on veut pas changer de serveur. Oula. Que se passe-t-il? Ça marche pas? Faut que t'attends, tu le relances trop vite. Ah, c'est bon. Launch. Ça y est. Ton live est flou. Mais il est pas flou. Très bien, mon live. Moi je l'ai en bonne qualité. Non, moi. Le live il doit être d'une qualité extrême. Alors normalement c'est bon. Maintenant je me trompe pas de extrême. Serveur. On va aller sur le serveur promode. Hop, rejoindre. Hop, et là je fais conduire. Le problème c'est que du coup, putain, mais t'es con, Bastien. Alors oui, mais non. Ça va, Camille. Pas le dire. Arrêtez, allez. Démoire-moi tout ça là. Je me disais, c'est vrai que c'est rapide à charger. L'image est très belle et nette.
Bah oui, j'espère bien. Non, les gars, j'ai mis à jour les subs. Oh, sur Insta, on est 49 619. Je veux que ce soir, on soit aux 700. Mec, on va y arriver à ces 50 000. Hein. Je vous allez voir. D'ailleurs, les gars, j'ai eu Valtra. Il y a la meuf de Valtra, elle s'appelle Charlotte, que j'avais vue à Paris. Il y a les nouveaux Valtra qui ont été annoncés. Bon, après, vous aimez pas Valtra, c'est votre problème. Mais après, il y a les nouveaux Valtra qui ont été annoncés, les T5 et N5, je crois. Et du coup, ils m'ont dit, bah écoute, on t'en mettra un à disposition. J'ai dit, bah ok, bah super. Du coup, bah voilà, il y aurait peut-être une vidéo avec le nouveau Valtra. Enfin, ils sont pas encore sortis, je crois encore. Mais peut-être fin d'année, il y a moyen. Il y a moyen, les gars. Allez, 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 démarre. Et dès qu'on sera en train de rouler, les gars, je vous demanderai qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui, etc. Enfin, un peu là, voilà, ce qu'on fait d'habitude, quoi. FS22 est sorti sur Steam. Non, mais, mais mec, vous avez... arrêtez, il n'y a pas de. Je le sais s'il y a FS22. Je le sais. Bon, ça arrive. Allez, allez, ça charge. Salut, ça va, je trouve que c'est bien que tu joues à ETS2 car ça change du farming. Bah, exactement. Et moi, farming, ça me casse les steaks. Sauf les paysans français que j'adore. Mais sinon, le reste, voilà, je peux plus farming, non. Alors, la question, c'est je suis où? À mon avis, je suis à Paris, là. Je pense. Hein. Ouais, super. Je me TP à La Rochelle, j'arrive, ne t'inquiète pas. Vas-y, on est full, hein, mec. Tu vas spawn, on est full autour de toi. Bah, non, vraiment? Genre, je suis tant une star que ça? Attends, mais quoi? 6, 7, on est 7. Oh, ça va, je te kiffe, je suis le seul. Ah, bah super ça. Tu l'as acheté où ton 8, pull 9. Ah, au fait, ça c'est, on me l'a envoyé. C'est Agrimood, mais. Wow. Ah oui. Oh putain. Oui, calmez-vous, calmez-vous. On arrive. Allez, je vais aller chercher ma petite mission, les gars. Arrêtez de klaxonner, ils klaxonnent comme des oufs là. Bah, pourquoi j'ai calé? Bah, j'ai calé, je crois. Ah. Attendez. Bah, non. Mais les klaxons, les gars. Attends, je coupe le son du jeu. Ah, ça y est. Attends, vite, collision là. Oula. T'es où? Ok, ça y est, je suis sorti là. Enable. Oh putain, les phares. Oh merde, j'ai pas mis les phares. C'est bon, j'ai mis les phares là. What, qui c'est qui me bouscule? Normalement, c'est bon, si on met pas les phares, on se fait kick, donc faire gaffe, les gars. Y'a un mec qui me bouscule. Voilà, je suis là. Par contre, on va juste accélérer, on va se sortir de cette zone. Oh, mais un insolent, mec, tu commences déjà, mec. Ça commence, bravo. Bon, attends, je sors un petit peu d'ici, les gars, parce qu'il y a un peu le bordel. Il y a trop de bordel ici. Plus que bordel, oh merde. Bon, je les trace, les gars, je les trace d'abonnés comme ça, ils me suivront pas. Allez, hop, vite. Est-ce que les phares, ils éclairent bien? Ah ouais, regardez-moi ces phares de ouf. Et de nuit, c'est pas si dégueu que ça. C'est pas si dégueu. Hein. Eh gros, la vie. Elle a vie. Attendez, regardez-moi ce beau camion là. Avec les gyros, c'est incroyable. Vas-y, je m'arrête là sur le côté. Je sais pas si. Ah bah merde. Je m'arrête là. Et tout le monde qui vient là? Oh là là. Bon, je prends une mission. Offre de traction. Je prends pas ma propre remorque. Hein. Je prends une remorque déjà toute faite. La question c'est on va où? Oh, un bateau. Alors, on peut aller. Donc là, on est à La Rochelle. On peut aller dans le sud ou dans le nord. Sachant que hier, on allait dans le nord. Donc j'aimerais bien aller un peu dans le sud. Voilà. J'aimerais bien essayer d'aller. C'est quoi? C'est pas. C'est la Corse? Ah oui, c'est la Corse. Bah, en Corse, on y est déjà allé. Donc peut-être pas. Civaux, Saint-Laurent, Orléans. Là on redescend, c'est quoi cette route? Ah ouais, il faut monter pour redescendre. Va dans le sud, bah j'aimerais bien aller dans le sud, ouais. T'en penses quoi, Ganel? Ouais, vas-y, ouais. Moi le sud ça me ferait bien, bien kiffer. Bah là c'est le Saint-Alban-du-Rhône. Mais est-ce que c'est que de l'autoroute? Le problème c'est que j'aime pas les routes avec que de l'autoroute. Ça c'est le seul truc. Mais il y a Saint-Alban-du-Rhône, ou alors il y a... Ouais, au pire on passe. Ouais, bah on prend ça, hein. On va prendre ça, je pense. Saint-Alban, on stone, et après il y a Lyon. Je crois qu'on va prendre Saint-Alban. Normandie. Vous voulez vraiment qu'on ait un Normandie? Bah, enfin, on peut, mais ça sert à rien, quoi. Roule ma poule. Bah, je pense que non, mais on fait ça et après. Parce qu'en fait, on n'est jamais encore allé dans ces deux villes. Et après, au pire des cas, soit on remonte. Enfin, il y a tout ça qu'on n'a pas encore découvert. Donc, vas-y, on prend ça, les gars. Et on est parti. Route de la mort à Multi. Bah, ouais, mais le problème, c'est que je sais pas exactement où elle est, la route de la mort. Il est temps de prendre la route. Oh là là, mec, l'action. Attends, je vais juste couper la CB, par contre, parce que ça va être le bordel. Comment on fait pour couper la CB? C'est dans. La route de la mort, elle a quartier des. Volume de la radio, guidage vocal, son de la musique, interface. Tu veux éteindre là? Bah, je veux. Vas-y, faire 100 km. Mais non, mais en fait, tu vas dans ton camion, tu fais vue intérieure, tu fais clic droit. Enfin, tu ouvres ton tab, tu fais clic droit et tu peux. Ah, plus Mathilde. Ah ouais. T'as une souris et t'appuies sur le bouton à gauche. Ah, c'est ça. Il faut mettre sur combien? Non, mais t'éteins avec le bouton à gauche là, l'espèce. Enfin, je sais pas. Ouais. Attends, je regarde. À gauche. Attends. À gauche. À droite du bouton gris. À là, droite. Off. Marche pas. Ah oh, ça y est. Le bouton. C'est bon. Ah, parfait. C'est bon, j'ai réussi. Nickel. J'arrive même pas. Et moi-même qui explique mal. Allez, on est parti, les amis. 1h du matin, ça. Il va faire jour dans pas trop longtemps. Du coup, ça passe vite.
On est sur la serveur. Alors les gars, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour tout le monde déjà. Ouah, regardez tous les petits points derrière. C'est des abonnés, les petits points derrière. Ah ouais, il y a trop de monde. Nice. Bienvenue à tous les gars, vous êtes 2500, ça fait vraiment plaisir. Allez, tourne ici. On va donc là on va chercher la cargaison. Il y a tous les abonnés qui suivent derrière, c'est un peu le dawa, mais ça va le faire. Stavo, qu'est-ce qu'il y a à... Oh putain, qu'est-ce qu'il y a à Annecy? Je suis désolé. T'es où Ganel là? J'ai foncé dans un abo, je suis désolé. Ça va, ça va, ça va. Attends, t'inquiète. C'était un insolent en plus. Ah ouais, c'est bon, c'est pas grave alors. Je rigole. Alors on est sur la serveur Promode, on est à La Rochelle et on va direction Saint-Alban, c'est vers Lyon. Voilà. Donc on est en multi, et après on essaiera d'aller dans le sud, dans le nord, enfin on essaiera de voir. Mais on a le temps, là il est vraiment 1h du matin, c'est un peu chiant la nuit, mais là on n'a pas le choix. Là il n'y a pas de mets le temps fois 120 ou quoi, il n'y a pas le choix. Voilà. C'est ça. On va chercher la cargaison. FS22 ça sera sur Switch, alors ça m'étonnerait, enfin j'en sais rien, je n'en sais rien les gars. FS22 je ne sais pas quand il sort, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas jeudi on risque d'avoir une petite annonce de farming, je vous le dis. Donc je vous tiendrai au courant, je vous ferai une vidéo, je vous ferai un live pour annoncer s'il faut. Et voilà. Pourquoi énergie? Alors oui, du coup, ceux qui veulent savoir pourquoi on passe sur énergie, énergie voulait parler de Farming Simulator, vous savez, la FSL, la ligue, voilà, les trucs e-sport là. Et du coup, bah, ils m'ont appelé, vu que la dernière fois, j'étais passé sur énergie en décembre pour parler de farming, vraiment, vraiment que farming. Venez pas les abonner, parce que là, ça va être le bordel si tout le monde vient dans l'entreprise. Hein. Moi, je vais rester à l'extérieur. Ah ouais, venez pas, parce que sinon, ça va être le bordel. Doucement, Star Wars, ne t'inquiète pas. Alors, on arrive. Fred. Merde. Je sais pas trop où je suis là, mais on va récupérer la cargaison. J'ai failli foncer dans un insolent encore une fois. Je vais transporter un chariot élévateur. Ah ouais. Oh putain, mais y'a tout le monde qui vient, ça va être le bordel, tous les abonnés là. Merde. Alors par contre, on passe par où pour aller chercher la cargaison là? On est où là? Ça passe là? Ah bah attendez, mes phares en haut ils sont pas allumés. Mais oui, bravo. Hop, hop, voilà. Oh, j'ai peur. Voilà, normalement mes phares ils éclairent mieux comme ça, non? Ouais, vite fait quoi. Vite fait. Alors on va récupérer ça les gars, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Du coup vous avez fait quoi de beau aujourd'hui dans le chat là? Dites moi un petit peu qu'est-ce que vous avez fait de beau. Personnellement qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah, j'ai tourné une vidéo. Ah demain matin les gars je me lève avec, enfin à 8h faut que j'aille chercher. Enfin mon père on va à Agripol. C'est en gros John Deere pas loin de chez moi. Et on va avoir du coup une nouvelle charrue. Donc voilà. What the fuck, 2500 viewers. Et oui vous êtes nombreux. Ça c'est parce qu'il y a écrit énergie, ça c'est pour ça. Mais les gyros, vous voulez combattre les gyros ou pas? Parce que c'est pas non plus un chargement incroyable, c'est quand même des chariots élévateurs quoi. C'est pas Ah mais merde alors. Tu es déjà allé à Reims? Non. C'est bon ça marche là? Mais merde alors, pourquoi je peux pas l'accrocher? Ah c'est bon. Nickel, 1h26 du matin, vers 5h il commence à faire jour donc voilà. Vélo, roulage des tournesols, gyrophare, ok. Voilà. Oh j'ai mis le frein de parking, il recule toujours le camion. J'ai acheté une batterie. Super journée. Merde, attendez. Je remets mes gyrophares. Juste là, mon siège. On va laisser comme c'était. Oh là là, ce chargement incroyable. Incroyable, les gars. C'est parti, du coup. Let's go. Oula, c'est quoi ce bruit? Ganel, c'est toi qui fais du bruit comme ça? Non, mais j'écris une connerie sur le chat. Hein? Vas-y, attends, j'arrive. Oula, le bois. Je crois que mon poil, il s'énerve. Ok. J'arrive, je passe dernier. Ah, c'est toi qui passe dernier? Ouais, je vais. Vas-y, grand mec, la nuit noire. Je roule jamais de nuit, les amis. Je roule jamais. J'aime pas trop la nuit. C'est juste que la nuit, bah, c'est pas hyper agréable à regarder en live, quoi. Mais là, y'a pas le choix. Tous ceux qui sont sur le jeu, est-ce que vous êtes sur le live? Bah, écrivez oui dans le chat du jeu, par contre, si vous êtes sur le live. Ouais, parce que du coup. Oui. Tous dire oui sur le chat. Oui. Vous voyez pas, il y a ma caméra derrière moi, mais sinon il y a écrit oui. Bah oui, non. Ah oui, il y a quand même pas mal de gens. Il y en a un qui dit non, mais alors. Wouah, regardez le monde! Est-ce que je les double? Bah, je les double tous, mais faut que tout le monde passe devant. Lowly, Scorpion, Warhol, Ganael. Vous laissez passer Esther devant et après vous passez comme vous voulez derrière, moi je suis à la fin. Clément, ouah, le monde qui. Ah, faut tourner peut-être, c'est vrai. Ceux derrière moi, vous me doublez. Flappy, y'a Flappy, salut Flappy, klaxon. Oh non, j'ai pas de klaxon, je crois. J'ai pas mis de trompe. Bon, ne faites pas les cons, les gars. Roulez pas comme des oifs parce que bah c'est un peu con. Enfin, surtout la nuit, faut pas faire le. Oh, une batteuse. Voilà, parfait. On a 938 km, mec, on est pas arrivé. Ah, donc quoi, 938 km? C'est un peu beaucoup quand même là. Bon, ok, bah écoute, c'est ça. Oh putain, y'a déjà un accident. Je m'en fous, moi je trace.
Ah bah là mec, je suis à la fin. Comment ça t'es à la fin? Il faut que t'attendes. Bah du coup. Non mais t'inquiète roule. C'est juste je pense qu'il a fait F7. C'est. Vas-y. C'est Maton et. Les gars, regarde dans le rétro, je vois tout le monde derrière là. Oh mais les chariots élévateurs, j'ai peur qu'ils vont tomber je crois. Ok, ouais. On est bon. J'avoue que j'ai même pas vu ta cargaison. Sur des chariots élévateurs, magnifique. j'ai aidé mon voisin à faire des piquets. Ah ok. Bon, ils ont les pleins phares, ça m'éclaire dans la cabine là. Éteignez vos pleins phares si vous pouvez les gars. Parce que ça, franchement j'y vois vraiment rien. Ah. Bah ça changera. Je vois toujours aussi mal. Ça va ma cabine, on dirait qu'il fait jour dedans. Regardez-moi ça. Il fait jour. Ah, il y a un insolent qui double. Magnifique. Salut tout le monde, Starvo. Salut tout le monde. Ouais, salut. Yo, ça va, comment tu vas? Bah écoutez les gars, ça va super bien. Merci d'être là. Vous êtes assez nombreux ce soir, ça fait plaisir. Je crois que c'est le record de viewers sur ETS 2. Hein. Ce soir là, ça vous avait tout pété. Pour ETS 2, quand je pense les gars que au tout premier live de ETS 2, j'avais fait à Ganel, ouais, je vais live ETS 2. Au pire, même s'il y a 300 personnes, c'est pas grave. Grave. Au final, vous avez l'air de qui? Moi j'aime trop. Franchement, j'adore. Enfin, c'est pas compliqué. J'adore ce jeu. Putain, il trace lui. Mais on a incendié tous les deux. C'est nul, Mercedes. Bon, on a voulu changer un petit peu, c'est pour ça. Mais après, on essaie de faire. En vrai, chaque live, on essaie de foutre 1500 bornes, 2000 bornes au camion et après on le change quoi. Mais voilà. T'es sur quel serveur? Là, on est sur le serveur de la ProMode. On est parti de. Oh mais il a bugué. Il a bugué un insolent. Oh mec, il m'a. Les serveurs bug encore un peu. Les ah bah bug. Les serveurs ils bug plus qu'un peu là. Faites gaffe. Un camion à gauche, oh un camion à droite les gars. Attendez, je peux faire slash fix heureusement pour me réparer. Oh non. Alors les chose gars, à faire, ne plus rester derrière un insolent. Non mais les gars, si vous laguez tous, chacun un côté gauche, un camion droite. Il démarre ou pas mon camion? Oh je vous vois TP les gars. Oh. Attends, il démarre pas mon camion. Vous êtes arrêté. Mec, il a explosé mon camion. Bah allez démarre. Ok c'est bon. Ça passe pas. Putain mon camion il était éclaté. Heureusement que j'ai pu le réparer. Pour ma cargaison j'ai peur qu'elle ait pris cher. Cargaison on est à 17% de casse mec. Aïe. Est-ce que vous me voyez bugger là? Ouais non mais. Un camion à gauche et un camion à droite les gars. Ouais. Moi je reste sur ma voie. Non, je vois. Ah si je vois les gens bugger. Ouais les gars, faites gaffe. Vraiment ne roulez pas sur ma. Enfin faites gaffe. N'allez pas juste derrière Ster les gars. N'allez pas juste derrière Ster. Parce que si vous me voyez bugger, vous allez avoir des soucis hein. Terre il est à droite et un à droite. Le bordel, je me suis fait arrêter, paf. Et hop là, ça commence un accident. Bah ouais, super. Bah, super. En soi, c'est pas de notre faute hein. C'est pas de notre faute. Bah ouais mais attendez. Du coup on est combien? Il y a Stervio, vraiment. Flappy, Clément, Lowly, hein, Ganel. Moi je suis à 1000 MS mec alors que ma connexion va très bien mais c'est le serveur. Bah je suis à 233 gros. Ok. Il y a un mec devant mais je sais pas s'il est arrêté ou quoi. Oh, il y a eu un accident. Ouais, bah voilà, j'en étais sûr. Ouais, Clément reste bien à gauche, hein. Fais pas le con, Clément. Oh. Putain, j'ai peur qu'il va se TP devant moi. Attention, wow. Clément, fais pas le con. Fais pas le con. 400 MS, ah voilà, c'est ça. Ouais, le serveur, il est en galère, le serveur là. Ah, mais je crois que c'est le passage en 1.40 ou un truc comme ça. Bah ouais, mais depuis hier, ça bug. Ouais, mais c'est normal. Dédicace te fait ça, bah dédié à toi. Ah péage. Respire sur ta voix Clément. Fais pas le con. Parce que là si tu... Sinon c'est la merde. Même les gars, faites gaffe ceux qui sont derrière moi les gars, parce que si je me TP. Oh, bah je comme tu dis hein. Gauche droite hein. Ouais, bah moi je suis sur la voie Bah si t'es sur la droite, faut qu'il y ait un gars à gauche. Ouais bah y'a Clément. Alors Clément, attends, qu'est-ce que fait Clément? À gauche devant toi, à gauche derrière toi. Oh non, y'a NRJ qui m'appelle, attendez. Allô? Oui, bonjour Bastien. Oui. Oui, bonjour, c'est Clément d'Energie, tu vas bien? Bah super, et toi? Bah super. Écoute, je t'appelle pour te dire qu'on va avancer l'émission d'ici des grades 15 minutes. Ok, ouais, pas de problème, bah aucun problème. Ça te pose pas de problème? Non, bah toi, vous me rappelez, c'est ça? On va te rappeler de toute façon, tout à l'heure, d'ici avec le standard. Super, et, ok. Il faut savoir si tu pouvais parler pendant 10 minutes de Fermi Simulator. Ouais. Bah au moins, Braque, il m'a contacté sur Twitter, donc moi j'ai dit y'a pas de problème. Hein. Donc, qui t'a dit quoi précisément? Bah pour parler de la ligue farming, tu sais, de l'e-sport par rapport à la ZLAN, donc voilà. Ça serait bien que tu parles aussi un peu plus approfondi du jeu s'il te plaît. Ouais bah y'a pas de souci, bah je parlerai de... Ouais pas de problème, ça marche. Ah bah c'est bon. De toute façon ouais, il me posera des questions et je lui répondrai hein, donc voilà. On te rappelle d'ici un quart d'heure du coup. Ok ça marche, pas de souci. Nickel. Ça marche. A plus. Allez à tout à l'heure. Ouais. Aïe.
Voilà, c'est un plus au calme. A plus. C'est ton pote, genre. Mais je sais pas, c'est Clément, je sais pas, il doit bosser à énergie, je sais pas qui c'est. Du coup, j'ai pas compris, il a dit quoi, il va avancer de à un quart d'heure. Bah, c'est ce que j'ai compris. Vous avez compris quoi, les gars, j'ai pas. Il t'appelle dans un quart d'heure, je crois. Un quart d'heure, 10 minutes. Ok. Je crois. J'suis pas sûr. Vas-y, ok, les gars. Attends, les gars, quand je serai à l'antenne, je me muterai ce micro-là et je vous ferai écouter l'antenne, le retour antenne, comme ça, ça sera mieux. Tu te mutes Discord, du coup. Ouais. Vas-y, carré. C'est quand même énergie, quoi, c'est pas. MDR. Non, j'ai rien compris, c'est un prank. Non, c'est pas un prank. C'est pas un prank. Bah, évidemment que c'est pas un prank. Ah, je pense pas. Prenez la deuxième sortie. Non, mais en plus, il y a pas un numéro privé et tout. Non, normalement, il y a pas. Attends, en vrai, attends, j'ai trouvé ça, ça se trouve, c'est un prank. Non, c'est pas un prank, je pense pas. Non, je pense pas. Non. Bah, c'est vrai que c'est con ce soit Clément. Clément, c'est qui Clément? Bonne question. Bah, écoutez, on verra bien. Il va faire deux fois l'interview. Non, je sais pas, on verra. Non, c'est. Mais normalement, c'est bizarre, c'est Mélissa là au standard. Je la connais, Mélissa. Elle est au standard normalement. Alors, attends, ouais. Attends, je mets sur le côté, les gars. Attends, je mets énergie. Attends, comme ça, on va juste tester. Attendez, hop, on se met là. Est-ce qu'on va mettre. Attends, je vais essayer de voir si je peux mettre énergie sur le son du truc là. Y a pas énergie là. Attendez, genre, langue. Attendez, est-ce qu'il y a énergie dans ETS2? Donc, au pire, on met énergie sur ETS2. France Info, énergie France. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, voilà, super. On a énergie là. Par contre, bah du coup je vais couper et je vais mettre ça à la place. Bah, en fait, je ferai ça. Comme ça, ça sera nickel. Il y a un mec qui spawn devant moi. Attends, je vais juste vérifier s'il y a du décalage par rapport à l'antenne que j'avais mis moi. Attends, il y a 2 secondes, les gars. Ok, et là? Et là, est-ce qu'il y a du décalage? Attends, je regarde s'il y a du décalage par rapport au. Vous êtes arrêté? Ça, c'est le son de Paris. Attends 2 secondes, les gars. Faut juste que je teste un truc. Voir si lequel a le moins de décalage, en fait. Attendez. J'ai envie de des copyrights comme jamais, moi, si je faisais la musique. Bah écoute, nickel. Oui, nickel, mais. Ok. Bon, attends, les gars, je peux pas rouler. Attendez pour l'instant. C'est Nico qui t'a appelé. Rouler alors que tu roules pas. Non! Ah, c'est Nico! C'est un enculé, ce bâtard! C'est vraiment Nico! Attends, quoi? Attendez, quoi? Mais c'est possible en plus! Attends, mais c'est un bâtard! J'ai qu'à dire ça! Mais c'est Nico et Nico, il est en live! Attends. Ah ouais? Je suis sûr. Oh, mais oui, c'était. Mais attendez, mais. Je me suis fait avoir, comment. Attends, qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai que tu peux rien faire en fait, c'est dommage! Ouais, de ouf! Bon, attendez, enlevez le casque, je vous entendrai plus, les gars, mais. Salut. J'aurais dû poursuivre quoi? Ça, le prank. Mec, il c'était a tellement lui. Rien capté, je suis mort. Si t'as été. C'est un bâtard, ce con. T'aurais dû dire, ouais, par contre, l'autre fois, t'étais un peu arrogant. Ouais, mais mec, c'est hyper. Mais putain, mais mec, il m'a pranké. Tu m'étonnes. Attends. Hyper stressant. Attends, t'aurais dû dire, par contre, la prochaine fois, je trouve, t'as fait un. Attends, je vais le voir, les gars, Ganet, je reviens, je vais le voir. Ça va? Ah putain, ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'es un gros bâtard, ouais, mec. Tiens, qu'est-ce que tu fais sur le live, là? Mec, Moi, il se ramène, là, non, comme ça. Tout le monde a balancé, mec. Mais non, de quoi, ils ont quoi, balancé quoi? Mais je regarde ton live, j'ai vu. Bah, j'ai fait quoi? Mais t'as fait passer pour le gars d'énergie. Non, jamais j'aurais fait ça, gros. Non. En plus, j'ai pas ton hume, comment tu veux que j'aurais fait? Mec, mais tu sais que j'ai rien capté, mec, hein. Ah ouais, on a vu ça. Genre, en plus, je fais Clément, mais je fais, c'est pas Clément, non, c'est Mélissa, enfin, c'est la meuf du standard. Le mec, il connaît toute la. Il connaît même la femme de ménage là-bas, comment elle s'appelle. Mais mec. Le mec, en plus, j'ai stressé ma race. Genre, j'ai dit putain, mais il va me reconnaître, je vais être grillé et tout. Mais non, parce que j'ai gardé le casque, donc j'avais le haut-parleur en même temps. Non, mais en vrai, à la base, on voulait vraiment faire un truc, genre. Vas-y, ouais, par contre, ouais. Tu arrêtes de prendre la confiance la dernière fois, genre, j'avais pris trop la confiance t'as fait trop et tout. Ta pub et tout. Je me suis dit, waouh, vas-y, viens, je le déglingue. Et moi, je me suis. Genre, ouais, j'ai perdu mes couilles un peu là pour le coup. Oh, mais mec. Ah, du coup, là, en plus, c'est que j'ai mal compris. Il va rancer le truc à 21h. Je fais, qu'est-ce qu'il raconte? Mais ok, bon. C'est ouf. Putain, j'avais une vraie idée là. Attends, c'est drôle, mais c'est dommage qu'il y ait toujours des gens qui balancent. Ça, c'est un peu relou. Non, mais par contre, j'ai vraiment. Là, ça fait vraiment que 30 secondes que je suis au courant. Parce que j'ai fait putain, mais c'est bizarre, mais ok, mais. Ouais. Mais je suis attends, mais y'a pas de Clément, là, non, c'est bizarre. En plus, j'ai fait. Je t'ai parlé, t'as fait ouais, ok. T'as pas reconnu ma voix et tout. Non, mais j'ai gardé le casque, c'est pour ça que j'étais pas au courant. Attends, c'était cramé, mais à 1000% quoi. Attends, mec, j'ai envie d'écouter ton live.
J'ai envie d'écouter ta rediff du live, mec. C'était marrant, en vrai. Non. Vas-y, mon mec, je reviens sur mon stream. Putain, t'as vraiment un bâtard. Ouais, vas-y, y'a pas de soucis. Vas-y. T'as quel balancé, là. Non. Oh là 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 là. Attends. Deux secondes, Gonel, j'écoute juste. Eh, franchement, oh, une idée meilleure. Tout à l'heure, d'ici là. Attends. Là, c'est écoutez, les gars, c'est Nico quand il m'a prank. Allô ? Oui, bonjour, Bastien. Ah. Oui. Oui, bonjour, c'est Clément d'Energie, tu vas bien ? Oh non, on l'a reconnu. Super, et toi ? Bah super. Écoute, je t'appelle pour te dire qu'on va avancer l'émission d'ici 15 minutes. Ok, ouais, pas de problème, bah aucun problème. Ça te pose pas de problème ? Non, non, bah toi, vous me rappelez, c'est ça ? On va te rappeler de toute façon, tout à l'heure, d'ici le, avec le standard. Et il faudra savoir si tu pouvais parler pendant 10 minutes de Farming Simulator. Ouais. Bah au moins, Brack, il m'a contacté sur Twitter, donc moi j'ai... Oh mec ! C'est incroyable, il croit précisément. Tu putain, mais c'est vraiment un va. Mais mec, c'est incroyable. Bon, vas-y, allez, let's go. Je me barre de ce live. Oh là là. Un gros bisou, Nico. Merci d'être passé avec nous. Ça, c'est la France, c'est l'antenne d'énergie. Petite dédicace. Putain. Le monde a fait un bon, re les gars. Re les gars. Mais mec, j'y ai cru. C'est pas possible, ça. Bon, on est de retour, du coup. Comment ça se passe donc là, attendez, là c'est le son d'antenne. Ok, y'a tout le monde qui s'arrête devant moi. Ganel, t'es là? Merde. Ouais, okay. Je suis là. Vas-y, let's go, on repart. Ah là 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 là. Du coup, on fait pareil. Stéric passe devant et après vous passez tous et moi je passe à la fin. Putain, mais mec. Dans le chat, vous avez avoué que genre y'aurait pas écrit prank, vous aurez cru. Oh merde, attendez. Bah, c'est bon, le pire, c'est que j'ai dit, quand t'as dit à plus, j'ai dit ouais, c'est pas ton pote. Enfin, tu l'as pris pour ton pote et tout. Mais non, mais j'ai même pas vu. J'ai pas capté, gros, mais j'ai pas capté. En plus, j'ai pas reconnu ça. Pas énergie ce soir. Ah, mais du coup, si, il y a vraiment énergie ce soir, les gars. Je passe vraiment énergie ce soir, mais il s'est fait passer pour le gars d'énergie, quoi. Putain. Et du coup, regardez s'il y a plus ce bouton. Là, c'est l'énergie, ça. Je vais appeler au 0870-40. Eh, trop bien, genre, je peux écouter énergie en même temps. Par contre, du coup, il y a plus de musique. J'ai l'impression que tu. Ok, les gars, engagez-vous. Ouais. Ah, attention. Putain. On n'entend pas énergie. Si, attendez, est-ce que là, vous entendez quand il parle? C'est un truc dans lequel on peut mettre beaucoup d'argent. Mais combien, par exemple? Là, vous entendez normalement. Ah là 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 là, super. En plus, il m'appelle un numéro privé. Nico, il connaît, Nico était déjà passé à la radio avec moi. Putain, mais quel bâtard. Bon, on est de retour du coup, l'ami, on est de retour. Oui, vous entendez, nickel, bah super. Il y a vraiment énergie. Bah oui, enfin oui. Mais j'ai trop cru, putain, mais quel... Mais quel bâtard. Ah, je peux trop écouter ce qui se passe, nickel. Bon, du coup, on est de retour, on va jouer... Attends, il reste 1 km là. Ganel, t'es où, t'es devant? Non, je suis tout à la fin. Je clôture le convoi, moi. Bah oui, so big life. D'abord, je passe vraiment énergie à 22h45, sauf que Nico, le mec de ma team, s'est fait passer pour le mec du standard. En mode, ouais, salut, on va avancer l'heure. Mec, t'imagines, par contre, il m'aurait dit vraiment... par contre, tu prends un peu la confiance, là. J'aurais fait, ah bon? Genre, moi, j'étais en mode, bah non, pourtant... Putain, quel bâtard, mec, quel bâtard. En quoi ça intéresse énergie? Parce qu'en gros, l'émission de ce soir, enfin l'émission qu'ils font, c'est une émission un peu niveau. Ils parlent tout le temps de gaming, ils invitent des youtubeurs et tout, enfin tout le temps. Du coup, voilà. C'est trop bien le test. Ouais. Remets le GPS, s'il te plaît. Ah oui. Bah, vous voyez le GPS normalement. Vous le voyez. Par contre, du coup, faut que je remette la radio, mais pas énergie, du coup. Attendez. Attends, est-ce qu'il y a un endroit pour s'arrêter? Station service, je m'arrête, les gars. Je m'arrête, station service. Attends, mais je peux le faire, en fait. Putain, je suis bête, je peux le faire. On s'arrête pas. Normalement, si je fais ça. Bah si pourtant il y a le son là. Si je fais ça et là. Ah voilà, nickel. Allez. Vas-y, c'est... Oula. On est bon. Et là. Discord. Tac. Nickel. Ok. Tout va bien. On est revenu à l'événement. On est revenu, c'est nickel. Ganel, je veux te voir moi. Est-ce qu'il y a Clément devant? Et je vois personne d'autre. Ah moi je suis tout à la fin tout. Vas-y, ok. Tout à la fin. Ah, putain, Nico, quel bâtard, mais quel bâtard! Mais en plus, il a... pas reconnu, hein. Mais y a pas de. Mais oui, ce qu'il a fait, allô? Putain, c'est clé. Mais y a pas de Clément à énergie, c'est pas possible! Mais en c'est plus... faux, par contre, y a vraiment un Clément là-bas. Non, mais vraiment, je connais les gens du standard. Enfin, je connais en énergie, je regarde tout. What, c'est quoi ces bonnes rubanées bizarres? Regardez les bonnes rubanées! Elles sont bleues, mais en fait, c'est que le côté. Énergie est beaucoup mieux que toi, t'es nul. Non, mais on parle pas d'énergie de youtubeur, mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais non, mais. Bug. Non, y'a pas de bug. N'inquiétez pas, tout va bien. Désolé, je me fais prendre par Nico. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il fait, le mec là? Ah, mais c'est pas un abonné? Ah, je crois que c'est un abonné. Attends, il fait le tour du rond-point. Est-ce qu'il sort ou pas? Ou est-ce qu'il revient? Ah ouais, il sort et il revient. Regardez, il va être sur le côté là. Je suis mort. Vas-y, mais t'es trop loin, Ganel.
Non, je suis à la fin. Mais moi, je te vois dans mon tab, genre. Vas-y, bah ouais, mais je vois personne, c'est nul. Bah, on est tous derrière, en fait. Ah, d'accord. Vous laissez, en fait, le chef devant, quoi. Ouais. Bah, après, je leur ai dit, s'ils veulent te doubler, ils peuvent, mais faut qu'ils connaissent la route, quoi, s'ils doublent. Trop bien le vlog chez Étienne. Ouais, bah, en vrai, j'avoue que. Bah, oui, c'était cool, en vrai. C'était grave cool. Ce week-end, bah, l'épisode numéro 2, qui va être incroyable. Ton choix de cerveau, les gars. Je compte. Non, c'est pour les 1600 pouces bleus. Non, mais mec, c'est. Mais putain. Allez. En plus ça m'étonne parce que quand on passe à la radio, je vais parler de ça, mais il t'appelle genre 5 minutes avant, tu vois, genre en plus si je passe à 45 et la pub elle se finit à 47, ouais je connais tout exactement, la pub elle se finit à 47 donc je sais. Enlève les pleins phares, ouais mais sinon j'y vois rien. Ça va, c'est un insolent. Tu pourrais essayer le DAF Evo Wings. Ouais. Oh c'est qui ça? Chauffeur, ah il a la voiture de hier. Ah je suis mort, il a gardé la voiture. C'est la promode du multisim. Là, c'est la promode. Promode, les gars. C'est la promode. Il s'est passé quoi? Oh, rien. Rien de spécial. Trop fort, rien. Un petit prank, quoi. Mais putain. Ah là 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 là. Mais du coup, pour t'expliquer un petit peu, là, je vais jouer à Euro Truck jusqu'à 22h15, peut-être 22h30. Et après, on fera du GeoGuessr avec Nico. Ensemble. Et réglé pour pas passer sous les ponts. Mais si, il est juste réglé pour éviter les autoroutes. Donc c'est pour ça. Bug. Non, il n'y a pas de bug, les gars. No bug. Pourquoi tu t'es mis à Eurotruck? Bah parce que c'est un jeu que j'adore, les gars. Genre, en fait, j'aime bien Eurotruck. Vraiment, genre, depuis quelques temps, Eurotruck, je kiffe. Et je me suis mis à rejouer. Et je vois que vous aussi, vous kiffez. Parce que Eurotruck, c'est un jeu où c'est que tu peux parler. C'est pas comme farming, c'est qu'il faut toujours trouver quelque chose à faire. Et tu fais comment... En fait, farming, ce qui est bien, ça aide bien, c'est que. Bah, oula. Ouais, c'est pas stable, regardez-moi comment il bouge. C'est que en fait, bah, quand je commence une activité, bah, j'aime pas la rester dessus pendant une heure. Sauf que Euro Truck, c'est que de la conduite. Donc je suis toujours en train de faire la même chose. Et au final, bah, c'est plus chill, quoi, c'est plus calme. Etienne, t'as spoilé la vidéo. Ouais, du coup, un petit peu, ouais. Un petit peu. Du coup, tu passes pas sur énergie. À 22h45. Le message est épinglé, quoi. C'est écrit. Ouais, écrit. Bon, au pire, c'est pas grave. Mais non, mais je t'en ai. Bah c'est écrit dans le titre et il est épinglé. Ouais mais du coup vu qu'il y a eu le prank, genre, ils vont penser ah ouais en fait c'est du fake que tu passes pas, mais si, mais Nico s'est passé pour le standard, sauf que en fait c'est... Ah ouais, merde, j'aurais dû écrire no fake maintenant. Non mais c'est bon, on s'en fout. Demain je passe le rouleau. Ouais, bah moi demain je vais avec mon père, enfin on va avoir une nouvelle charrue. Parce que mon père du coup a vendu une charrue, il va en acheter une nouvelle. Oula, je tourne un peu vite là les gars. Un petit peu vite par contre. Restez pas trop près derrière moi les gars parce que je vous vois là. Ah si, c'est la voie. Oh, oh putain de... Oh je viens de voir le live. J'ai eu peur, mais tout va bien. Il y a mon pote avec vous, MDR. Ah bah possible hein. Putain, mais il y a des bêtes partout. MDR, c'était l'idée du sexe, ce que Nico a dit. Bah ouais, mais complètement. Mais c'était bizarre parce que tu pourras parler de farming. Bah oui, en fait, je suis pas juste pour ça. Ouah, c'est trop joli ici. Centre-ville. On est à Clermont-Ferrand, les gars. On arrive à Clermont-Ferrand. Je ne connais pas trop ces routes, les gars. T'avais ceux qui demandent pourquoi t'as autant d'argent, parce que j'ai cheat le jeu. Tout simplement. Il a juste pris une save game. Bah ouais mec, il va pas s'embêter hein. Par contre c'est joli moi, hein. Vrai, mais en vrai, je pense wow, pas si pour farming il devrait juste augmenter les places. Sur le serveur genre, ouais en multi. Ouais mec t'es malade hein. Un farming t'as un serveur de 500 places mec, c'est la merde. Tu peux pas ouais, hein. Mais... Oula, après clairement, ça va s'améliorer mais... Ouais je sais pas, on verra. Peut-être que 16 en multijoueur. On verra, on verra les gamins. Pardon. On verra pour le prochain farming qui sera annoncé jeudi. Non en vrai on sait pas mais ça sera... Ça va être un nouveau truc, c'est sûr que c'est un nouveau jeu. C'est pas un nouveau DLC. Enfin, moi, c'est un... Bah jeudi les gars, voilà, mettez la cloche hein, sur cette chaîne, il y aura l'info. Pas chaîne principale parce que chaîne principale c'est... Bah maintenant je m'en... Enfin à l'époque ouais parce que à l'époque je faisais vraiment que du farming. Freinez les gars, freinez. Mais c'est trop joli les villages qu'on passe là. J'avoue que c'est beau. C'est trop stylé les villages qu'on passe les gars. En plus de nuit ça fait une ambiance un peu différente tu vois. Ah ouais avec les petits panneaux sur le côté. Regardez ça. C'est propre hein. Oh y'a un feu rouge. Stop. Et voilà c'était obligé. Bah oui c'était sûr. Bah voilà faut pas me foncer dedans les gars. Putain. J'ai calé ou pas? Non ça marche pas calé. Bah super. Oh l'état il a foncé dedans. Désolé Starview. Bah ouais, bah je vois ça, distance de sécurité là. Bon, il avance. Allez là. Feu vert. Ah, vous êtes arrêté là. Ah. Bah comme ça au moins on attend un peu tout le monde quoi. Bon, le feu vert, il arrive quand là? Ah, il y en avait un en retard. Ah, ça y est.
Bah, je voulais respecter un petit peu quoi. Je le vois rouge. Ah mais peut-être c'est pas synchro. Ah oui, avec moi. Ah ouais, on le voit même pas en même temps. Ah moi je le voyais comme ça, mais ouais c'est pour ça. Bon, pas grave, j'y vais quand même. Bah oui. Tu fais genre que t'as rien vu et c'est bon. Pourquoi tu passes sur Energy? Parce que ils veulent parler de farming. Ah, les gars, j'en ai marre, je dis plus maintenant. Bah attends, mais Mathilde, tu devais pas partir, Mathilde. Je te revois là. Tu deviens une star, c'est la deuxième fois que tu passes. Non mais les gars, ils veulent juste. En même temps, je suis un peu le. Y'a que moi Energy qui sont légitimes à parler de farming, donc. Enfin, en gros, youtubeur, je parle. Mais donc si c'est pas moi c'est Energy, si c'est pas Energy c'est moi. Et quand ils veulent parler de farming, et comme je t'ai déjà passé une fois, je suis revenu, ok. Essence, non y'a quatre, y'en a assez. Du coup ça donne quoi là, vous suivez? Ouais. Ça suit. On arrive dans 570 km. Ah mais c'est dans le long. Ah ouais, c'est bizarre parce qu'il faut monter pour redescendre je crois. Ah ouais c'est la merde. Il faut monter pour reprendre une route qui descend quoi. Ah ouais c'est un peu. C'est un peu nul. C'est pas grave. Bah ouais, c'est pas grave. On va faire avec. On a découvert des petits villages. On va accélérer parce que je roule pas vite. À quelle heure bus simulator? Bah écoute, je sais pas vraiment. Enfin, à quelle heure? Il y a pas d'heure, mais un jour je ferai en live sur bus simulator. Enfin, non, c'est The Bus, pas bus simulator. The Bus, ça sera, ouais. Alors attendez, on va passer par là. Ouais, les tours dans sa tête. Il est bien. Bah ouais, il a l'air stylé. Hein. Mais du coup, est-ce que vous avez des jeux, les gars, que vous aimeriez bien que je joue dessus? En live, hein, je parle. Parce que bah, je me dis qu'en live c'est vrai que c'est cool quoi. Parce que farming, bah voilà, je l'ai dit, vous le connaissez quoi. Il y a plus rien à découvrir de nouveau quoi. Il y a tout qui a été fait. Donc les seuls trucs que vous regardez c'est quand bah, c'est des séries que vous connaissez depuis un petit moment, bah vous aimez regarder quoi. Moi je voulais tenter GTRP parce que j'ai vu qu'il y a tellement de gens qui y sont. Et GTA, c'est vrai que c'était un jeu, j'y jouais beaucoup avant, mais maintenant j'y joue plus. Mais le problème de GTRP c'est que bah, il faut savoir faire du RP. Et c'est pas comme le RP dans farming, c'est vraiment différent donc. Donc je connais pas trop les règles et tout, donc on verra. Tu es sur quel serveur? Sur ProMode. GTA 5 RP. Ouais, Forza Horizon, bah alors non, parce que c'est pas trop un jeu cool. Fortnite, non. F1. F1, ouais, pourquoi pas. FS20, alors non pas FS20. Oh, je te vois trop sur la F1, avec ton volant là. Mime. Il vibre. Ouais, de ouf. SnowRunner, The Crew 2, ouais, je sais pas. Après, faut des jeux qui te correspondent. Ralentissez genre, les gars, ralentissez. Il y a un tournant là. Ah oui, il est sévère lui. Bah il est sévère. Ah, il y a une voiture pilote carrément. Ah attends, il y a une voiture pilote et tout. Hop là, le péage, on arrive. Attends, je vais voir tout le monde qui arrive là. Ouais, tous les camions qui arrivent là. Incroyable. Ah ouais, le mec avec ses trois remorques là. Il y a un problème avec mon camion. Qu'est-ce qui se passe? J'ai foncé dans un abo comme d'hab. Hein. Merci la voiture pilote. Mon père est agriculteur. Ah ouais. Mais ok, hein. Bah comme je pense beaucoup de gens. Vous êtes là, mais on roule tranquille, les gars, on n'est pas là pour rouler à fond. Vous êtes lent, carrément. Allez, on accélère, on prend le péage. Let's go. Coucou, ça va? J'habite à Clermont-Ferrand. Bon, Clément, qu'est-ce qu'il nous fait, Clément? Il me laisse passer, Clément? Je crois bien. Je pense qu'il a le DLC Cron. Ah ouais, je l'ai pas le DLC Cron, du coup, je vois pas sa remorque. Bah ouais. Non, oula, je dois bugger, Clément. Oh! Ah non, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Oh putain. Clément, je te laisse passer devant. Tu peux. Alors, va à gauche au pire. Ouh, ce qui s'est passé. Ouais. Bon, on verra. Allez, accélère. 1800 pouces bleus, ça fait plaisir, les gars, merci beaucoup. Tu connais-tu le slash fix? Ouais. Mais je l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait. Bon, j'ai que 2%, donc je le refais pas. Mais ma cargaison, elle a 12% de dégâts, donc la pauvre cargaison, je crois qu'il va y avoir des soucis, quoi. Gold Rush en live. Gold Rush, c'est pas pour trouver de l'or? Si, je crois. Je trouve que c'est ça. Oh, j'aimerais trop tester un jeu de train là. Train Simulator, il a l'air incroyable. Pendant une période, j'adorais les trains. Même Flight Simulator, mais je connais. Le problème de Flight Simulator, c'est que c'est vraiment très très complexe. Hein. Pendant un moment, j'arrivais à configurer tout ce qui était FMC, enfin en gros les ordinateurs de bord et tout, mais c'était très compliqué. Mais j'y arrivais, j'arrivais à faire mes routes et tout. Merci à Sylvie pour tes 2€. Et du coup, SnowRunner, quand t'as écrit Runner. Prenez les gars, faites gaffe, vous foncez pas dedans. Je vois dans le rétro là, vous me faites peur. Ouah, doucement dans les tournants. C'est bon. Là où j'arrive un peu vite là. Moi j'arrive beaucoup trop dans les tournants. Jeu de pompier. Transimulator, il est pas terrible. Bah franchement, moi je le trouve pas mal. Hein. Je le trouve vraiment pas dégueu Transimulator, donc on verra. Ah, le matin se lève là, non, un petit peu. 4h du mat. Ouais. On voit un petit peu la lueur du matin qui arrive, les gars. Regardez-moi ça, on arrive à Dijon. Elle est où ta livraison?
Bah en fait faut qu'on prenne là, attends, on prend la sortie là. Oh là, lui il se serre derrière moi, il me fait peur là. Allez, on tourne. Allez, accélère. J'ai peur de me retourner, mec, comme j'avais là. Je vois là mon camion, mes tours du moteur ils font. C'est que les roues elles touchent plus seul. Là mes roues elles touchent plus seul, tu vois par exemple. Et là, hop là. Je vois pas. Ah ouais. C'est un petit peu. Le bois, c'est arrivé. T'inquiète, le bois va bien. Le bois est nickel. En pleine forme. Péage à 100 mètres. Ah, j'ai peur de me retourner. Alors, le péage. Oh voilà. Nickel. Ça prend des pages, on en prend vraiment tout de suite. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai failli m'éclater la barrière. J'ai failli m'éclater la barrière, les gars. Comment va Starvet? Ben, j'ai pas de nouvelles de Starvet, les gars. J'ai aucune. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il veut me doubler ou quoi? Sur Starvet, les gars, le compte Instagram. C'est pas... Alors, les gars, ce n'est pas moi qui tiens le compte Starvet, ni Nouba, je tiens à vous préciser. Attendez, j'ai reçu des messages, c'est qui ça? Attendez, parce que j'ai des messages bizarres là. Parce que du coup, les gars, la chose de ouf, les gars, c'est que j'ai des gens qui. Vous connaissez pas, mais en gros, il y a plein d'animateurs. Moi, j'adore la radio. De base, vous connaissez peut-être, vous savez peut-être pas, mais j'adore la radio. Du coup, bah, je suis un petit peu tous les gens qui sont dans les radios, quoi, les animateurs, etc. Du coup, les gens qui travaillent. Est-ce que vous regardez Koé? Enfin, vous connaissez Koé à Énergie, l'émission juste avant Louis. Je connais. Dans le chat, est-ce que vous regardez Koé? Qu'est-ce qu'il fait Clément là? Pourquoi il a arrêté? Il a arrêté, est-ce que ça bug pas ou... des lives sur Twitch? Des lives sur Twitch? Si. Oui, vous connaissez, non. Bref, en gros, dans l'équipe de Koé, il y a plein de gens qui sont avec lui. Et ces gens-là, je suis abonné à eux sur Insta. Et ils me re-suivent. Et j'étais en mode, comment ça fait qu'ils me re-suivent, quoi? Parce que je trouve qu'ils voyaient bien. Ouah, Clément, comment il bug? Ouah, Clément! Clément, tu t'es TP! Et en gros, du coup, je les suis sur Instagram, mais du coup, ils me refollow par derrière. Et du coup, quand je marquais, je suis sur Energy, ils ont fait ah ouais, stylé. Et du coup, voilà, en gros, c'est parce qu'en fait, je lui ai parlé au gars, il me fait j'aime bien l'agriculture et tout. Et en mode ah ouais, comme quoi. Oh putain. Ouah, mais comment ils conduisent là, les gars? Conduisez bien quand même. Ils prennent le rond-point à contresens. On va prendre, on va freiner un peu. Attends, y'a qui arrive là que je vois les gens? Ah si, ça va, y a du monde, Ah ouais, ça clignote de partout là les camions. Ah là là. Le matin se lève les amis, le matin se lève. Ça les gars, quand tu roules de nuit, que tu roules, enfin quand t'es rousé et que le matin se lève, ça doit être en vrai, ça doit être stylé quoi. Tu dis enfin le matin quoi. Même si c'est casse-couille parce que t'as roulé toute la nuit. Ou pas, peut-être pas forcément, mais moi je sais quand je commence à rouler, genre je pars à 5h du matin ou 6h. Quand le matin se lève, je suis en mode ah enfin le jour quoi. Que la nuit c'est vraiment casse-couille, l'autoroute de nuit, c'est pas... Tu roules pas à 300 quoi. Enfin oui, oui. Ah, qui me double. Chauffeur ZK Gaming. Oui. Ouais, 22h45 à l'arrivée. 22h45. En gros, je pense que là dans une heure il m'appelle pour mettre au standard. Et après on verra. De toute façon ça va être... Vous allez voir en vrai. Vous allez voir, c'est stylé. Parce que Louis, je le connais. Louis en gros c'est l'animateur principal qui a la console et tout. Et lui en vrai il est pas trop du milieu du game, tu vois. Il est un peu plus, il est plutôt style, vraiment, il est vraiment en mode animateur que Braque qui est avec lui. Il est plus, il stream sur Twitch et tout. Il est vraiment Twitch, enfin bref, il connaît bien. Du coup, il m'avait envoyé un message Twitter il y a 2-3 jours là pour me dire est-ce que tu veux passer sur NRJ lundi. Et du coup, moi je lui ai dit ouais quoi. Enfin, non, du coup, je suis allé sur son live parce qu'il était en live sur Twitch et je lui ai répondu. Du coup, on a parlé un petit peu et tout. Et je lui ai dit, mais mec, quand c'est que vous faites une émission en studio, quand c'est vous invitez les gens dans le studio du bas, le studio de Koé avec du public et tout quoi. Et je lui ai dit, ce serait bien quoi. Putain, mais mec, il me fait trop rire, il bloque les routes là. Oh là là. Et voilà, du coup, quand il y aura plus le Covid, tout ça, les gars. Émission en public, ça serait trop bien. Ça serait vraiment trop bien, les gars. Je sais pas, une émission spéciale quelque chose, ou j'en sais rien, ou se passe un truc. Oh, j'ai plus d'essence. Les gars, ceux qui sont devant, si vous voyez une station, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, comme ça, je fais le plein. Et merde, la seule station qui était, elle était derrière moi. Oh merde, je suis dans la merde, mec. Appuyez sur le champion, c'est à vous. Mais non, mais les gars, je roule pas vite, moi. Enfin, je roule pas vite. Déjà, je roule assez vite, là. Chip Simulator. Ouais, c'est stylé, ces petits villages, là. Oh, mais c'est vraiment beau, hein, ce DLC. Ouah, freinez doucement. Il y a des tournants. Faut rouler à 50, je comprends bien. Ouais, les gars, roulez doucement, parce que là, je vais me retourner, sinon, je le sens. Ouah. Attends, mais il faut pas lever ou baisser sa roue, là, du camion. Il n'y a pas un truc à faire.
Si je fais U, ça fait pas quelque chose U. Ça lève pas la route derrière? Non, ça fait rien. Et sur la remorque? Il y a un problème. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Pourquoi il y a un problème? La voiture, elle a merdé, du coup, il m'a foncé devant, dedans. Oh putain, faites gaffe, il y a un mec qui arrive, faites gaffe, les gars. Ah, ah voilà, faut que je reprenne la route, moi. Chips, ouais. Wesh, wesh, canne à pêche. Oh, Trinka qui arrive. Mais attends, j'ai fait quelque chose, là, j'ai dû lever une roue, mais je sais pas laquelle. Ah si, j'ai levé ma roue. Est-ce qu'il faut la lever, la roue, les gars? Ou alors, quand on a une remorque, faut la baisser? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est plus stable? J'en sais rien. Parce que... Baisse. Ah ok, faut baisser. Bah, je baisse ma roue, du coup. Ça y est, regardez, hop, elle touche le sol, et là... Ça y est. Faut baisser. Ok, ok, ok. Je vois que c'est en fonction du poids, quoi. Genre, quand ça dépasse un certain poids, faut la baisser. Ouais, je sais pas. Le matin... Il est 4h43 du matin, les gars. 4h du mat. Freinez un petit peu, ça tourne, les gars. Savais pas jouer à GTRP, je peux t'apprendre, ça ferait un plaisir. Bah ouais, 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 mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais après, j'avoue que j'ai pas trop, enfin pas trop le temps. Mais après, si, je live sur Euro Truck, donc c'est bien que j'ai le temps. Mais bon. Allez, allez, accélère. Bon, j'ai vraiment plus d'essence, comment on fait? Il me reste combien d'autonomie, là? Ah, y'a un feu rouge, les gars. Feu rouge, feu rouge. Je peux faire encore... Est-ce qu'il y a écrit? Ah non, c'est bon, c'est vert. Je peux faire encore 120 km, je peux faire? T'as con, pourquoi ça descend si vite là? Je peux faire 113, 112, 111, 110, quoi mais... Oh, les gars, je vais tomber en pente sèche. Je vais tomber en pente sèche, les gars. Je vais tomber en pente d'essence. Oh non! Oh la merde! Je peux faire plus que 80... Oh mais c'est mort. Bah les gars, c'est mort, j'ai plus d'essence. Y a un problème. Je vais tomber en pente d'essence, il me reste 60 km. Roule en survitesse. Roule. Non, surtout en. Non. Je vais essayer de pas consommer. Attends, je mets mon régulateur alors. Oh le con. Bah les gars, j'essaie de pas rouler trop vite pour pas consommer trop alors. Oh, je suis débile. Oula, freine, freine. Non, c'est bon. Ok, je fais la conduite économique là. Mais si t'es au rupteur, tu consommes. Oh putain. Vas-y, je me cale à. Oh, je suis trop con. 70 km je peux faire. La prochaine station elle est où? Il y a pas de... Ah si, il y en a une là-bas, mais c'est mort, j'y arriverai jamais. Une vitesse au-dessus. Attendez, hop. 60 km. Ouais, c'est mort les gars. Bah, je sais pas où, comment je fais. Appuie sur I, non mais ça fera rien, I. Parce que là, je peux faire 50 km et la station elle est beaucoup trop loin, on n'arrivera jamais à la station. Donc c'est un peu la merde. F7 et ravitaillement. Ah, oh, on peut faire ça? Hein? F7 et ravitaillement? Ouais, ravitaillement d'urgence. Bah, ça marche pas. Je peux pas cliquer. Je t'arrête, je pense. Ah ouais? Je suis pas sûr. Hein. Bah, vas-y, attends, bah, dès que j'y me reste plus rien, je fais ça alors. Ah, Il faut être à zéro. Ok, ok. Bah là, ok. Oh, c'est beau les paysages, hein, on en parle pas, mais bon. Bah là, je suis concentré pour moi, c'est ma joie, j'ai des chances. Va, ouais, prends ton bidon. T'es pas à sec, pas encore, les gars, mais bientôt. Bientôt, les gars. Attends, il me reste 27 km, on n'arrivera jamais. Ah, quoi, attends, si on prend le péage et qu'on remonte, bah non, ça fera beaucoup plus que 27. Bah, on va, mais du coup, on fait un ravitaillement d'urgence, hein. Et il faut qu'il y a un. Et la voiture pilote, elle est où là? Faut qu'elle me rattrape, les gars. Comme ça, on fait style. Bah, elle est morte. Il a fait F7 parce que c'est il m'a bloqué devant et il a volé. Super. Comme moi. Super. Si, je te jure. Bah oui, non, mais oui. Ah, mauvais fonctionnement du moteur. Oh, attention les gars, 5 km. Il reste 5 km, 4 km, 3 km, 2 km, 1 km, panne d'essence. Vous êtes en panne. Non, moi tu peux faire le ravitaillement. Je suis en panne de carburant les gars. Je mets mes warnings. Oh, le volant il est dur. Je suis en panne d'essence. Ouais, eh, ça roule toujours hein. Ça roule toujours les gars, je me laisse aller. S'il y a une descente, ça descend. S'il y a une montée... Ça monte. Ah bah non. Accélère. Les gars, je suis à fond. Là je peux pas aller plus vite. Hein. Là, mon camion... Il y a un rond-point. Accélérez, les gars. Bah, je suis passé. Les gars, je suis passé. Par contre, là, il va s'arrêter, là. 50 km/h, les gars. Plus de direction assistée. Bah là, ouais, la direction, elle est dure, là.
je peux faire, attends, je peux faire un ravitaillement d'urgence du coup. Ravitaillement d'urgence, je peux pas le faire encore. Il faut que je m'arrête. À zéro, parce que je crois qu'il faut que tu t'arrêtes, hein. Je suis pas sûr. Vas-y, je m'arrête. Vas-y, je m'arrête. Vous êtes 2000, les gars, vous êtes 2800. Vous êtes un peu ouf, quoi. Entrée. Ah, ça fonctionne. Nice. Et ça fait le plein d'essence entier ou pas? Ouais, normalement. Pas du tout. On peut faire que 156 bornes avec. Super. Ah. On adore. Bah, rip. Allez, hop. Allez, on repart. Bon, bon, on va en... tu es pas arrêté. Si, c'est bon. Ouais, mais il y a toujours que 156 km, on n'est pas arrivé encore. Il y a une pompe devant, vous dites. Attends, comment ça, devant? Il n'y a rien du tout devant. Il n'y a rien du tout devant. Ah, si, je crois de savoir où il parle. Ah, oui, devant, mais il faut quoi? C'est pas la bonne route, hein. Bah, non, mais là, la route qui comprend, il n'y a pas de pompe d'essence. Mec, je vais retourner. Il me reste que 120 km d'autonomie. C'est. Ouais, mais carré. Bah, carré. Après on fait demi-tour. Bah non. Ah ouais, vous voulez qu'on monte là-haut alors? Vas-y, on fait ça les gars, on fait ça. On prend pas l'autoroute alors, on remonte vers une petite aire de repos. Et let's go alors. Let's go. Merde, il y avait un feu rouge. Mais du coup, je fais conduite économique les gars, hein. Parce que là, pas envie de faire de la D. Hein. Tu fais un détour. Oh, il y avait un camion dans la forêt. Il y avait un camion dans la forêt. Il fait quoi dans la forêt le gars? Oula. C'est bon. Yo Starwatch, j'ai loupé quoi? Salut à toi mec! T'as loupé une petite pente d'essence, mais qui va retomber en pente d'essence dans très peu de temps. Il reste que 100 bornes d'autonomie, donc d'ici 10 minutes, même pas, on est en pente d'essence. Energy a toujours pas rappelé. Non, Energy, ils appellent 10 minutes avant. 10 minutes avant, ils appellent. Donc ça va. Ça sert à quoi la boule sur le volant? Bah pour conduire. En vrai j'hésiterai à en mettre une, mais je sais pas. Je vous suis les gars, hein. je vous suis faire la route, je sais pas quelle route faut prendre. Je suis les gens devant moi si... En plus le matin se lève là, 5h20 du matin. Droite. Ok, il faut aller tout droit. Ok, on passe par dessous et on reprend la route là-bas normalement. Ah ouais, le matin qui se lève, c'est trop beau le soleil là. Oh là là. Ah, y a pas de soleil mais... Pourquoi... Attends, j'ai vu énergie. Attends, on est... Tu es en contact avec énergie. Énergie, c'est la radio, hein. C'est pas le youtubeur. Hein. Direction Lyon les gars. Let's go! Il me reste 86 km d'autonomie. Et je pense qu'on. Bah, c'est pas là. Bah, attends, je me suis chié là. Je suis allé à gauche, c'était à droite. Aïe! Il a mauvais tour. Il m'a foncé dedans. Tu fais demi-tour du coup? Ouais, demi-tour. Y'a qui me colle derrière? J'ai foncé Clément. Dans Lowly, je crois. Attends, bah, je vais m'arrêter moi. Clément, je sais pas ce qu'il fait. J'ai foncé dans le. Non, mec. Tout le monde fait demi-tour. Je suis mort. Ah oui, d'accord. Allez, on klaxonne tous, les gars. On klaxonne. Enfin, il y a eu décalage. Ah, personne klaxonne. Ah, si, il klaxonne, il y a un peu de décalage. On va parler d'énergie. On va parler de farming sur énergie. Va dans jouabilité, tu décoches la console de carburant réaliste. Bah, non, mais le but, c'est aussi de jouer réaliste, quoi. Enfin, c'est moi qui dis ça, mais. Pour le coup. Attends, j'ouvre la fenêtre. Et là. C'est haché les trompes du volant. C'est nul. C'est vraiment nul. Starbuck, comment vas-tu? Super. Super les gars. Super. Starbuck dit qu'il va jouer réaliste. Bah oui. Bien évidemment. Il me reste que 20 km sur nous. Les gars, j'essaie de prendre de la vitesse comme ça. Normalement, même si j'ai plus d'essence, pas plus de gasoil, je devrais rouler en roue libre jusqu'à là-bas. Donc j'accélère. Et on verra. Il me reste 8 km d'autonomie. Les gars, c'est mort. Vas-y les gars, j'accélère à fond. Oh, oh putain, oh putain, oh putain. Oh, oh, ce que t'as fait, mec. C'est pas moi. J'ai le retour du lâche. Je crois qu'on va se faire déglinguer le... J'ai fait pas exprès à chaque fois. J'ai tourné, ça voulait pas adhérer au sol, la route. Et du coup, tu fais quoi, là? Slash fix. Ah oui, d'accord. Oh merde. Nous on est tout droit, tout droit. J'ai marqué oups. Le mec il dit juste oups. Sorry. Oh non. Bon, excusez-moi, je souhaiterais. Est-ce que tu peux remettre ton camion droit s'il te plaît? Merci jeune homme. Ma remorque elle est où? Ma remorque elle est où? Ah mais c'est décroché ma remorque, mais c'est quoi le délire? Elle est où? Oh non, il y a marqué vous êtes en panne de carburant. Oh putain. Ah oui, mais toi t'as la totale.
Mec, il y a un camion, il manque le moteur. On voit la... Oh ouais, le bordel. Ah mais c'est un DLC, c'est normal. Attendez. Alors, on va juste faire un ravitaillement d'urgence pour la deuxième fois. Super. Mais de toute façon, plus loin, il y a une station. Putain, mais mec, c'est incroyable. Comment j'ai pas de chance, moi c'est... Bah, en même temps, pas de chance. Surtout que je suis conduit comme une merde. Quoi. Alors, ça, on va faire le plein d'essence. Réaliste et en train d'écrire. C'est bon. On accroche tout ça. Allons-y. Bah, allons-y. Hein. Écoutez. C'est bon. La voie est libre. Je rappelle, la voie est libre. Bon, la question, c'est on nous reste combien de kilomètres pour faire le plein là? Bientôt, les gars. Bientôt. Mais est-ce que tu penses qu'ils regardent le stream, les gens? Parce que les pauvres gens, ils doivent se dire, mais qui c'est qui ce gogo là? En plus, on fait des bouchons comme jamais là. Oh là là. Je fais quoi, moi? Ah, tout va bien. Désolé, déjà, du coup, désolé aux gens que j'ai foncé dedans. C'était pas le but. J'ai voulu tourner, mais je pense que j'aurais tourné plus longtemps. Ça aurait fait et je me serais retourné. Mais là, il est arrivé vite et j'arrivais vite aussi. Et en vrai, voilà. Ah, la station est là. Oh, franchement, j'aurais pu arriver à la station. J'aurais pu arriver à la station largement. J'étais à 130, mec. Ah oh là là. Vas-y, go faire le plein. Faites demi-tour, les gars. Parce que sinon, c'est la merde. Mettez-vous sur la voie. Je sais pas comment faire demi-tour là, parce que ça va être la merde. Non, mais t'inquiète, on est là. Hein. Vas-y. Oui. On écrit tout. GG, j'ai réussi à la station. Putain. T'inquiète, on a des pilotes. Oula. Tout le monde arrive. Allez, ça arrive. On fait le plein. On a eu combien? 620 balles. Magnifique. GG, merci. Du coup, ceux qui demandent énergie, j'appelle les gars, c'est à 22h45. Allez, go! C'est parti. Il y en a qui va pas passer dehors. Parce que là, du coup, attendez. Si je regarde un petit peu ma carte. Attendez, parce qu'en fait, elle me dit d'aller tout droit, mais je pense qu'on peut tourner là. Attendez. Ça donne quoi là? Là, il me dit de remonter. Faire demi-tour à Genève. Bon, on fait demi-tour là, les gars. On redescend, on prend l'autoroute, bim bim bim, et on arrive à Saint-Alban-du-Rhône. Et on est arrivé. Et c'est parfait. Let's ouais, go. Du coup, tu sors à gauche. Et bienvenue aux 3000 personnes d'ailleurs. Vous êtes 3000, ça commence à faire. Bon, comment il va me faire sa manœuvre? Qui c'est à moi? Ah, c'est non, toi la gannelle là? Là, là, ouais. Oh merde, mais il fait quoi lui? Il fait une manœuvre. T'inquiète, il fait ça passe. T'inquiète, moi aussi. J'ai pas fait exprès. C'est. Excuse-moi, Maton. On est désolé, mec. Hein. On est désolé, mais il fallait que je livre mes chariots télescopiques qui ont dû faire 12 tonneaux depuis tout à l'heure. Allez hop, Kevin, il passe devant ou pas? Oui, il peut pas passer devant. J'accélère. Kevin, en feu de détresse. Je t'ai envoyé un mail sur ton mail pro. Ok, ben, j'irai checker ça. J'irai checker tout ça. Ah, heureusement que le slash fixe fonctionne parce que sinon, compliqué. Tu l'as jusqu'à quelle heure? On va l'arriver jusqu'à 23h, je pense. 23h30 à peu près. Je pense les gars. Demain je lèverai chaîne principale par contre sur Farming. Mon père travaille dans Energy. Ah ouais. Oula, c'est qui lui? Oula, fait des zigzags. C'est bon. Oula, j'ai peur. Nickel, plein gaz. Accélérez ceux de devant. Plus vite. Mec, il faut accélérer la mission, voilà. Après prends un DAF s'il te plaît. Après on verra. Mais après, on prendra une autre mission. Bah, je pense que je garderai encore le même, non? Là, je trace, les gars. Là, je trace même un peu trop, peut-être, non? Ça va, ça passe. Je suis à 110. Mon père travaille avec Koei. Ah ouais, incroyable. Attends, que dit une importante... J'arrive pas à lire. ils font quoi arrêter, là? Mais c'est pas moi, là. C'est pas ses abonnés, ça? Mais non. Ah non. C'est des autres gens, oui. Ils comprennent rien. On va juste ralentir un petit peu. Ouf. Qu'est-ce que tu me fais? Bah, je ralentis, mec. Bah, j'ai passé de 110 à 70, c'est vrai. Vas-y, je fais un peu de tout terrain. Oh là là. Et regarde le volant, comment il tient. Il vibre un petit peu, mais ça va. Attends, je regarde le live. Super. Oh là, heureusement qu'il n'y a pas trop de décalage. Hein. Oula. Ouais, ça va. Regarde, hop là, on va passer par là. Oh putain, il y a un mur invisible. Oh putain. Super. Oh, c'est trop joli ce qu'il y a devant là. C'est quoi? C'est quoi ça qu'il y a devant là? Je sais pas. Oula, freiner. Bah, je sais pas où sont les autres derrière moi, mais je suis tout seul. On les a perdus? Non, ils reviennent, je pense. Ils sont un peu plus loin. Bah... Et il y a les deux devant là qui tracent comme jamais. Bah moi je trace hein. Ok. Ralentis un peu Ganel parce que là... Oh y'a un pont. Oh on passe sur le pont.
Incroyable. Je gère. Oh là là, incroyable. T'es en couple ou pas? Ha ha! A votre avis, est-ce que je suis en couple? Oula oula oula. Merde. Vos pronostics dans le chat. Yo yo yo, salut Rémi. Non. Ah. Genre, j'ai envoyé ma gueule, vous faites bah non, pas lui. Ah ouais. Ne fais pas écrouler le pan. Oula. Star Wars sur Energy, oui, non. Oui, avec. Ah mais arrête. putain, non. Ça va. La plupart des gens. Mais arrêtez de dire avec Matt. C'était chaud. Du coup, la réponse est non. Avec sa main. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous. J'habite à Bolbec, super village en Normandie. Ok, un insolent. Non. Mathilde, elle a dit non. Elle a dit pas avec moi. Mais non, c'est pas ma sœur. Mais c'est pas ma sœur, Mathilde. Mais qui est-ce que vous racontez? Par contre, faut jamais mettre du bois au poil, là. Dès qu'on arrive, les gars, on met ça. Oui, avec Biscotte. Biscotte. Biscotte, elle a fait une vidéo sur une FAQ, j'ai vu tout à l'heure. J'ai checké un petit peu. Avec son Renault, mais non. Bah, ça suit ou pas, les gens, du coup, derrière, là? Ouais. J'en ai un derrière moi. Oh, faut tourner! Je vois pas s'il y en a d'autres. Putain, fallait tourner. Bah, du coup, tout le monde s'est trompé, hein. Enfin, ceux qui sont devant moi, ils sont. Oh putain, y'en a un qui se tape une marche arrière. Ah, il s'est. Bah, ouais, bah, c'est avec Axiri. Hop, ouais. Elle sort quand la map? Tu travailles à McDo. Pourquoi je travaille à McDo? C'est quoi le rapport de travailler à McDo? Aïe aïe aïe. Pourquoi y'a une ref que j'ai pas? Non, je sais pas. Même moi j'ai pas compris. Hein. Moi je veux pas travailler à McDo, mais McDo c'est pas. Non, pas envie de travailler à McDo. Ouais. Bois dans le feu. Bah ouais, mais on arrive dans 80 km. On arrive bientôt, les gars. Ah, on est dans Lyon. Scania V8. Bah, on a pas le Scania V8, je crois. T'as mis excès de vitesse, mais ça va. Oh, c'est vrai, on est à 60 là. Oh. Ouais. Y'a un garage. Non, bah, je vais acheter le garage de Lyon. Ça sera fait comme ça. Recalcul, oui. En vrai, on arrive à Lyon. C'est... Il commence à faire un jour en plus là. 6h20 du matin. Mais me collez pas le cul derrière là. Moi, je passe au orange, mais t'inquiète. Wouah, un insolent, frère, ce qu'il m'a fait. Non, mais qu'est-ce que c'est? Comment il conduit tellement mal? Mais comment il peut rouler plus vite déjà? Bah, je sais pas, mais il a gardé l'élan, je pense. Ah ouais. Alors, acheter le garage, oui. Magnifique. Allez, on repart. Les amendes sont chères. Bah, un petit peu, ouais. Légèrement, quoi. Bah, il y a un peu de monde ici. Il y a un peu de monde, il y a un peu de monde. J'espère qu'il n'y a pas un mur invisible. Ah, ah, ah. C'est bon, magnifique. Ah, je crois qu'il y a un souci de collision là. Non, c'est bon. Ouh, attends, mais ils sont où les gens là? Allez, sortez là. Sortez tous, les gars. Il va à gauche. Ouais. Ok. Vas-y, sortez, sortez. Nickel. Bon, après, je sais pas où tu vas. Hein. Pourquoi? Là, je vais tout droit, tout droit, tout droit. Vas-y, tout droit. Ok. Attends, mais y'a un mec qui passe. Qui... Attends, mais pourquoi il me dit de tourner alors qu'on peut aller tout droit? Je comprends pas. Bah ouais, on va tout droit. Y'a pas un mur invisible quand même devant. Le décor est un. MDR. Wow, Ganel! T'inquiète. Attends, mais il me fait peur, Clément, il bug là. Clément, il lag un peu, ouais. Ton décor est éteint. Mais putain, mais pourquoi il s'éteint? C'est bon. En plus, c'est le commentaire que j'ai lu. Ah, mais j'avais. Pourquoi ça s'éteint le décor? C'est bizarre. Bonne ça question. Mais ouais, mon néon il s'éteint. Mais en fait, je crois qu'il y a la télécommande, il y a trop de zones ici. Il y a des connes. Oh, il y a du monde, fais gaffe, fais gaffe. Ah, mais c'est bon, c'est la voie d'à côté. Ah, c'est des Français. Salut les Français! Bah pour moi c'est des Français, ils avaient entre parenthèses FR. Et du coup c'est pas mon décor qui était éteint, c'était juste le néon. Parce que mon décor en vrai il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 lumières. J'avoue que t'en as beaucoup. Un peu oui. Il y a des ondes. Mec c'est vrai hein. Tu sais qu'il y a trop de trucs statiques, genre mais quand tu mets des micros ou quoi, ça fait des ultrasons. Il y a trop de... Non, mais je vois, ça avance pas, accélérer. Tout droit les gars, tout droit. Bleu, oh, putain mais mec il casse les couilles. Oh. Non mais Clément. Non mais c'est trop chiant. Ganel il est... Ganel t'es un peu coincé je crois là. Bah je dois F7 quoi. Putain Clément. Il parlait du nom de ta chaîne. Bon slash fixe.
Toi, t'as de la chance. Mec, ouais. Merde, j'ai tellement. Bah attends, mais. Démarre. Voilà. Fouh, on est reparti. Hop, les réparations, ça vaut cher. Ah, mais c'est les serveurs qui bug. Ah, bah voilà, ils rebug. Ah, je reste ma voix d'à côté, comme ça vous me foncerez pas dedans. Par contre, je sais pas où faut que j'aille, moi. Vous êtes parti pas. Attends, mais restez assez loin, les gars. Regardez vos distances. 6 slash fit, ça fonctionne. Sauf si tu le fais toutes les 10 secondes. Moi, je suis à droite, les gars. Donc, faites pas les zozos. Oh, je suis lock. Oh, il se TP, regardez. Incroyable. Mais wesh, mais. Oh, vas-y, c'est horrible, gros. Ça lag... Ouais, c'est bizarre que ça lag comme ça. Oula. Mais non, mais du coup, la voiture pilote, elle est encore là, elle m'a foncé dedans. Super. Même pas sorti du truc, hein. Fais pas le con, user. Reste bien à gauche, hein. Là, sors, ouais, faut sortir à droite. Vas-y, je te laisse sortir. Sors. Faut sortir. Ok, voiture pilote. Ah, voiture pilote, elle aille. Ouais. Il est où, le gars? Mais je pense qu'on l'a tous, hein. Mais mec, il a disparu. Il s'est fait kick. Bah, je sais pas. Peut-être, en vrai, c'est faisable, hein. Il s'est fait kick ou il a disparu, je sais pas. Il est parti par là. Fallait sortir, ouais. Perdu. Merci, Maël. Trop cool. Vous avez le petit live sur Euro Truck? Oh, il y a des serres, incroyable. Voiture pilote, elle sait où on est allé ou pas? Voiture pilote. Ah, la petite boule là-haut. Touk, 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 touk. C'est trop bien ça. Je sais pas. Mais là, c'est quoi des petites. Oh, il y a des vaches. Incroyable. Ah ouais, on arrive sur des petites routes là-bas. Ah ouais, là-bas, c'est trop. Ah ouais, trop beau. Là, c'est la petite campagne okay, là. Pilote. Là, on est en. Vas-y, vas-y. Hein. T'es derrière moi là? Non, non, je follow la voiture pilote parce que du coup, j'ai dû faire F7. On est en petite forêt là. Pourquoi énergie? Oh putain. Vous verrez, regardez pas. Décidément. Stylé la petite forêt. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Bonsoir. Où salut France. C'est quoi avec la voiture pilote? Je sais pas moi. Allez, on arrive. Ah, je suis pas souvenir d'être passé par là. Y'a du monde ou pas là? Oh, oui, y'a quelques mondes. Du coup, on est à Saint-Alban, les gars, sur la promode. Hein. Ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent rejoindre, ça va vers promode. Saint-Alban, c'est vers Lyon. Mais on va se TP à Lyon, je crois, ou un truc comme ça. Bah, Lyon, j'y étais. Centrale nucléaire? Ah, c'est une centrale nucléaire. Oh, je crois que je suis perdu. Rappelez-moi de mettre du bois après. Reviens. Oh bah flemme, hey, mec, au pire, tu sais quoi, je vais me. T'es où là? Là, je suis à. Bah, là, si je fais F7, ça me TP où? Attends, je regarde juste où ça me TP. Non, non, fais pas F7. Ah. T'es juste où? Je suis à Saint-Alban, j'arrive à Saint-Alban. Ok, gestion des garages, ça va aller plus vite comme y a ça. Y'a pas de garage, Saint-Alban. Ah ouais? C'est Lyon, ouais, c'est mini-ville. Je crois pas qu'il y en ait un, mais. Attends. Oh merde. T'as oublié l'option bois, c'est bon. Ah ouais, y'a pas. Ouais, mais je vais me TP. Là, je vais. Enfin, je vais. Soit je me TP là-bas. On verra. Ta fenêtre est ouverte. Ah merde. C'est bon. Ah, ça me fait rire. C'est à vous, ta fenêtre est ouverte. Oh, y'a un Doudan, par contre. Il va sauter lui. Wow. Oh, comment il saute. Putain. Oh, les Doudan, par contre, vénère. Ouais, mais comment il conduit? Oh, c'est trop joli ici. Oh, trop joli. Du coup, tu reviens à Lyon? Bah, à part s'il y a une mission qui part Saint-Alban, hein, mais les gars, venez pas tous là parce que ça va être le bordel, rentrez pas tous dedans. Vas-y, en vrai, je t'attends à Lyon si tu passes par Lyon. Parce que là, mec, ça va être chaud, ouais. Non, non, je prends pas de voiture, on a fait des voitures hier, mais on en prend plus. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il a fait de la merde. Flappy, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a fait demi-tour, hein. Bah, ouais, je sais pas. Merde, allez, passe la vitesse. On est dans une zone industrielle. Préparez-vous à tourner à droite. Enlève tes lumières. C'est bon. J'ai mis que mes petits feux de position. J'ai encore mes gyros. Mais je vais les enlever là. Allez. Donc, nous sommes arrivés. Tournez à gauche. Tes phares. Oui, c'est bon, ils sont enlevés. Enfin, nous y voyons. Attends, c'est où qu'il faut livrer? Je crois que c'est là-bas. Il me semble que c'est là qu'il faut livrer. C'est dans quel côté? Est-ce que je suis dans le bon sens? Oh putain, je suis pas dans le bon sens. Bon, restez assez loin de moi parce que bon. Voilà quoi. Bonjour à tous Mathilde et aux autres modos. Exactement. Allez. Attends, on va essayer. Alors faut que je retourne comme ça. Allez. Putain, c'est une boîte de nuit le truc. Attends, des petites marches arrière. Nickel. Hop. Pardon. Allez, accélère. Putain, mais il y a encore le mec. Oh putain, j'ai fait une bouffée à la barrière. Super. Attention, mon élève de Star Wars, ça va, ça va. Regardez. Non, ça va pas, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, n'inquiétez pas. Ça va le faire.
S'il y a personne qui me gêne, je vais y arriver. Oui, c'est vrai, je vais sur la route pour prendre. Mec, il va sur la route pour manœuvrer. Quoi. Ok. Ça va le faire. Là, on repart comme ça. Nickel. Allez, on change de vitesse. Regardez ça. Eh, les gars, va falloir qu'il y ait un petit peu de GG dans le chat là. Dès que la remorque est déchargée, je veux du GG. Parce que là, regardez. Eh. Est-ce qu'on gérerait pas la remorque là? Là, va un peu trop près des conteneurs là. Oula, oula, oula. Ça va. Ça gère. Non, mais attends, il n'y a pas de GG encore. On n'est pas arrivé. Hop. Là, on se met là. Là, on avance. Et regardez-moi ça. Ça va être en vert. Donc, nickel. Voilà. Magnifique. Merci à ceux qui sont là. Ben, c'est 2900. Merci pour vos pouces bleus. Hein. Endommagé. Ah mince, elle est endommagée, ma remorque. Mince alors. C'est bien moins 43 000 balles. Ah. Merci de suivre cette aventure, même si c'était un peu compliqué. Bon, maintenant, où est-ce qu'on va aller? Parce que maintenant, il faut qu'on. On n'a pas fini. Les gars, je ne sais pas. Là, si on part de où on est, on peut aller. Ah, on peut aller en Allemagne. 39 tonnes. Ouais, 39 tonnes, ça va être compliqué. Le bois. Ah oui, le bois. Mais les gars, choisissez dans le chat, parler avec Ganel, nord, sud, ouest. Voilà. Bon, vous voulez aller où? Corse, ouais, non. En Suisse. Ouais. Ah, la Bretagne. Ouais. Corse. Corse, Corse, ouest, Suisse, nord. Allez, j'arrive pas à tout lire. Angleterre, Bayern, ouais. Ok. Allemagne. C'est bon. Ouais, il y a trop de villes. Hein. T'as pas... Ça va, Daniel, tout se passe bien? Alsace, Nord, Sud. Oh, je voulais mettre une bûche dans le truc du bois. Italie. Bah, si Mathilde dit Italie, on écoute Mathilde en fait. Hein. Bah, vas-y. Hein. Ça part en Italie. Hein. Let's go, Italie. Soyez prudent. Nord, Normandie, Luxembourg. Bah, le problème, c'est quoi là? J'ai quoi des missions pour ça? Là, c'est que si bien, c'est que je recharge directement là où je suis parti quoi. Du coup, on va où là? Là, on va en Italie. Attends, je recherche ma cargaison qui est où? Bah, où ma cargaison? Bah, merde alors. Mais tu l'as pas prise, je crois. Si? Si? Ah, attends, parce qu'il faut... Attends, faut que j'aille là en fait. Voilà. Off de traction. T'es plutôt dans un garage. Bah non, mais du coup, je prends cette mission. Attends, alors les gars, je vais vous montrer la route qu'on prend, ceux qui veulent nous rejoindre sur le trajet si jamais. Pour une fois qu'ils m'écoutent. Bien sûr, je t'écoute. Saint-Alban-du-Rhône. Alors, on passe par. Ah là, on a dit, on fait. On va là. Donc logiquement, putain, mon GPS il fonctionne pas. C'est quoi cette merde? Attendez, on va sortir du truc là. Déjà ma cargaison elle est où là? Parce que je la récupère. C'est... Bah elle est où ma cargaison? Bah merde alors. Tu l'as validé je crois. Quoi? Tu l'as validé? Ah oui je l'ai validé. Ah mais si elle est là, elle est à côté. Elle est là, t'inquiète pas. Va en Sicile. Il y a un décalage au moins. Mais en fait faut quoi... Là les gars faut qu'on... Ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va aller au maximum à l'ouest. À l'est pardon, à l'est. On va aller à l'est le maximum de la map. Venez les gars, l'objectif de ce soir c'est d'aller... Regardez les gars, est-ce que les gars, vous êtes chaud pour que ce soir, l'objectif de ce live, c'est d'aller genre là, genre dans les villes qui sont là, voilà. C'est sûr. Mec, faut vouloir, voilà, quand on veut quelque chose, voilà. Ça peut être sympa quoi. Par contre, je suis pas sûr qu'on va coucher, on va se coucher à minuit quoi. Mais j'ai envie de vous dire, on est en vacances quoi. Jusqu'au demain, je me lève à 8h pour... Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Moi c'est à 8h que je commence moi. Ouais, je me lève à 8h, faut que je parte à 8h. Oh putain, le choc. Allez, charge-moi ça. Par contre, on va quand même enlever les gyros parce que bon. Tu passes par quelle grande ville? Bah, je vais te dire ça tout de suite. Je vais te dire ça. Par contre, je vais devoir aller chercher à boire parce que à force de parler comme un gogol, moi, je. Ça me plaît. Après, les gars, faut savoir qu'il y aura une pause. Hein. Il y aura une pause à énergie, il y aura une pause et tout. Puis Nico, il veut faire du jeu. Ah, là, je veux que Nico veut faire du jeu guesser. Je pense que j'ai une flemme. Il va faire. Ah ouais, mais. Tu me l'avais promis. Ouais, ouais, bon. Bon, bah, les amis, nous sommes partis. Bah, je vais te dire où c'est qu'on passe. Ouais. Tu fais quoi à 8h? Je vais avec mon père voir une charrue. Alors, on passe par. Pas par Montpellier. On passe par Bologne. C'est la seule. Bah, en fait, il n'y a pas de ville en fait. Ah, si, Parme. C'est Bologne. Quoi? C'est en Italie. Il n'y a pas de ville en fait. C'est que l'autoroute. Donc, ouais. Ah, tu veux qu'on passe par Bologne? Bah, en fait, on va à Bologne. Ah, mais c'est loin. Bah c'est à 600, 800 km quoi.
Ah, moi j'ai moins que vous. Bah, je vais commencer à y aller. Hein. Mais t'es où toi? Bah, je suis à Lyon. Vas-y, ok. Vas-y, let's go. On est parti, les amis. Nouvelle mission. Qui reste au moins jusqu'à la fin de cette mission, les gars? Et par contre, il est 22. Quoi? Vas-y, quoi, Ganel? Quoi? Tu restes pas? Moi, non. Je reste pas jusqu'au bout, je pense. Oh non. Bah, ça dépend. En fait, tu vas où? Combien de kilomètres? Bah, là, c'est à 800. Oui, mais pour aller où? À Bologne, je t'ai dit. À Bologne, c'est tout? Bah, après, on va faire d'autres, mais pour cette mission, du moins. Ah, je croyais que t'étais de passage à Bologne. Non, j'y vais. Ah, ok. Bah, je vais jusqu'à Bologne, je pense. Vas-y. Oh putain, le Dodan! Oh, la voiture là! Wouh! La voiture, comment elle a sauté, je suis mort. C'est qui en voiture? C'est ZK Gaming. Enfin, non, chauffeur de. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est le voiture. Je ne suis aucun des deux. Ah là là. Oula, y'a un panneau qui était un peu tordu, j'ai vu d'ailleurs. Je sais pas ce qui s'est passé avec le panneau, mais. Mais nickel. Jusqu'à la fin, BG. Bah, vas-y, hein, si vous restez jusqu'à la fin, ça me fera plaisir. Ça veut dire que si on arrive jusqu'à la fin, on doit arriver aux 50 000 sur Insta. Ah, je vais vous péter les couilles avec ça. Mec, à chaque live, je gratte des abonnés. Ça va être tellement chiant pour vous. Et ça marche en plus. Bah oui, mais mec, c'est quoi le truc énergie? Bah, c'est que je passe à la radio. Mathilde, je t'aime. Ah ouais, ok, non, vous êtes comme ça, vous. S'il fait, lui, il roule dans... Mais il a dû le péter, il a dû péter le panneau. Je peux pas rester jusqu'à la fin, y'a pas de soucis, les gars. Oulala, faut freiner. Oh putain. En vrai, c'est plus stable ça. Mais pourquoi les camions veulent pas passer devant là? La voiture, est-ce qu'elle veut passer devant moi? Genre juste devant moi. Genre comme ça, elle m'escorte un petit peu, tu vois. Super. Est-ce que la voiture, tu veux faire deux zigzags? Je vais pas voir si t'es dans le live. Faites deux gros zigzags. Mignon, mignon. Ah, c'est bon, elle est dans le live. Putain. Est-ce que tu peux arracher le bas côté de droite? Ouah. Attends. Oh, rien. Ah, mais c'est ma soeur à tes conneries. Putain, il est fou. Aïe aïe aïe. Oula, est-ce qu'il faut faire le plein d'ailleurs? Attendez. Non, il n'y a pas besoin, mais j'ai 994 d'autonomie. Je dois faire 890 km. Donc logiquement, j'ai assez. Mais est-ce qu'on s'arrête? Dans le chat, est-ce qu'on s'arrête de faire le plein ou pas? Est-ce qu'on s'arrête de faire le plein? T'as combien de kilomètres là encore? Là, il me reste 823. Oui, ils disent oui les gens. Ah, bah, je suis plus près que toi à Bologne. Oui, oui, bah, vas-y, bah, attends, logiquement, on peut pas s'arrêter, on a interdiction de tourner. Mais vas-y. Allez. Ah, elle va faire le plein, la voiture. Aïe! Oh, pardon, la voiture! Oh non! Elle m'a poussé, la voiture, quoi. Oh merde. Attends, mais je peux faire le plein si je me mets sur la zone là. Là! C'est bon, je peux faire le plein. Je viens de t'envoyer un mail, yes! Aïe! Me poussez pas, putain! Mais regardez ça, mais mec, c'est tout ça pour faire. Oh là, calmez-vous! Mais ça va, mec, ils sont énervés pour faire le plein. T'es plus à une interdiction près, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a personne à droite? Je crois pas. Bon, c'est bon. On tente, on verra, ça fait boum, c'est qu'il y a quelqu'un. Mec, il parle comme ça. Oula. Tout va bien. Troisième sortie. Ah oui, c'est celle-là. Doucement. Oh non, j'ai cassé. Mais mec, faut que j'arrête de conduire mal. C'est pas possible, ça. Je t'ai rencontré quand c'était avec Valouz. Ah ouais, incroyable. Bah, merci à toi d'être là. Hein. Mais merci d'être toujours là. Ça fait plaisir. Moi, c'était cool hein, quand on avait fait un truc avec Valouz. Enfin, Valouz avec les croutons, quoi. C'était cool, ouais, c'était grave cool. J'en étais sûr. Bah ouais, bah oui. Ça va. Oh, 49 150. Vas-y les gars, je vous remercie sur Insta comme ça. Hop hop hop, ça monte, on est heureux. Vas-y les gars, bah si vous êtes chaud, vous venez sur mon Insta et je vous dis merci pendant 3 minutes juste pour bah, dire merci quoi. Pour un peu inciter les gens quoi à s'abonner quoi. Ouah le bateau. Oh le bateau. C'est bon. Bon, ah oui, pour mais ça va vite. Merci à Maxime du coup qui se sub, enfin qui s'abonne à mon Insta. Merci à Hugo. D'ailleurs les gars, vous trompez pas de compte et si jamais vous recevez des messages comme quoi vous avez gagné un iPhone, ce n'est pas moi les gars, je tiens à vous le dire. Voilà. Du coup. Oula mais pourquoi ils gueulent les gens là? Attendez, mettre le clignot là. C'est bon, je peux me remettre à droite. Magnifique. On va mettre le régulateur
à 105 est nickel. Alors, du coup, je suis à Gatineau. Ok, d'accord. Thomas, merci à FTR Things, je sais pas trop. Merci à Pierre, merci à Zozo, merci à Bryson, merci à Matt, merci à Clément, merci à Maxime RZ6, merci à Hugo, merci à Erwan, merci à Momo. Attends, je réactualise. Oula. Non, mais vous me faites peur, c'est dans le jeu dans mes rétros. Merci à Mathieu, merci à Alex, merci à Clem, merci à MC Romain. Voilà, qui se. Mais attends, mais je crois que j'ai un loop. Il y a 10 secondes, il y a 2 secondes, il y a 1 seconde. Ça va trop vite en vrai, merci. Vas-y, encore une fois. Merci à Adem. Sans mon compte, les gars, c'est le compte à 46 600 abonnés. Tiens, en vrai, mais t'as les 50. Mais mec, 50k quoi. C'est incroyable. Bref, merci à vous, les gars, ceux qui sub et enfin, ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. On tourne, les gars. Ceux qui demandent, on tourne. Change du camion à la prochaine émission. On peut changer. On lui a mis 1300. Non, attends, combien de bornes on a mis le camion, il a combien de bornes? Il n'y a pas écrit, je crois. 1389, mais c'est ce qu'il y a d'autonomie. 62. Il n'y a pas écrit, les gars, comment j'ai fait avec le camion. Ouais. Oula, mais je vais. J'allais un peu vite là. J'allais un peu vite. On va se remettre sur notre voie. Je me suis pas retourné. Attendez, je me remets droit. Passez les gars au péage, passez au péage, vous inquiétez pas. Je vous rattrape. Ça va, calmez-vous. Je ne gêne personne là quand même. Alors, est-ce que je peux passer là? Il y a personne, il y a personne. Oula, mais sa marque elle est grande là. Ça va, ouais ça va les gars, ça va. On va passer par là. Oh bah, il a disparu. Bah, il s'est pris la barrière ou quoi? Nickel, allez go, on accélère. Je vais le fumer. C'est bon, merci XGaming. Est-ce que je peux vous rejoindre sur ETS? Mais bien sûr que oui les gars, tout le monde peut nous rejoindre, c'est gratuit, voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Enfin c'est gratuit, il faut acheter le jeu et quand même avoir tous les DLC pour pouvoir jouer avec nous, donc c'est pas gratuit en fait. Mais sinon c'est vraiment bien. Et vous pouvez jouer même au clavier souris, vous pouvez jouer aussi. Hein. Donc voilà. 1200 sous le compteur. Hein, c'est... Ah oui c'est écrit là, 1200. On a fait 1204 avec le camion, ok. Bah 1200 bornes, on va lui... Ah ouais, bah il est tout neuf en vrai mec, il est tellement tout neuf le camion. Joueur RP gros, Stervio, oui. Je suis dans le champ de vigne, regardez. Avec mon PQ, regardez, il y a mon PQ là quoi. Putain. Du coup, j'avoue les gars, mais n'hésitez pas à vous sub si vous voulez. J'ai remis à jour les compteurs de sub parce qu'ils étaient buggés. Du coup, on a 32 subs sur la chaîne. Sur cette chaîne, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et tu vas quand même énergie, c'est écrit dans le titre. Par contre, il va falloir vraiment que j'aille chercher à boire parce que sinon, si sur énergie, je suis en mode. Non. Ouah les gars, il y a des chemins. Attends, mais quoi? Ah, mais je croyais qu'on était sur des chemins. Non, ça va, on reste sur la route, j'ai eu peur. Freine. Oh, mais rendre les paysages. Par contre, éteignez vos phares, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez éteindre vos phares parce que vraiment là, ça flash, il fait jour en fait. Oh, mais merci Brian. Merci Brian, du coup. Bah, merci beaucoup. Je veux un maximum de merci beaucoup, Brian. Brian qui se sub, merci mec. Du coup, ça va passer à 33 normalement. Voilà, 33, merci mec. Merci, du coup, merci ceux qui ont éteint les phares aussi. C'est quoi ça? Une statue? Oh, il y avait écrit quoi sur la statue? Mais what? C'est quoi ces champs? C'est les champs de lavande? Wow. Mais c'est joli par ici. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh le bordel. Mais c'est trop beau, regardez, ils ont mis des bottes de. Non, c'est pas des bottes de paille, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Hein. Putain, c'est vraiment bien fait. 1200 km sous le compteur. Bah ouais, hein, 1200 bornes. Et encore, on avance. Pourquoi tu joues plus avec ta team, avec la team Crouton? Parce qu'ils ont arrêté farming. J'aurais dû venir pour Rust, mais au final, je crois qu'ils ont arrêté en plus Rust. Je crois. Mais ouais. Il n'y a pas Energy qui t'a appelé tout à l'heure. Mais non! C'était un fake, les gars. C'est quoi là? Il y a des travaux. Circulation alternée. Et pourquoi mon volant il vibre comme ça? Faites gaffe, les gars. Nyon. Ça passe. Ah, mais je suis en sous-régime, c'est pour ça que ça vibre mon volant. Je me disais. On arrive à Nyon. On arrive à Nyon. On va ralentir un petit peu. Je te quitte. Oula. Je te quitte avec un ami. Comment ça, tu me quittes? Je te quitte avec un ami. Sinon, Ganel, ça va? Ouais, j'arrive. Enfin, ouais, non, j'arrive pas en fait. Mais t'es si loin que ça. Je suis à 687. Ah oui, il te reste tout ça. Oh!
Mais putain! Bah, je me suis retourné. Ah. Mec, c'est pas normal. Là, je voulais bien, les gars. Je vais... Oh putain, je me TP à Marseille. Oh lolo. Marseille. Je me TP à Marseille. Nico, j'avais envie... je suis désolé, mais je voulais jouer à Euro Truck en fait. C'est pas grave, Nico. En fait. Je suis trop lancé dans Euro Truck. Ah, il va me dire quoi? Il va dire oui, t'es con. Il va se retourner à putain de merde. À Marseille, il te reste combien de kilomètres du coup? Il me reste, je vais te dire ça. Je pense que c'est dans le reste. Je sais pas si ça a augmenté ou pas. T'inquiète, vas-y, nickel Nico. Ça va Nico. Nico le boss. 700. Bah ça m'a augmenté de presque 100 bornes quoi, donc ça va. Ah, ouais. Enfin, c'est... Oh, 100 bornes, c'est rien. Allez go, on est reparti. Bonjour Clément sur Énergie, quel bâtard. Vas-y, t'inquiète Nico. T'inquiète, t'inquiète. Allez. En vrai, on fera ça une prochaine fois, ouais. Demain, vers demain, bon, je live moi, donc peut-être on verra. Mathis, tu me diras bon anniv demain. Quoi? Ah, le retour de ZK, le retour. Bah attends, je vais acheter le garage. Wow. On va acheter le garage, comme ça c'est fait. Est-ce qu'on peut l'améliorer le garage? Oh merde. Ouais. 22h10. Attends, j'aimerais bien écouter Énergie pour savoir un peu comment ça se passe. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il parle de nous là. Est-ce qu'ils disent ouais, on va inviter en fait Stervio, la meilleure star du web sur Farming Simulator? Pas du tout. Amélioré, oui. Donc normalement, en fait, là je vais rouler et vous allez me voir passer à travers le bâtiment logiquement. Non. Du coup, t'es à Marseille, Ganel? Non, je continue ma route. Bah, tu roules même pas avec nous, quoi. Bah, attends-moi alors. Mais t'es loin de Marseille? Non, je vais me TP garage, mec. Vas-y. Gestion de garage, moi j'ai déjà acheté tous les garages. Mais attends, Nucléon, je transporte quoi moi? Marseille. Des palettes vides, bah super. Si elles sont vides. Ah, j'ai les doigts gelés. T'as les doigts gelés? Ouais, ma main droite elle est gelée de fou. Et pourquoi tu mets la main dans la cangèle ou quoi? Mec, je vais chercher une glace. Oh mec, j'ai envie de manger une glace là. Non, je déconne. Alors. Après, je mangerai une glace. Skyrock, en fait, non, moi je suis pas Skyrock, moi je suis énergie. Moi. Ah merde, ma remarque elle est là. Mais t'es à Marseille ou pas? Ouais. Bah je t'attends alors. Bah roule doucement quoi, je sais où vous êtes parti par là. Bah t'inquiète, sinon je viens. Ganaël, 240 ouais. Mètres, 250 mètres. Ah ouais, je recule prendre ma remorque. Vas-y. Par contre, tu m'as donné de la pluie, mec, c'est pas gentil hein. Oh non. Vas-y, chauffeur ZK, tu peux déplacer. Hop, c'est parti. Voilà, le boss, il m'écoute, super. Laurent, prenez le rond-point. Oh, freine pas trop! Il est malade de freiner comme ça, lui. Il va me foncer dedans, celui de derrière. Les gars, gardez des distances, vraiment, parce que ça, non, c'est un multi, c'est ça. En tout cas, il y a du décalage, donc tu vois pas trop les... Enfin, voilà, t'as compris, quoi. Ouais, je vois. Il y a 2 secondes de décalage avec le live, donc ils comprennent et qu'ils captent. 2 secondes, ça... Ouais, mais il y a 2 secondes, mais... Là, bah, si... pour moi, en tout cas. Bizarre la cam en bas. Bah en vrai je préfère sur Euro Truck, enfin, je trouve ça bien parce que si je mets en haut, bah on voit pas le rétro et si je mets l'autre côté on voit pas la carte. Donc c'est le seul endroit qui était plutôt pas dégueu quoi. Moi je la trouve bien où elle est. Bah ouais. Elle gêne pas trop. Grave Christophe. Dis-moi Stavo, c'est quel numéro? Bah en fait c'est eux qui t'appellent. Moi ils m'ont contacté donc... Mais en vrai tu peux les appeler, c'est ça doit être 0800 42 48. Non, c'est Koé ça. Bah, je sais pas, mais écoute leur émission et tu as leur numéro. Mais Nico il avait appelé hein. Nico il avait appelé quand j'ai dépassé sur énergie, il avait appelé au standard. Moi il m'avait contacté pour que je passe sur énergie, donc j'étais prévu de passer à l'antenne. Et Nico, en gros, t'as des gens qui peuvent appeler s'ils veulent parler à l'antenne quoi. Et Nico avait appelé et tout. Et Nico était passé, sauf que le mec d'énergie, bah, les deux animateurs savaient pas qu'on se connaissait. Mais allez voir les gars, vous marquez Stervio Énergie sur YouTube. Et vous verrez, il y a l'extrait quand on est passé, il y a Nico qui apparaît au début, vous allez voir. C'est trop drôle les gars. Écoutez les gars, ceux qui veulent aller voir, vous irez voir après le live ou quoi. C'est sur la chaîne secondaire de Nico, on a mis l'extrait. Faut tourner à droite les gars, à droite. Ouais, freinez pas trop, freinez. Il va me foncer dedans, celui derrière, je le sens. Bon, c'est bon. Allez. Oui. Je voudrais bien me tester, mais j'ai pas tous les modes. T'inquiète. Oula, on passe par où là?
Ok, ouais, c'est quoi ces routes là? On rentre tracé maintenant. Allez, allez, allez. Super, allez, on accélère. Il nous reste 740 bornes. Super. J'arrive pas à me connecter à Truckers MP. J'aimerais bien tes conseils. Bah, pourtant, c'est simple en vrai. Accélère, chauffeur. Chauffeur, accélère, 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 accélère. Voilà, super. Là, faut aller à droite. Je trouve qu'on a pas le choix. C'est quoi si on a surpassé la barrière là? Attendez, je vais tester de prendre la barrière. Ça fait rien. Oh putain, si, ça fait quelque chose. Il y a moyen que tu prends un DAF après. Bah, si vous voulez, ouais. Si vous voulez, on prendra un DAF. Je sais pas. Enfin, je comptais pas le changer, mais bon, si vous voulez vraiment qu'on le change, bah, on le changera. C'est vous qui voyez quoi. Oula, doucement les gars, doucement. Ça va, sans, ça va se retourner. C'est bon. Il parle de toi sur énergie. Oh putain, je vais écouter. Stop les gars. Attendez, si je fais un retour Windows, mon véhicule il s'arrête. C'est bon, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Énergie, énergie, énergie. On écoute énergie tout de suite. Mais ça marche pas. Avril pour l'achat de super super énergie. Le troisième pack est offert. Le troisième pack. Attends, mais ça déconne là. Allez, mes play. Modalité magasin. C'est bien. Participant sur www. Je préfère Fun Radio. Pour votre santé. Ah ouais. Les aliments. Bah attendez, moi je veux écouter. Ils sont en, est-ce qu'ils sont en live sur Twitch? Attendez, on va regarder parce que là du coup j'étais pas énergie. Et je ne crois pas qu'ils sont. Oh non, ils sont pas en live. Ils ne sont pas en live. Bon bah dommage. Mais je pense qu'ils vont m'appeler après la pub. Mais non, c'est 16. Des points de vente officiels. Et du coup, vous écoutez énergie depuis tout à l'heure, ça veut dire? Je suis mort. Vas-y, au pire, je mets la radio sur. Bon, je laisse ça comme ça, au pire. Hop, let's go. Let's go, let's go. Hop, on est reparti, les gars. Désolé, on s'est un peu arrêté en catastrophe. Mais. C'est ta radio préférée. C'est de la merde. Mais après, vous n'aimez pas énergie, c'est votre problème, mais. C'est de la merde. Ils ont dit, vers 23h, nous parlerons de semi-conducteur avec Starvio, un grand youtubeur. Ok, ok. Et bien, c'est super, alors. Néo, néo, né, 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 né. Demain, tu fais quoi, Starvio? Demain, demain je suis pas là de la matinée. Et après, demain soir, live. Il y a le ni oui ni non avant toi. Ok, je connais pas trop exactement le truc. Mais voilà. Oh non, putain, fallait... Bah, en fait, non, fallait pas tourner. Fallait pas tourner. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oui, je doute pas à droite, y'a un problème. Oula, oula, ça sent le crash assuré dans 2 secondes. Oh là là, les gens derrière, les gars, regardez ça. Ça sent le crash. Y'a la voiture qui va me doubler, j'ai peur. Attendez, je sais pas où. Oh là là, oh putain, je roule. Oh, attendez, je vais me mettre un peu à l'intérieur parce que là, ça fait peur. Le jeu coûte 5 balles. Je sais pas trop. Il coûte. Attends, on voit la voiture dans le rétro là? Ah ouais, oh putain. Allez, avec l'antéviseur, on le voit bien. Il y a un péage. Du coup, c'est qui écoute? Ah, les gars, vous pouvez écouter énergie, mais en vrai, je... on va écouter énergie, mais... Bah, qui écoute énergie, veut dire? Parce que je mettrai l'énergie, en fait, sur le live. Mettez le lien. Le lien 2. T'as pas, il me double, lui. Moi. Vos parents, ils doivent dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'écoutes la radio, là? Rémi est bien ce midi, famille. Après, je suis allé à un rendez-vous médical et toi. Et après, elle m'a parlé. Ganel, c'est là? T'es vivant? Ouais, je suis là. Je suis au studio d'énergie, je te dis quand c'est toi, MDR. Je follow. C'est possible, hein? Ah, désolé, Scorpion, j'ai vu que tu voulais te rabattre. Mais énergie, tu enlèves la musique que tu as, s'il te plaît. Hein? Oh, on peut pas écouter. Putain, si je veux mettre la radio d'un coup, je peux pas là. Bon, on va être obligé de la laisser. Mais tu sais, j'ai marqué un petit peu ce que c'était la FSL, on verra. Putain, faut que j'aille vraiment. Faut que j'aille pisser, les gars. Là, les gars, faut que j'aille pisser en fait. Mais énergie dans la radio. Moi, mes problèmes, c'est que sur énergie, il y a de la musique et la musique, bah, elle est un peu copyrightée quoi. On a pas trop le droit de la diffuser. Sinon, il y aura plus de live. Donc, ouais. Est-ce que je m'arrête? Non, je m'arrête pas. En plus, il bloque la route. Mets la radio du camion. Bah ouais, mais il y a de la musique. Au pire des cas, si, est-ce que ça vous gêne si je mets juste ça? Parce que là, en fait, si on entend plus le camion, ça va être bizarre sans le camion, non?
Je sais pas. Je vais. On verra, ouais. On verra. Tu vas où maintenant? Là, les gars, on va. Je sais plus trop où on va. Parce que là, il est 19, donc 19, ça va être encore la pub, logiquement. Il doit y avoir une musique, si je pense, mais ici, il y a quand même la pub. C'est quoi ton compte Instagram? C'est Bastien-Dubaster. Donc voilà. Vas-y, il y a un péage. Ganel, tu parles un petit peu avec le chat? Pourquoi t'es où? Parce que je vais juste pisser en fait. Yes! Super! Bah, vas-y. Je vous mets énergie au pire. Attends, attends. Je vais voir juste ce qu'ils disent. Bah attends. Attends, j'écoute juste ce qu'ils disent. Bah dis-moi. Dis-moi tout. Hein. Attends, j'écoute juste ce qu'ils disent. Ils parlent de toi. 3 mots à ne pas dire et vous gagnez ce soir un écran de gamer 32 pouces. Gros délire. Oui, en plus, c'est, vous savez, c'est ces fameux écrans un petit peu nouvelle génération qui sont incurvés. Ouais, mais là, ils parlent pas de moi là. En jet, je vous le dis. Ah, c'est une bombe d'écran. Un écran Samsung, c'est incroyable. Voilà, il fait 80 cm de long. Mec, c'est un truc de fou. C'est énorme. Ouais. Allô, Nico. Ah, bah oui, c'est un très bon écran. Nico. Imagine, c'est Nico. Sur énergie, Nico. Attends. Salut, ça va? Non, c'est pas Nico. Vas-y, je te laisse. Nico, que t'étais sur internet, tu regardais la référence de l'écran. Attends, je te laisse parler de Ganel. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah, j'arrive. Alors. Bon, bah, comment vous trouvez ce live, les gars? Comment vous le trouvez, vous? Notez encore la conduite de Ster, comme d'habitude, hein. Vous connaissez. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Bah c'est cool. J'en étais sûr les gars, les notes. J'en étais à peu près sûr. Yo yo yo. J'étais à peu près sûr des notes les gars. Ah ouais. Il y a quand même des bonnes notes, ça va. Putain, mon volant il vibre. Yo yo yo, ouais. Yo no no. Me revoilà. Donc, juste de... ouais. Ouais, la voiture elle est devant moi, elle me fait peur là. Attends, mais mon camion il avance là. Ah, vous mettez des sales notes quand même des fois. Hein. C'est bon. Oui, t'es là? Ouais. Merde, ouais. J'ai pas de verre. Bon, ok. Je parle avec ton chat. T'as eu le temps d'aller boire du coup? Ah, ouais, tu bois. Voilà. Décalage. Oula. Non, mais décalage de live, mec. Ça y est, je bois. Attends, du coup, on va essayer de mettre la radio dans la voiture. Dans le camion, mais il y a un peu de décalage en fait dans la radio qui est dans le camion. Ouais, vas-y. Attends. Evan. Arrêtez de noter sa conduite, c'est bon. On a compris les notes. Il a fait un concours sur Strasbourg. Oh, il est chez lui, à la maison. Mais il fait rien, son taf. Il fait rien du tout. Ah, j'écoute un truc. Il bosse pas vraiment. D'accord. Comment ça, genre il est au chômage? Attendez les gars. Il a fait un concours. Ok, il y a un décalage du coup. Il y a un décalage de bien 30 secondes sur le truc de l'application de TS. Donc j'écoute pas sur le truc de TS les gars. J'écoute pas sur le truc de TS. Il y a un décalage. Ouais, un petit peu. Au pire, je la laisse un peu en fond les gars. Ça vous gêne si on laisse un petit peu en fond la voix? Vas-y, comme ça, si jamais au pire des cas, je fais ça. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Roulant. Comme ça, j'écoute un peu ce qu'ils disent. Vas-y, comme ça, on écoute un petit peu ce qui se passe, les gars. T'es où? En fait, je te vois plus. Tu me vois pas? T'es où? Bah, là, je suis au péage, je trouve la barrière là. Là, la barrière elle va s'ouvrir. Ah, t'es là? Je te le dirai, ouais, ouais. Mais les gars, ceux qui écoutent avec l'application, il y a un peu de décalage. Venez, on monte à 5000 viewers. Non, mais les gars, on est à 2500 déjà, c'est incroyable. Ça vous gêne pas du coup, l'énergie enfant, les gars? J'espère pas que ça vous gêne trop. Qu'est-ce que tu fais, Ganel? Bah, j'attends, y'a un mec qui. Ouah, mais il fait quoi lui? Mais il fait quoi? Malade, attends, du coup, ce qu'il dit. Il reste combien de kilomètres du tout? Ouais, mais il fait quoi? Mais mec. Voici grand corps malade et ouais, mais. Putain. C'était sûr. On n'importe où quoi? L'animateur d'énergie, je suis mort! T'as vu pareil que moi. Putain, mais non, mais arrêtez de dire animateur d'énergie. Oh, c'est trop beau par ici, par contre. Les gars, je me rabats. Mec, c'est trop beau. Combien? Vive les panneaux. Pourquoi vive les panneaux? Je me suis payé un panneau. Démonétisation, non, mais là ça va pour l'instant. Regardez, là maintenant. Nanana. Ok, super. Mais si j'ai. En vrai, si je m'enfonce. Ah, si je m'enfonce, c'est pas. Regardez, là c'est pas grave comme ça.
En vrai, là, ça, c'est pas gênant, je crois, la radio comme ça. Et il est 24, donc logiquement, il m'appelle que quand c'est la musique d'avant ou deux titres d'avant. T'es PRP, t'as passé sur les zébras. Ouais, ça va. Ça va, les gars. On n'est pas là pour chier dans la colle. Attends, j'ai chaud. Voilà, super. Bon. Ne fais pas ma petite, c'est pas bien parce qu'en 1.40, je peux pas être en multi. Ah ouais? Oui, bah oui. Il faut être en 1.39, en bêta. C'est pour ça. Allez, allez. En vrai, je pense pas qu'on aura des copyrights. Il est sur énergie pendant le live. Oui, oui, mais je resterai en live. Juste que je vous mettrai l'antenne, mais moi je me muterai. Genre, en fait, je parlerai pas dans le live. Oh là là, il me fait peur. Il sera bas. Et oui. Mais non, t'inquiète. Mec, ça se passe là, le petit voyage. Hein. Ça passe devant moi, mec. Il va te faire démonétiser si t'entends. Mais c'est là, si on parle par-dessus les musiques, en fait, la musique elle est très très basse, donc c'est bon. Voilà, si je parle pas pendant 2 minutes. Ça va mec, ça le fait, ça va. Sur Twitch, si sur toi, bah si sur Twitch, c'est copyright aussi. Mais là, ça va, il y a le son du jeu et tout. Mec, c'est incroyablement stylé par contre. Hein. Les vaches et tout, le paysage, les montagnes. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais par contre, Flappy, fais pas le fou, Flappy. C'est qui devant? Je sais pas. Attends, il y a un rond-point. Il y a un rond-point, les gars. Faites gaffe. Attends, je fais deux tours de rond-point parce que je vais me retourner. Attendez. Je vous laisse passer. Je peux passer? Merci Ganel qui est le boss. On écrit tous merci Ganel, voilà, qui m'a laissé passer. Mec, je respecte c'est stylé. Le code de la route. Hein. Mec, c'est trop beau, Brandre. Hein. Waouh, c'est incroyable. Le code de la route, hein. C'est stylé. Par contre, c'est vrai qu'ils roulent bizarre, les gens là. Wow, il fait quoi lui? Est-ce que j'accélère ou je fais quoi là? Accélère. Bah, c'est ça, mais. Non, accélère pas parce que t'es bloqué. Ok, si, il faut que je passe. Allez, accélère, ah, je suis à fond. Aller derrière toi. Je suis à fond. Trop beau, bah ouais. Ouais, il va se rabattre. Mec, c'est trop joli. Accélère, mais je suis à fond. Rabat-toi, mec. Accélère. Ok, wow, c'est bon. Dans les rétros, je. Voilà. Accélère. Mais ça serait tellement bien qu'on puisse sur énergie. Enfin, non, ça serait trop bien qu'en live on met les musiques qu'on veut, tu vois. Ah, attends. J'avoue. 21h. Attends, j'écoute. On est là sur LRG, c'est LRG Radio Stream. Dans un instant, le JDJ, on va parler de Farming Simulator ce soir. Et oui, on le sait, c'est nos amis, vous êtes nos amis, bien sûr. Parfois, on parle de Road Truck Simulator, mais là, ce soir, c'est Farming Simulator. On sera avec Stervio, oui. Très, très gros YouTuber, justement. Ah, merci. Il va tout nous expliquer. Ouais, très, très gros jeu, hein. Farming Simulator, ah, oui, bien simulation, sûr. Vous gérez votre ferme et vous faites tout. Enfin, franchement, j'ai vraiment incroyable. Hâte qu'on en parle, c'est un gros délire. Ouais. Énergie, ok, super. Voilà. C'est parti pour les nickel, on a été très bien annoncé, donc va falloir qu'on mette du lourd là. Là va falloir qu'on fasse pas qu'on fasse le con. J'avoue. Très 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 gros simulateur. Oula, attends, la voix est plus grave par contre. Voilà. Très très gros youtubeur. Putain de Dieu. Oh putain de merde. C'est génial. Pourquoi? Bah le changement de voix. Ah ouais. Sur énergie. Mec, dommage que sur énergie je peux pas mettre. Ouais, salut les gars, ça va? Je me suis un peu enroué la tête, je suis sorti sans l'écharpe. Putain. Tu penses quoi des nouveaux Fant One? Incroyable! Incroyable les gars. Vous avez entendu j'espère quand j'ai mis la radio? Attendez. Tout encore ouais. Normalement vous entendez si je mets. Normalement, c'est bon. Attendez, je regarde si vous entendez. C'était la Super League, voilà. Ouais, super. Super. Le plus gros youtubeur de Farming Simulator, incroyable. On y arrive bien. Bah, en vrai, c'est la radio, tu vois. Genre, ils t'annoncent. Non, ils vont pas dire, bah, c'est un petit gars de merde qu'on a trouvé parce que voilà, il y avait personne. Stresse pas. Non, en vrai, tu sais que quand je passe la première fois, je stressais un petit peu quand même. Parce que c'est la première fois que je passais en radio et tout. Je les connaissais pas vraiment. J'étais en mode, voir. Si, bah, en vrai, j'étais sur Discord et tout. Mais là, ils vont pas tarder à m'appeler, les gars. Je passe à 45, donc à mon avis, s'il y a une musique qui m'appelle, donc bah, les gars, on s'arrêtera sur le côté. Je vais seulement me faire kick du jeu. Mais bon, on verra. Deux meilleures équipes de chaque. Parce que là, il joue. À mon avis, là, il joue. Quand mon téléphone sonne, les gars, je mets le. Je vous fais écouter en gros le standard, mais c'est pas hyper intéressant. Et puis voilà. Moi, je pense qu'après, je pars. Vas-y, t'inquiète, moi, je me muterai mon micro, de toute façon. Ouais, je muterai Discord et tout, enfin, tu m'entendras plus, donc. Bah, je pense que je vais te déco du vocal s'il y a personne. Vas-y. Enfin, moi, je serai toujours sur le vocal, mais j'aurais mute. Ouais, monte le son de la radio. Très gros club. Bah là, il parle donc. Tout simplement de décider de créer leur propre. Il parle. Dès que mon téléphone fait. Actuel,
européenne. Oui, ça va être. Là, vous allez voir que c'est pas Clément au standard. Là, vous allez voir, c'est Mélissa. Putain, ils m'ont pas fait. Pas personne. Hein. Attendez, j'ai fait une story sur Instagram, les gars. Oh, là, c'est trop beau. Oh putain, doucement. Freinez. Je vais me retourner. Non, c'est bon. Ah, t'es là. C'est bon, c'est bon. Attends, je fais une petite story Insta, les gars. Mettez salut Insta dans le chat, les gars. Comme ça, je fais une story, on vous voit. Putain, mon néon il s'est éteint. Mais c'est pas possible, mon néon il s'est rééteint. C'est incroyable. Non, oh, t'as trop d'ondes. Tu donnes trop d'ondes positives à ton studio. Oh putain. Attendez. Attends, je coupe énergie. Ok. Main libre. Avance, ZK. Vas-y, let's go. Les gars, on est en direct sur YouTube, on passe sur Energy dans quelques minutes, donc la radio, n'hésitez pas à venir sur YouTube, je mettrai le son d'antenne. Donc on est en live sur Eurotruck, et d'ailleurs toute la communauté vous dit bonjour, regardez, salut Insta, salut Insta, salut Insta. On est assez nombreux sur le stream, vous êtes pratiquement 3000, c'est incroyable, et là on conduit, enfin, du moins, j'essaye de conduire, c'est pas un... Oula, oh putain, non, venez les gars sur YouTube. Oh putain. Les gars, on est en direct sur YouTube, on passe sur Energy. J'identifie les gens, là. @brac. Putain. @brac. @ énergie non Louis les gars, on est en direct sur YouTube, on passe sur énergie. Attends, attendez deux secondes les gars, on t'entend 20 fois. @Louis j'étais un petit peu de monde énergie, voilà, et là je fais ça, ok, et je mets le logo énergie comme ça ils vont faire énergie, ok, et là énergie bim, ok, publier. Hop là, let's go. Ça y est, ouh, c'est publié les amis. On n'est pas prêt à la antenne. Bah maintenant, nous aussi, on va oui, des choses. Parce qu'en fait, ils considèrent qu'aujourd'hui, la répartition de l'argent... Super, la radio. Chaîne secondaire. Ouais, mais ils vont voir. Oh, freiner. Qu'est-ce qui se passe là? Allez tout droit. Je vais tout droit. Attention, ça passe. Ça passe. Ne stresse pas, tu fais plus de viewers que... Vous êtes des bâtards. Tu fais plus. Non mais tu sais, la radio, leur tranche d'horaire, je crois qu'ils font 50 000 en direct. Donc 50 000 en vrai, c'est un gros stream, tu vois. C'est quand tu vois Ignox qui stream à 130 000 viewers sur GTA, voilà quoi. Mais c'est comme la radio c'est écouté par des routiers. Je vais dire, ouais, je suis en train de jouer en fait en direct sur Euro Truck Simulator. Bah, le PSG dit. Donc voilà quoi. C'est avec Louis et Braque, exactement. Exactement, exactement. Donc voilà, mais je m'arrêterai les gars, je vous le dis, je m'arrêterai de ce côté parce que si je roule, je vais me prendre un mur, c'est sûr. Il va paniquer. Mais attends, mais d'ailleurs, je me suis fait une petite note parce que j'ai pas. Alors, attends, dites-moi, le DLC, la FSL, en gros, c'est un jeu 3 contre. Bah, on a fait un 3 contre 3 quoi, donc on est une équipe de 2. Le but c'est que on doit ramener le maximum de points en moissonnant, pressant nos bottes et. Et ta mère. Non, et en mettant les bots sur le plateau. Enfin, je vais expliquer, putain. Bon, ils vont faire ok. Voilà. Tout simplement. Et tout, qui... Là, normalement, il y a une pub à 36. Si il est 32, il y a le temps. Ah, je connais par cœur. Je connais tout. Non, attends, non, n'importe quoi. Ou alors 43. Je sais plus. Ben, bref, on verra bien. On verra. Sinon, c'est bien. Pourquoi quand je mets la radio sur mon poste, ils n'en ont pas parlé? Sur ton poste. Ben écoute Energy, mais ils vont en parler. Mais vous, et les gars, écoutez le live. Hein, le live, ce sera mieux, il y a une meilleure qualité, ça sera encore plus en direct. Parce que la radio, vous écoutez avec votre poste ou la voiture, il y a 2-3 secondes décalage. Mais bon, vu qu'on est en direct du live, il y aura. Bon, ben, c'est équivalent quoi. Vous avez c'est pas compris tout ce qui se passe depuis des années. Bim, en 6 minutes, on écoute ce qui se passe. La suite des Breaking News juste après le nouveau Justin Bieber. Vous êtes au bon endroit sur Energy. Voilà. Bref, du coup, on écoute ce qui se passe. C'est la musique, on adore. Donc, en fait, ils font la suite des Breaking News. Et après, on va parler du meilleur youtubeur farming, en fait. C'est tout. Je connais bien Koé. Ok, les gars. Par contre, vous êtes presque 3000. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Merci beaucoup, les gars. Le rétro droit, ouais, je l'ai mis. Enfin, je l'ai enlevé là. Mais voilà. Justin Bieber. Ils en ont pas marre des péages. Si, Justin Bieber. Alors, normalement, les gars, on peut rouler sans ralentir. On va tester. Ah non, en fait, faut ralentir. C'est pas le même péage en fait. Stère, je t'écoute sur Energy en direct de ETS2. Ah, mais il y a du décalage. Écoute le live, les gars, ça sera encore mieux. Le live, je mets dans son antenne là, je coupe le son du jeu. Et vous allez avoir le son d'une bonne qualité et sans décalage. Donc voilà. Il est sur quel serveur? Je suis sur le serveur de la Promode avec quelques petits abonnés qui roulent avec moi. Regardez, on se suit. Hein. Et on n'hésite pas à liker. Oh, mais sur Insta, 49 700. Ah ouais.
de vous gérer. Ah oui, ah bon, merde. On tourne, les gars. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Bah, ah, mais c'est Ganel, ça. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Passé. Il y a combien de... Oh putain, il y a du monde derrière. Oh, ouais, je voulais te passer, les gars. C'est un beau, je t'ai DM Insta. J'irai checker ça, les gars. J'irai checker ça. T'as trop de la... De la... De la quoi? De la lec. J'ai pas la promo. Ouais, la musique, elle est pas si dégueu, hein. Mec, elle est bien, ouais. Mais bon, copyright, quoi. Fais ta pub à la radio. Non, mais les gars, je m'en bats les steaks de faire de la pub. Je fais pas à la radio pour faire de la pub. C'est que des gens qui sont dans les camions qui écoutent et tout, là. Enfin, non, mais j'ai pas le but, quoi. Je ferai une dédicace à Mathilde. Pas du tout. 3000 visio. J'avoue, vous êtes 3000. C'est pas mon nom, Mathilde. Allez, t'es où, Ganel? T'arrives là? Ouais, à pleine balle. Bah, moi j'arrive, enfin j'arrive, je suis. Il reste 380. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de finir la mission avant qu'on passe à l'antenne? Compliqué, on a bien. Combien de kilomètres t'as dit? Il reste 380 km. Non, logiquement, on passe vers 45. Donc, sachant que quand, dès que je suis au standard, je préfère. Enfin, je coupe, quoi. Ouais, parce qu'elle me parle et tout, donc. Mais vous verrez un peu comment c'est. Non, pas le temps. Compliqué, je pense, hein. Par contre, je pense que je vais me faire démoniser mon live, le son, ça. Parce que la musique, elle est en fond quand même, mais. Le Justin Bieber, là, voilà. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Allez, allez. T'es grand maintenant. Je suis grand maintenant. Tu veux pas venir en simulation après? Non, on reste en pro mode. J'ai reçu un SMS, qui est-ce? Hein? Ah, félicitations. Il y a des potes qui m'écoutent. C'est le hit préféré de Louis Energy. À la pêche. Oui, c'est vrai. Ouais. Vers le bas. Je l'ai écouté tout le week-end, super chill. Tu tournes sur de combien MS? Pas beau. Enfin, je sais pas. 64 MS, mais je suis en stream, donc bon. C'est pour ça, quoi. Il est payant, je t'ai DM sur Insta. Vas-y, fais des quêtes. Ah! De Farming Simulator, c'est notre JDJ d'aujourd'hui. Oui! Et puis on va aussi lire tous les messages que vous nous envoyez sur Insta. On aime bien faire ça, on appelle ça la petite rafale Insta. Parce que si je suis en direct à l'antenne, vous allez m'entendre en double. Qui arrive, Braque2K avec le chiffre 2 pour envoyer des DM à Braque. Et moi, c'est Louis Energy tout attaché. Mais là, on continue les Breaking News. Non, mais c'est les Breaking News. Vas-y, juste après alors. Je pense que là, il y a. Ils finissent son Braque. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ils finissent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Flappy, il fait pas le con! Il finit ses Breaking News. Il me fait peur à côté. Il va me foncer dedans. J'ai trop peur. J'ai trop peur, mec. Flappy, fait pas le con, vraiment. J'ai peur de lui. Il va me foncer dedans. Ah non, je freine. Franchement, je freine. Je freine, les gars. Faites gaffe, je freine parce que j'ai pas me faire foncer dedans. Nion. Voilà. Fais ta pub. Mais arrêtez, je passe pas à l'antenne pour faire ma putain de pub, les gars. Non, mais c'est cool en vrai. Tu vois, en vrai, c'est bien parce que c'est leur émission, c'est vrai que c'est cool parce que bah. Des fois, c'est des miss. Oula. Freinez, accident! Flappy, là, il s'est bouffé la barrière. Il a fait de la merde. Qui va prendre en charge la totalité. Super. Merci Kevin pour tes 2 euros! Merci beaucoup Kevin! Je suis en train de me dire. Putain. Pour moi, tu as 2 secondes de retard par rapport à ma radio. Ah, possible, hein. Après, il y a le décalage de 2 secondes du live, donc voilà. Non, mais je mute pas. En fait, je mute ce micro. Mais vu que je passe à l'antenne, ça va ressortir sur l'antenne. Enfin, vous avez compris. Donc, vous allez quand même m'entendre. Avec le son du téléphone, du coup, mais vous allez quand même m'entendre. Vous allez voir, la voix, elle est tellement différente au téléphone. Vous allez faire, mais c'est pas Stervio qui parle, là? Bah, c'est qui? C'est Gonel? Quoi? Salut le gamer. Nous, on n'a pas la même voix. Qu'est-ce qu'il fait, Flappy? Flappy, qu'est-ce qu'il nous fait? Super. Regarde, vous êtes 3300 sur le stream. Mec, ça fait un bail que j'ai pas fait ce genre de score sur ma chaîne secondaire quand même. Chaîne principale, bah oui, ok, mais chaîne secondaire, avoir autant de monde, ça fait plaisir. J'avoue que ouais. Mec, c'est incroyable. Oh putain, mais je fais plus de 2 euros que de. Bah, plus que 2 euros. Ouais, t'as compris quoi, je fais du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais du 7 roues quoi. Je crois que Flappy a une bonne bouteille dans le camion. Je crois bien. Oh. Toutes les news jeux vidéo les plus croustillantes. On a parlé d'une certaine discipline dans l'émission, les amis, c'est le speedrun. Super. Bah là, normalement, ils vont m'appeler pendant la musique là. Là, ils parlent de leur truc, après, il y a la musique et après, Farming Simulator. Et nous, il nous reste combien de kilomètres? 280, ce qui c'est mort. On n'aura jamais arrivé. Ouais, c'est mort. Il y a eu un don, merci beaucoup pour votre don, les gars, merci pour tous vos dons. Ça fait plaisir.
C'est quel numéro la station énergie? Comment ça que c'est quel numéro? Genre la fréquence? Il y a eu un don, mais j'ai pas vu le don, les gars. C'est qui a fait un don? Dites-moi, les gars. Question. Non, c'est pas Koé, c'est Louis et Braque. C'est Neko, tu l'as dit, Neko? Bah, merci beaucoup à Neko alors. Désolé si je l'avais oublié. Il a dit félicitations, mec. Bah, de quoi? Bah, je sais pas. J'ai rien fait. Oh putain, je regarde plus le jeu du coup. T'inquiète, ça le fait, ça le fait. Bah non, j'ai failli foncer dans un mec, quoi. S'il me demande ce que je fais, je lui dirais que je suis en stream sur YouTube. Il dirait, bah écoute, je fais un peu de camion, quoi. On roule tranquillement sur la route. Oh, non, en plus, on est en Italie, là. Non, on est en Italie, ouais. On est en Italie, ouais. Rode pendant que tu es sur énergie. On va se calmer, on n'est pas là pour péter des rôles. félicitations mec. Mais mec, en vrai, le genre, il pense que genre c'est l'exploit. Tu sais que passer à la radio, les gars, c'est genre tout le monde peut le faire. Hein. Nico, il était en même temps que moi, il a appelé en tant que mec lambda. Il a fait. Ah, attendez, c'est qui m'appelle? Non. Oh, c'est Mel. Bah, Mel qui travaille à énergie. Mais pas la même Mel du standard, c'est notre Mel qui travaille avec Koé. Oui, je connais tout énergie, j'ai un problème. Attendez, elle m'a dit quoi? Attendez, j'écoute quand même ce qu'ils disent à l'antenne, j'entends un petit peu. Attendez, ça dit quoi le. Oula, tu vas dire quoi? Haha! Attends, pire dire. Au pire, reviens sur mon live si tu veux, je suis en live sur YouTube, t'as qu'à écouter, je mettrai le son d'antenne. C'est Louis Energy, toute attention. Ah. Passe fort à vous si vous taffez ce soir. Ça va être à moi, je pense. Les gars, ça va être à moi, je crois qu'il va falloir s'arrêter là. Je crois que ça va être à moi. C'est la musique, en général, ils appellent pendant les musiques. On va voir. Par contre, je sens le copyright arriver dans deux secondes. Attends, les gars, je coupe un peu la musique parce que cette musique, elle est trop copyright. Allez, accélère! Va faire le plein. Bah, va faire le plein, ouais. Ça, ah oui, faire le plein, oui. Un petit peu même. Attention, la voiture, accélère la voiture. Oh, la voiture, elle m'a fait peur. Ils me font peur. Mais mec, il y a des camions qui manquent de moteur, les camions. Regardez le camion derrière, il a plus de moteur. C'est quoi ce délire? Enfin, il manque. Il y a un trou au niveau du moteur. Ah, mais c'est un DLC. Ah, mais toi. Téléphone au volant. Ça va, j'ai pas le téléphone au volant. Vous avez éteint la réserve au carburant. Yes! Ah. 3600 pouces bleus. Non, 3200. Et vous êtes 3600 sur le stream. Mec, c'est incroyable. Mec, y'a trop de gens. Je suis en train de rouler. Tout ça parce qu'il y a écrit énergie dans le titre. Ils m'ont pas appelé là. Dans 3 minutes. Ah! Ah non. Attends, j'ai reçu un message. Ah non, c'est mon pote. Ok, ok. Pour moi, faut que je parle en même temps, sinon le copyright va arriver. Mais je vous dirai, les gars, je vous ferai une story Instagram après mon passage. Quand le live sera terminé, voir s'il y aura eu des. Ah non, s'arrêtez pas. Non, non, sortez pas. Non, non, non. C'était. En fait, c'était de la merde. Fallait pas s'arrêter. C'était mon autoroute qui fait de la merde. Putain. Je fais des musiques no copyright si tu veux. Non, mais oui, mais j'ai une licence pour mes musiques. Mais là, c'est la radio que j'écoute. C'est la radio. C'est quoi la musique? La musique, c'est Rasputin. J'aime trop cette musique. C'est un remix. Le plein! Yes, on fait le plein, les gars. On fait le plein. Ah bah moi, c'est bien, je vais m'arrêter là, du coup. Vas-y, nickel. Hein. Oh merde, je suis trompé d'endroit. Ah non, c'est là. Bah, les gars, je pense qu'on va s'arrêter à la station parce que ça va pas tarder. Au pire des cas, on parle tranquillement tant qu'il m'appelle. Mais c'est pas là, attendez. Oh non, je suis trompé d'endroit. Oh non. Ah, moi, j'ai pris la bonne route. Oh non, je pense sur. Attendez, je fais une marche arrière, les gars. Je fais une marche arrière. La manœuvre. Que j'ai fait n'importe quoi. Hop, oui. Attendez, sortez-vous parce que je vous fonce pas dedans, les gars. Bah moi je suis bien garé. Je sens qu'il va m'appeler quand je vais reculer. Je le sens, je vais bloquer toute la route. Ah attends, qu'est-ce qu'il raconte? Moi mon prénom c'est Louis. Hop, et le mien c'est Braque. Enfin non, pas. Je parle parce qu'il y a de la musique. Il y a de la belle musique derrière. Énergie 21h minuit, c'est Énergie Radio Stream. On parle de Farming Simulator dans un instant. Au niveau message Insta et là on continue les breaks. Putain, je me suis fait de la merde. Désolé Lowly. Excuse. Je fais mon plein avant qu'il m'appelle. Mi, merci. Oh putain, il a tout pété. Attendez. Ça passe. C'est bon, les gars. Je me gare. Normalement, on est bon là. Nickel. Alors, ça donne quoi? Trainer, alias Skiridicule, qui avait fait parler de lui en 2020. Mathilde, c'est quoi ton pseudo Discord? Je pense que vous voulez pas savoir. Tout part d'un délire au.
Pardon. Bon bah les gars, ça va être à 20. Il y a... C'est juste après là, à mon avis. Parce que la dernière fois qu'il m'avait appelé, j'étais passé en retard. Vous pouvez pas arrêter de parler, punaise, c'est saoulant. Bah, on est un petit peu en live. Qu'est-ce qu'il me raconte? De base. Ok, let's go. Bon, on roule. On roule. T'as un problème avec mon pseudo dans mes. Non, pas du tout, Babine, je sais pas quoi là. Il y a quoi sur énergie? Bah, il y a moi. Il a commandé des centaines de milliers de ces bidons. Allez. Et dans une première vidéo, mais... il s'est pris un petit bain avec ses billes. Et franchement, ça rend bien beau. J'ai raté quoi? T'as raté. Pas, bah, t'as raté tout le live, mais t'arrives au bon moment. Là, on va arriver. Vous êtes 4000. Vous êtes 4000 sur le stream. Pourquoi vous êtes si nombreux sur ce live? Vous m'expliquez? Là, c'est la story Insta. Hein. C'est que les gens qui le suivent, story Insta, peut-être. Ils ont trouvé ça tellement marrant qu'à chaque fois, ils lui redemandaient d'en faire de nouvelles. Il est 20h44, donc. Toujours plus, donc en fait, il l'a fait avec ses chiens. Moi, je vais y aller. Vas-y, t'inquiète, hein. Bah là, ils vont lancer la. Bah si, c'est la pub à 46. C'est la pub. Il y a la pub dans une minute. Écoutez. J'en suis sûr à 90% qu'il y a la pub dans une minute. Je pense. Ou alors c'est à 47. C'est à 46 ou 47. On va voir les gars. On va voir. S'il y a la pub les gars, je veux vous me lâcher un pouce bleu. Je connais même les horaires des pubs. Et par contre, du coup ils vont appeler pendant la pub. Attendez, là c'est pas encore la pub. Il est 45, ça va être 46 bientôt. Je suis... Attends, c'est bon la route, c'est la bonne route ouais. 22h45. Oui, mais les gars, enfin c'est entre 22h45 et 23h donc... C'est bientôt. Dac Rémi. Prochaine fois, route de la mort. Ouais, ben bah, les gars, en ce moment, je crois que je stream pas mal sur Eurotruck, j'avoue que j'adore, les gars. J'avoue qu'en ce moment, j'adore stream sur Eurotruck. J'adore, c'est un jeu que je kiffe plus que farming en ce moment, donc j'adore. Voilà, je live tous les soirs dessus. Il est quelle heure? Il est 46. Allez, dans une minute, il y a la pub. Je pense. Attends, mec, s'il y a pas la pub, je suis vraiment un blaireau. Mais des fois, il n'y a pas d'écran pub, des fois, quand il n'y a plus assez de pub, vu que c'est le confinement et tout. Mais non, en général, il y a une pub. Pour faire croire qu'elle sortait des canalisations alors que c'est faux. Et du coup, bah voilà, il a expliqué qu'il a eu plein de problèmes avec justement la mairie. Et du coup, à Braque, celui qui parle, c'est Braque là. Braque là, il est en stream. Enfin, il stream sur Twitch d'habitude. Genre, c'est un streamer. Comment ça s'est passé? Je me souviens de cette histoire. Il est 46, il n'y a pas de pub. On est d'accord que la vanne a duré un an parce que. Mais qu'il n'y a pas de pub. Il y a super longtemps. Oui, complètement. Je t'adore, mais je dois partir. Mais non, mais non. Je vois qu'il y a eu des articles dans le monde entier, quoi. Dans le chat, qui c'est qui est fan de radio dans le chat là? Est-ce qu'il y en a où je suis le seul en fait à aimer la radio? Je pense, les gars, j'aurais pas fait YouTubeur, j'aurais travaillé dans la radio. Oh, merde! Il s'est fait des centaines de milliers de followers. Ah bah oui, mais évidemment. Et là, il est bien là. Et c'est pour ça d'ailleurs. Bon, bah, y'a pas de pub. Moi. Ah, vous aimez... ah ouais, genre, vous êtes fan de radio? Mais genre. Ah! Finalement, ils sont abonnés vraiment en pensant que. Ah, mais j'ai plus de pression de lui dans les pneus. Ça fait bip bip. Il a fait du divertissement. Bah, il a fait du divertissement, mais bon, c'est un petit peu sournois quand même. Il est 47. Y'a pas de pub. Super, ça va. Mais mec, non, y'a une pub à 16. Enfin, à 16, genre au bout de 16 minutes, genre 1h16, toutes les. Genre à 18h16, 19h16, 20h16, 22h16, et après c'est à 47 ou 48, normalement. 48, tu les cales tout le temps. Mais mec, normalement il y a une pub, je te jure qu'il y a une pub. Ouais. Et en général, ils appellent les gens pendant la pub. Ah! Ça c'est la pub, mon gars! Le Farming Simulator, et puis dans 3 minutes, et ben on lit tous les DM que vous voilà, nous envoyez sur les 47, et c'est à 48 que la pub se lance. Braque 2K avec le chiffre 2 et Louis. Allez mon gars, c'est la pub à 48. Si vous êtes en train de bosser, si vous êtes à la maison, si vous êtes en train de réviser, si vous êtes en vacances, bah vous nous faites un petit DM, vous nous dites ce que vous faites là. Voilà. 22h45 non. Dans la radio. Tout de suite là, si vous êtes en train de danser ou de nous écouter, vous nous le dites hein, tout simplement. Voici Kenji, à tout de suite. Ah, c'est pas la pub. Bon bah y'a pas de pub. Super, bravo. Bon par contre les gars, je m'arrête sur le côté, ils vont m'appeler. Les gars, je m'arrête sur le côté. Enfin je le sens dans 2 secondes là, ils vont m'appeler. Donc restez loin de moi parce que je risque de piler. Je prends mon tel, je mets mon jeu en pause et hop là. Vous êtes 4400 les gars. Mais pourquoi, mais pourquoi autant? Tu stresses ou pas? En vrai ça va, non ce soir ça va. Parce qu'en vrai maintenant je les connais. Au début quand je suis passé pour la première fois, bah c'était un peu bizarre tu vois. Genre la radio tu te dis putain j'écoute la radio tout le temps. Tu te dis putain c'est incroyable. En plus moi qui kiffe la radio, c'est la pub. Non mais c'est pas possible que c'est la pub chez vous hein. C'est pas possible. On croit en toi. J'espère rien, vous croyez en moi. Prochain live farming demain, les gars. Bah, c'est encore la musique là.
bon bah super. Hein. Mon billet quoi, voilà. On est 4500. Waouh. Ça fait plaisir les gars. Tu te souviens, j'étais pas d'une radio Euro Truck Simulator, j'étais animateur dessus. Ah ouais? Ah peut-être hein. Arrête toi vite. Bon au pire on se met sur le côté le temps qu'ils appellent hein. Vas-y on fait ça au pire. On se met sur le côté puis quand ils appellent bon voilà. Au pire on a le temps. Les gars, même après que je suis passé les gars je... Après que je serai passé les gars je vais... Enfin je continuerai à conduire quoi. Donc voilà. Bah Ganel t'es parti? Non je suis là encore. Vas-y mais moi je pense que je vais y aller hein. Enfin, je vais te muter. Ouais et puis, bah t'inquiète. Voilà. C'est carré. Je pense qu'on fait ça. Voilà. Carré. À part si je roule un peu en fait. Bah il m'appelle pas donc il m'appelle pas. La musique oui la musique mais oui mais je sais pas la... Bah je mets le son du jeu. Ils t'ont oublié, non ils ont pas oublié. T'inquiète pas. Ouais. J'ai pas capté pourquoi ils t'appellent. Ils vont parler de farming, de l'e-sport. Faut que j'entends, faut que je retrouve, j'avais fait un truc stylé là. J'avais fait un truc pour... attendez. Regardez ce que j'ai fait. Ah merde, je l'ai pas là, attendez. C'est là. Ah merde, je peux pas vous le montrer. Bon, en gros, j'ai fait un truc... Attendez, je vous montre, les gars. Après, j'ai noté quelques trucs, mais... voilà, comme ça. Hop là. Non, vous voyez là. Clac. Vas-y, nickel. Bon, bah, il y a la musique. Il y a la musique. Vous voulez que je fasse quoi? Je vais pas attendre. J'attends. Super. Bon, bah, il m'appelle pas, je roule. Hein. Bah, les gars. Je roule, les gars. Les gars, m'appeler. Mathieu, t'as reçu ton message. Par contre, les gars, pourquoi vous êtes si nombreux? Vous êtes presque 5000, les gars. C'est un record de viewers. C'est le record de viewers sur cette chaîne. Hein. Ça, je vous le dis, c'est le record de viewers sur cette chaîne. La pub est à 50. Bah, peut-être le soir, elle est à 53 alors. Mais c'est bizarre, normalement, elle est pas à 50. Non, mais c'est vrai. Normalement, la pub, elle est pas à 50. Hein. Mais peut-être je suis débile, peut-être c'est moi, mais ok. Mon père aussi, il est passé à la radio. Moi, ça va être la deuxième fois que je passe. Deuxième fois. Salut, je viens de te découvrir. Les gars, qui c'est qui vient de me découvrir juste maintenant? Parce que c'est bizarre qu'il y ait autant de gens. Mon record sur cette chaîne, c'était 3000 pendant le confinement. Mais une pub. Non mais je vais pas mettre deux pubs. Merci pour vos pouces bleus. C'est fini ou pas là? Oh Kenji m'énerve là. Énergie est en retard, pas bien méchant. Ouais. Je comprends. Hein. Je suis animateur de ma radio. Oh putain. Ah il parle. Avec vous. Bon bah du coup il y a la pub. C'est obligé sinon il me rappeler. Les sandwichs signature au McDo. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas donné. Ah oui. Les iPhones, c'est pas donné. On peut faire plein de choses avec cette fin de disque. Attends, bouge pas, je vais la remettre. Attends, bouge pas. Les sandwichs au McDo. Ah, mais j'avais pas compris. Putain, ils ont débarré des blagues de merde. Ne doublez pas, les gars, je bois. C'est quoi le countdown de Farming Simulator? Ah, ça, ça annonce que jeudi, les gars. En fait, les gars, oui. Dans le tracteur, peut-être vous êtes agriculteur. On va parler de vous dans 5 minutes avec Farming Simulator. On débrief un jeu. Bah oui, vous êtes concernés, les amis. Hein. Farming Simulator 19. En plus, hey, vous l'avez peut-être vu passer, hein, mais Zerator l'a annoncé pour la Zilan. Exactement. Pour la prochaine Zilan. Le jeu fait partie voilà, de la line-up de tous les jeux qu'il y aura. Donc voilà, on en parle tout à l'heure. Long, on sera avec Stervio. C'est incroyable. Incroyable, ouais, très, très incroyable Stervio. Les amis, on lit vos messages juste avant. Bref, du coup, les gars, je voulais dire quoi? On parlait de quoi tout à l'heure? Putain, oui, les gars, vous êtes 4600, on va en profiter pour faire l'annonce. Farming a mis une photo aujourd'hui, les gars, il y a un compteur, c'est qu'il y a écrit 3. 3, ça veut dire que dans 3 jours, il se passe quelque chose dans Farming. Normalement, c'est 3 jours, c'est pas 3 semaines, 3 mois. Mais dans 3 jours, il y a une annonce. Donc logiquement, jeudi, les amis, jeudi, Farming Simulator annonce quelque chose. Est-ce que c'est le nouveau Farming ou quoi? On sait pas, mais il y a de la chance. Il y a de la chance qu'il y ait quelque chose. Donc je vous ferai une vidéo sur cette chaîne secondaire, les gars. Donc voilà. Oh, ça fait super plaisir. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il y a Maxime de Brito qui nous dit: je suis actuellement en train de déprimer. Il va y avoir une pub. Normalement, ouais, bah oui, il y a une pub. Je vous adore, Maxime alias Solar. Ah oui, bah ouais, il a raison. 22h53. Normalement, à 54, il y a une pub. Je vais qu'il dit de la merde. Il va y avoir une pub. Bah oui, il y a pas eu de pub à 30 ou à 40. C'est pas normal ça. C'est pas normal. 55 la pub, peut-être. Hein. Merci pour les 4000. Les gars, les 4000 likes, ça fait trop. Ouais, putain, je freine.
Je suis en plein labour, continuez comme ça, vous êtes top, bah reste avec nous là. Il est en plein labour le mec. Baptiste aussi, agriculteur et actuellement dans mon tracteur, bah ça fait trop plaisir les gars. Envoyez-nous vos messages, pendant 2 minutes on lit tout, braque 2K avec le chiffre 2. Et moi c'est Louis Énergie tout attaché. Ah bah tiens, on a Laura pareil qui nous dit, je viens de finir de manger, maintenant je vais aller changer de tracteur et livraison, 1 heure l'esquin, incroyable, incroyable. Vous êtes. Et nous on conduit un camion. Il y a Azae qui dit coucou, je vous écoute en direct avec ma pote, et bah dédicace à vous. Et puis aussi Gohan qui dit, je vous kiffe, je vous écoute devant mon PC. Incroyable, on a notre ami MTD qui dit yo les gars, moi j'écoute une vidéo YouTube pour ceux qui veulent savoir, non, c'est Triction sans les espaces. Qu'est-ce qu'il y a ? Bisous les gars. Je vais y aller. Vas-y, mais merci Ganel d'être passé, puis à la prochaine du coup. Bah de rien, et puis bah encore merci. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Un plaisir. Vas-y, à plus mec. À la prochaine. Ouais, il y a Lydie qui ouais bonne soirée. Vas-y, ciao. Dire à Simon, mon crush, que je l'aime très fort. Bisous. Bon, allez, il m'appelle quand là? Mec, il peut être un gap. T'as l'air m'énerve. Ils m'ont dit 23h45. Il est 54. Là, mais bravo, moi j'étais en train de faire ma mission là. Avec le chiffre 2. Et moi, c'est Louis Énergie, les trois lettres comme la radio. Il y a Florent qui nous dit. Dès qu'il t'appelle, tu le défonces. Du travail et j'ai un. Moi, j'y mets la radio, les gars. Il accélère dans les lignes droites, mais dans les virages, il roule à 20, il me saoule. Et bah. On l'embrasse, il écoute la radio. Oui, on l'embrasse. Qui nous écoute ce soir. Accélère, Nico, accélère là, il y a des venez sur Kryptonia, serveur, PVP, faction, je ne comprends pas. Oh, ok, ils font leur pub. Oh, Mélissa, ça va? Le chrono est terminé, on continue quand même. Mélissa qui bosse à NRJ avec Koé, GX ce truc là. Sur Insta, c'est passé vite. Ah bah ouais, trop vite même, je crois. Ouais, mais vous êtes super nombreux à chaque fois à nous envoyer vos messages, donc on essaie de faire le max. Ah, il m'appelle! On va parler dans un instant de Farming Simulator, il y aura aussi le 50 secondes chrono, et puis juste après, les gars, cette question, hein. Donc ouais, mettez-vous facilement de la. Super, ouais, nickel, ouais, je suis prêt. Vraiment, hein, si c'est dans la bouffe, on en a même pas parlé aussi, hein, dans le make-up, parce que. Vas-y, ça marche, ok. Ok, pas de soucis. Yes. C'est dans le make-up, en fait, moi, ça m'intéresse voilà de savoir. Attendez. Ils me prennent en quelques minutes. Combien tu mets dans le maquillage en général? Attendez, bah du coup les gars, attends, bah je m'arrête les gars. Faut que je m'arrête là. Ouais, oh, Mélissa, celle qui parle, celle que j'ai eue là. Attendez, je m'arrête. Maquillage, genre, je peux on mettre, s'arrête les gars. Ouais, par mois, je peux mettre. 50 ok, euros. Bon. D'accord, et ça, c'est ce que t'appelles pas trop. Les gars, il y a l'antenne qui est là. Et regardez ce que j'entends avec mon téléphone. Il y a maquillage, 50 balles. C'est déjà énorme. Mais ça veut dire que ça met combien les vêtements? Voilà. Donc en gros, quand je passe à l'antenne, les gars, je coupe ce micro et je vous mets son antenne. Excuse-moi, mais tu travailles chez nous, t'es sûr? Non, bon, attends, du coup. Que... Ah non, on a pas parlé de ça. Trompé société. C'est la compagnie alors. Non, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ouais, moi aussi, 0870 42 48, dans quoi mettez-vous facilement de l'argent? Mettez-vous facilement de l'argent, c'est ça. Ok. Y a la musique, les gars. Tu sais, y a la musique au téléphone, quoi. Copyright, hein. Bah, en gros, dès que la musique est terminée, c'est à moi, les gars. Il m'a dit pas d'haut-parleur, du coup, bah, je me muterai le micro et je mettrai son antenne. Voilà. Ils abusent. Mets ta tête en grand. Ouais, on met ta tête en grand, les gars. F. J'avoue, ils sont en retard. Mais en vrai, ils s'en foutent. Ils sont en retard, Arena. C'est pas grave. Laisse son antenne, c'est mieux. Ouais. Ils abusent, c'est parti. Ah bah, je coupe son antenne, alors. Bon, bah, attends, les gars. J'enlève mon micro. J'enlève mon micro. Lille la 6. Pas de haut-parleur et de radio. Mais ça va, Mel. Je me muterai. J'ai pas. Attends, je reste comme ça. Bon, on attend. Il y a eu son antenne, les gars. Tu l'as eu où ton stream deck? Il y a la musique, je m'en fous d'écouter la musique là. 4000 likes, merci les gars. Merci les gars, ça fait plaisir. Merde, attendez. Voilà. Vous avez son antenne? Voilà. Stresse pas. Ah, faut que je retrouve ma note. Du coup, j'espère que vous allez bien, les gars. J'ai 8% vite. Bah écoute, c'est pas ma faute. 4700 viewers. J'ai plus de viewers qu'énergie. Mais la musique. Mais c'est copyright, je peux pas. T'inquiète pas les gars, je vous pas la peine d'écouter la radio, je vous mettrai la radio sur le live. Dès qu'ils reprennent les gars, je mute. Comme ça vous aurez le son. Mets les sons de l'antenne. Je dois changer ma couche vite. Continuer à rouler. Non, non, après. Après, les gars. Après, on fera un petit débrief. Parce que en vrai, je vais dire, ouais, farming, faut ramasser des bottes et voilà, quoi. Ok, go. Très lourd, le nouveau Lina 6, là, sur NRJ. On est là tous les soirs. Copyright. NRJ Radio Stream. Tous les soirs. Merci aux clients.
Énergie Radio Stream. Il y a le 59 secondes chrono qui arrive. Moi, je m'appelle Louis. Et moi, je m'appelle Braque, les amis. Et on est là vraiment tous les soirs. Le 59 secondes chrono, c'est simple. C'est si vous venez de vous lancer sur une plateforme, n'importe laquelle, genre TikTok, YouTube, Insta, vous avez besoin d'un petit coup de pub, ou Twitch aussi. Ouais, exactement. Twitch, hein, une plateforme où on diffuse nos parties de jeux vidéo. Bah voilà, vous nous dites TikToker, Instagrammeur. Même si vous faites de la photo, de la musique, bah voilà, grave. L'antenne d'énergie vous appartient. 0870 42 48 pour vous inscrire. Et là, comme tous les soirs, on n'a jamais été aussi ponctuel. 22h59, c'est censé être à 23h. Je vous le dis, on est au taquet. C'est un délire. Le JDJ, comme oui. Tous les soirs. JDJ, c'est jeu du jour. On débriefe un jeu. Et ce soir, c'est une très, très grosse licence. Et on sait que vous êtes super nombreux et nombreuses à y jouer. Donc, on voulait absolument le faire. Et ça fait plusieurs semaines que Braku, il l'avait en tête. Ben oui, complètement. J'aime beaucoup. On vous kiffe, hein, la communauté voilà, des jeux de simulation. On a parlé de Flight Simulator. On a parlé d'Euro Truck Simulator. Ce soir, c'est Farming Simulator 19, un jeu qui a été annoncé dans la line-up de départ du The Event. On est avec Stervio. Il a plus de 279 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Salut, ouais. Stervio. Salut. Salut, vous allez bien? Salut, salut. Bah ouais, on va très bien, et toi? Bah écoute, super, je suis en stream sur YouTube, il y a du monde qui te regarde, qui vous écoute là. Ah, ça fait trop plaisir. Oh, Stervio, on va devenir des stars. C'est incroyable. Alors Stervio, pour tout ce... Bon, même si le nom Farming Simulator, ça veut dire beaucoup, ouais. Mais en gros, si tu devais résumer le jeu pour quelqu'un qui a jamais entendu parler, tu dirais quoi? Bah c'est un jeu de simulation qui reprend exactement comme un agriculteur, quoi. Tu fais ta ferme, tes tracteurs, ton argent, etc. Et puis voilà, tes animaux aussi. C'est dingue. Alors, dis-nous, raconte-nous un petit peu dans Farming Simulator, qu'est-ce qu'on fait exactement? On passe son temps à faire quoi? Est-ce que c'est exactement comme un vrai fermier qui va s'occuper de tout? On fait exactement la même chose, donc, du coup? Bah, ça simule la réalité, mais c'est pas à 100% parce que ça devrait être trop chiant, quoi, forcément. Ouais. Mais ouais, en gros, toi, t'as ton tracteur, tu fais tes petites. Tu gères tes animaux, t'as tes vaches, t'as ton lait, etc. Puis voilà, quoi. Ouais, et dis-moi, c'est comment les gens, quand ils viennent te regarder un petit peu jouer à Farming Simulator, qu'est-ce qu'ils viennent chercher concrètement? Parce que toi, on sait que t'as une énorme communauté, toi. Bah, ils cherchent, déjà, c'est du divertissement à la base, c'est sûr. Mais souvent, les nouveaux joueurs, ils essayent de comprendre comment ça fonctionne parce que c'est un jeu un peu complexe quand tu connais pas. Et quand t'es pas du milieu, tu sais pas à quel moment faut faire ça, à quel moment faut travailler de la terre, etc. Ouais. Donc voilà, les streams, ça sert à ça, quoi. Alors, ce jeu, concrètement, il est un petit peu compliqué ou pas? C'est un petit peu, je veux dire, en termes d'accessibilité. Est-ce qu'il y a des choses à maîtriser? Enfin, ça se passe comment sur Farming Simulator? Bah, ouais, il y a quelques bases à maîtriser, mais c'est expliqué, quoi. Jamais on va faire, je sais pas comment je joue, c'est bon, je quitte, quoi. Il y a toujours, on se prépare quelque chose, quoi. Ouais, il y a toujours, comment dire, une activité, enfin, je veux dire, tu peux toujours relancer, quoi. Ouais, voilà, carrément. Il n'y a pas de moment, c'est que tu te dis, je sais pas jouer, voilà, j'arrête. Alors, ça prend combien de temps, Farming Simulator? Une partie, par exemple, tu vas la lancer, qu'est-ce que ça va être? C'est à l'infini ou alors c'est quand même assez segmenté? Bah, ça peut être à l'infini, mais au bout d'un moment, quand on commence à avoir un peu tous les véhicules qu'on a dans le jeu, qu'on a tous les champs de la map ou quoi, bah, au bout d'un moment, ça revient un peu répétitif, quoi. C'est tout la même chose, agriculteur, on sème, on récolte, on vend, on a plus de vaches, on vend nos lait, on fait des poules, enfin. Une fois qu'on a tout fait, le jeu on le connaît. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de modes. Et les modes, ça rajoute tellement de contenu. Des maps incroyables qui reprennent des trucs français. Enfin, vraiment des villages français et tout. Enfin, voilà, genre, c'est vraiment. Ça rajoute. En fait, c'est un deuxième jeu, quoi. Ouais. Donc, t'es en train de dire qu'en fait, quand tu joues, tu fais genre la journée d'un agriculteur. Et puis, une fois que t'as fait ta journée, tu rejoues le lendemain, quoi. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Tu passes la nuit, faut que tu dormes et tout. Bah, vraiment, il y a un truc de temps, etc. Et c'est vraiment. Le temps est géré vraiment. Alors, est-ce que c'est intéressant. Est-ce que c'est, comment dire, calqué sur le temps réel ouais. Ou est-ce que le temps est quand même un petit peu différent dessus? Bah, en fait, on choisit. On peut mettre le temps en x1, donc c'est-à-dire que c'est le temps réel, quoi. Ouais. Mais souvent, c'est quand on a besoin de faire une grosse activité, que ça prend du temps. Bah, si on met le temps en rapide, en fait, le jeu fait que les cultures poussent. Donc, des fois, tu sèmes un champ, t'as même pas fini de le semer, qu'il a déjà poussé, que tu mets le temps en rapide. C'est pas ouf, quoi. D'accord, ah ouais, non, ce serait pas marrant. J'aimerais bien qu'on fasse un truc, si des agriculteurs nous écoutent, ouais. Qui connaissent le jeu, appelez-nous, franchement, ce soir au standard. Ouais. On vous fait passer là dans 2 minutes en direct sur LRJ. Voilà. Même si vous êtes dans le tracteur, appelez-nous. Complètement. 0800 70 42 48. Et j'aimerais bien, tu vois, comme les pilotes d'avion quand ils comparent Flight Simulator. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de pilotes qui kiffent jouer à Flight Simulator parce qu'ils trouvent ça réaliste. Ouais. Et ben on va faire pareil avec les agriculteurs. Si vous êtes agriculteur, ouais. Agricultrice, appelez-nous et on va voir si vraiment le jeu est fidèle à votre vrai taf pour Mais le coup. Complètement. D'ailleurs, toi, ça t'a donné un petit peu envie de te lancer dans l'agriculture, Stervio, ou pas?
finalement. Bah moi, je suis un petit peu du milieu, donc mon père est agriculteur, je fais des tournages dans agricole IRL, mais ouais. J'ai commencé sur le jeu, donc IRL, voilà, c'est le mieux, jeu. Ça. Et genre en commençant sur le jeu et après en aidant ton père, genre tu as su faire des trucs grâce au jeu ou pas? Moi, parce que niveau des pour nourrir les vaches, par exemple, faut faire des mélangeuses. Et c'est un mélange, en fait, à créer avec de la paille, etc., de l'ensilage. Et c'est un mélange à faire, quoi. C'est qu'on ne donne pas n'importe quoi. Et ça, je le connaissais pas, je l'ai appris grâce au jeu, par exemple. Parce que moi, j'aime faire ma pâte d'élevage. Ah ouais, donc voilà. Je trouve ça. Mais restez avec nous, Starview, on continue d'en parler dans un instant. Et vous, si vous aussi, vous y jouez, venez nous dire hein, sur Insta, les amis. On complètement, est avec vous, hein. Complètement, les amis. Un braque de cas avec le chiffre 2 et Louis Energy tout attaché. On en a déjà eu pas mal hein, sur la rafale tout à l'heure. Ouais. Il y en a eu beaucoup qui étaient en train de jouer à Farming. Hein. Voilà, puis si vous êtes agriculteur, agricultrice et que vous connaissez Farming Simulator, appelez-nous. 0800 70 42 48. On est là sur Energy jusqu'à minuit. Voici Offenbach. Ok, les gars. Bon, ça va ou quoi? C'est la pub. Non, je me mute. Merde. Oui, les gars, du coup, les gars, désolé. Bon, c'est je repasse après, c'est pas terminé. Ça se passe bien, on m'a entendu. Je crois qu'il y avait un petit peu de décalage par contre. Ouais, il y avait un peu de décalage peut-être, mais c'est. Non, c'est pas fini, alors on va reparler un petit peu. Je crois qu'il y a des agriculteurs qui vont parler. J'ai essayé de gérer, mais parce qu'on. Attends, là, on a juste parlé du jeu, on a pas parlé du truc de la FSL. Donc pour l'instant, voilà. Il y a beaucoup de décalage ou pas? Attendez. Ah voilà, il y a pas de décalage là. C'est bon, il y a plus de décalage les gars. Ah, il y avait un décalage. Il y a plus de décalage là. Normalement, il y a plus de décalage. Ouais, il y a pas de décalage là. OK, là c'est bon les gars, il y a plus de décalage. Enfin normalement, il y a plus de décalage. Mais quittez le live et revenez si vous voulez. Là, c'est la musique. Et après la musique, ils me reprennent. Donc voilà, après on va jouer tranquillement sur le truc. Vous kiffez ou pas? Est-ce que vous kiffez les gars? T'as géré. Ah, merci Mel. Bah j'ai pas fini. Sur que oui, je gère, t'as cru quoi? Mais t'as cru que je gérais pas moi ou quoi? Y'a pas le feu de ton décor. Comment ça, mon décor? Ça va être à moi, non? Parce que j'ai pas le son d'antenne là. Parce que le son au téléphone, c'est le son, y'a pas plus direct. Ok. Starvio, le boss, tu gères. Parle du mode saison. Non, mais là, la radio, c'est des gens qui connaissent pas le jeu. S'ils commencent à être chiants dessus, ils vont faire nul quoi. Bon, vas-y, on va reprendre là. Même. Pas la même voix. Ah ouais? Pourtant, c'est bien la mienne. Ouais. YoBG, tu joues à Warzone? Non. Bon, ça parle. Je sens que je vais me faire copyrighter. GG, t'es le boss. Bon, ouais, c'est cool de parler de farming. Mais là, on va parler de la FSL, normalement. Normalement. Je dis bien, normalement. Allez, c'est la fin, là? Vas-y go. Sur Énergie tous les soirs 21h minuit, on est là, c'est Énergie Radio Stream. Il y a le 59 secondes chrono qui arrive dans un instant. Et là on est en plein JDJ, c'est le jeu du jour. On débriefe Farming Simulator ce soir. Oui voilà, Farming Simulator, un jeu qui vous permet de devenir un agriculteur. Et on était avec Stervio, donc plus de 279 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il est actuellement en live d'ailleurs sur sa chaîne là. Donc coucou à tout le live de Stervio. Et voilà, il nous a pas mal expliqué comment marche ce jeu, comment il fonctionne. Et c'est vrai que le jeu est quand même assez ouf parce qu'il est quand même assez réaliste. Donc vraiment, on est content d'en parler ce soir. Et on voulait justement avoir l'avis, c'est comme on parle beaucoup de Fly Simulator. On sait qu'il y a des pilotes, genre même des pilotes d'Air France qui le soir, après leur vol, leur vrai vol, ils jouent au simulateur. Et ils refont la même distance. Donc on voulait savoir s'il y a des agriculteurs, des agricultrices qui nous écoutent, qui eux aussi jouent et connaissent le jeu, savoir si c'était vraiment un vrai rapport, un vrai ratio. Et on a monde du coup qui nous a appelé, c'est génial la radio, c'est vous êtes super nombreux et nombreuses à nous écouter. 0870 42 48, on a Louis qui est là, salut Louis. Salut. Salut Louis. Salut Louis. Salut Loulou. Bienvenue sur NRJ, t'appelles d'où? De Criquet dans 76. Ah, j'ai eu peur parce que s'il a fait de Charente. Ouais. C'est un complot. Comme Louis Energy et de Charente-Maritime, ça aurait fait beaucoup. T'es agriculteur? Mon père est agriculteur, ouais. Ok, donc du coup, tu connais un peu comme Starview, tu connais un peu le bail et tu joues à Farming Simulator? Ouais, un petit peu entre le boulot et quand on a du temps, on joue à Farming, c'est pas mal. Les modes, tout ça, tout est bien fait, c'est pas mal. Mais alors, c'est vraiment, vraiment réaliste? Ah ouais, il y a 90% que c'est la réalité. Enfin, réaliste, c'est 90% c'est réaliste. Mais moi, la question que je me pose, Louis, c'est est-ce qu'une personne, par exemple, qui n'y connaît pas grand-chose en agriculture, peut, via Farming Simulator, vraiment rentrer un petit peu dans ce monde-là? Est-ce que ça peut, clairement, occasionner une vocation? Ah ouais, je pense que ça va pouvoir, sachant qu'il y a les différents types de colza, le blé, on apprend différentes choses.
en fonction du jeu, quoi. Ouais, c'est-à-dire que vous, tout ce que vous retrouvez au quotidien, vous le voyez un petit peu dans le jeu, clairement, on n'est pas perdu, quoi, par rapport à la vraie agriculture. Ah non, c'est ça, on va livrer à la coopérative, même dans le jeu, en vrai, on va livrer à la coopérative. Ah ouais, est-ce qu'au niveau de la thune, du genre du blé et tout, ça fluctue aussi dans le jeu? Comment? Est-ce que le prix, quand tu vas à la coopérative, le prix auquel ils vont t'acheter le blé et tout, ça fluctue aussi dans le jeu, comme en vrai? Ouais, j'ai jamais fait attention au prix exactement, mais je pense pas, mais après je sais pas, j'ai jamais fait attention. La banque, elle monte dans le jeu, la banque, elle monte tout le temps, mais après j'ai jamais fait la réalité. D'accord, est-ce qu'il y a Johan aussi qui est là, qui nous a appelé au 0800. Ils m'ont mute. Salut Johan. Salut Johan. Salut. T'appelles d'où Johan? Alors moi j'appelle l'OCR. Ok, et t'es agriculteur? Je suis employé agricole, mais mon père est agriculteur. Ok, et tu joues aussi? Oui, je suis dedans. Et tu joues aussi au jeu? Ah oui, je joue, ouais. Les gars, la commu farming ce soir, farming est en live chez Stervio. Ah ouais, c'est déjà fou. C'est un délire. Et alors, partout. Et Johan, t'es d'accord avec ce qu'on dit? C'est vraiment similaire les deux? Ah oui, c'est similaire, mais par contre, là j'entendais les prix, mais les prix sont pas du tout similaires. Mais... Comment ça les prix? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que c'est moi, je dirais, c'est deux fois plus cher que la réalité, quoi. Ah ouais? Ouais, je pense, ouais. Donc c'est-à-dire qu'en gros... C'est un petit peu poussé, quoi, un petit peu gonflé. En gros, dans le jeu, tu gagnes de l'argent, alors qu'en vrai, t'en gagnes pas trop, quoi. Ouais, un peu, ouais. Oui, mais après, est-ce que le jeu prend en compte vraiment ce qui se passe dans la réalité? Dans la réalité, il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent venir jouer sur votre travail, alors que le jeu, c'est un jeu. Oui, parce que nous, il y a le temps qui peut jouer tout ça, alors que le jeu, c'est un jeu, puis sinon le jeu, il avancerait pas, quoi. Et tu t'amuses bien, toi, sur le jeu, honnêtement, Johan, quand t'es dessus, par rapport à ce que tu fais en vrai, tu kiffes? Ah oui, moi je peux passer des heures sans m'en rendre compte. Ah ouais. ça c'est les jeux de simulation, c'est ça qui est dingue, quoi. Mais c'est fou parce que eux ils passent déjà des heures sur les tracteurs et ils continuent derrière sur le jeu. Je trouve ça ouf, quoi. C'est vraiment de la passion, quoi. C'est dingue. Comme Stervio, hein, parce que Stervio disait qu'il avait baigné dedans aussi et puis. Pour aimer le jeu, sinon on s'embête, quoi. Oui, tu passes du temps aussi. Est-ce que tu as passé des longues journées de confinement, par exemple, Stervio? Ah, bah, oui, même trop, je pense. Matt à la prod. J'avais une question pour Stervio parce que en ce moment, il est en live sur, non pas sur Twitch pour une fois, mais sur YouTube. Oui. Du coup, on peut te voir et on voit que devant toi, tu as un setup avec un volant de simulateur, etc. Est-ce que c'est un jeu qu'on peut jouer clairement au clavier souris ou c'est un jeu pour lequel il faut avoir justement un setup et installer un peu de matos à la maison pour s'amuser? Non, on peut jouer complètement en clavier souris. Et après, le volant, ça, c'est quand même plus réaliste et c'est vachement plus stylé à jouer, quoi. Ouais, j'imagine. J'imagine que ces grosses machines que tu conduis parfois même uniquement avec des joysticks ou des trucs comme ça, ça doit être fou de s'installer ça à la maison. Ouais, bah carrément. Je sais pas si tu vois les streams, mais voilà, je monte un petit joystick. Mais après, bon, c'est des bonus, quoi. Si on veut vraiment faire quelque chose de très très réaliste, on met ça. Mais sinon, clavier souris, les trois quarts jouent clavier souris ou manette, quoi. Stervio, il a une machine dans sa chambre, en fait. Non, mais carrément. C'est un peu ça, quoi. La déco est vraiment belle, hein. Si vous voulez voir il faut aller sur la chaîne YouTube de Stervio, Stervio 3.0. Amis, j'en profite juste pour rappeler le prix du jeu. C'est quasiment, c'est 30€. Je pense que c'est pas non plus la mer à boire. C'est un jeu qui en vaut le coup, en tout cas. Je pense que Stervio aussi peut confirmer. Stervio, concrètement, combien de temps est-ce qu'on peut passer vraiment sur Farming? Alors, je parle pas de toi parce que toi, t'es vraiment fan de ce genre de jeu. On est d'accord. Mais pour une personne là qui veut se lancer comme ça, ça prend combien de temps concrètement Farming? Ça prend beaucoup trop de temps parce qu'en vrai, on se lance au début et en fait, on est vraiment pris au jeu. Soit après, on n'aime pas, mais si on est intéressé un petit peu pour le tester, on est trop pris au jeu et on s'arrête pas, en fait. Donc, comme une activité, ça dure longtemps, comme dans la vraie vie. On se dit, allez, je finis ça et après, il y a ça à faire. Et après, tu te dis, ah non, il y a encore ça aussi à faire. Et tu restes des heures sur le jeu, quoi. Oui, en plus, dans le monde de l'agriculture, j'imagine que tu as toujours une tâche, en vérité, quand tu dois pas nettoyer la grange. Derrière, il faut aller donner à manger aux poules. Enfin, je veux dire, c'est ça, quoi. C'est un cercle pas vicieux, mais en tout cas, c'est un cercle, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, chaque activité, tu les refais au bout d'un moment, quoi. Parce que forcément, les poules, au bout d'un moment, elles sont plus à manger ou les vaches, pardon, à manger. Enfin, c'est ça, quoi. Donc, voilà. Non, mais c'est trop intéressant. Ouais, génial. Franchement, les gars, merci beaucoup, Stervio, d'être passé avec nous. Merci, Stervio. Hein. Avec plaisir, hein, merci à vous. Au top. Et merci beaucoup, Louis, agriculteur qui nous a appelé. Merci d'être passé avec nous. Rien de rien, ça y est. Et les gars, rendez-vous à la Zilane. Hein. Et ouais, grave. Et merci, Johan. Merci, Johan, merci à toi. Merci de rien. Merci Johan. Et dédicace à tous les agriculteurs qui nous écoutent, les agricultrices, parce qu'on sait que vous taffez la nuit, on sait que vous taffez dur. Ouais. Donc on pense très très fort à vous. Voilà. Ouais, c'est un métier très très compliqué. En plus, on sait que parfois il y a des rats qui viennent et tout et qu'il faut les gérer. Non mais c'est une vérité en plus. Mais le pire, c'est que c'est une vérité. Parfois, il faut les gérer.
Yael, les gars, on est de retour. Ouh. Bon, c'était sympa. C'était sympa, les gars. Il y a eu des gens qui ont dit ton tracteur il brûle, j'ai pas compris, bon, c'était drôle mais voilà. Bon, on a essayé un peu de parler, sauf qu'on n'a pas du tout parlé de ce qu'il voulait parler. Il m'a contacté, c'est trop... il m'a contacté pour parler de la FSL. Donc la FSL c'est le mode de jeu qui sera la... que Zerator va faire, c'est le mode de jeu, vous savez, les 3 contre 3. Sauf que là on a juste parlé des farming et des vaches et du tracteur. Mais bon, voilà si vous voulez. Bref, ben les gars c'était incroyable. C'était incroyable, c'était la deuxième fois que je passais donc c'était cool. Nous sommes de retour sur Eurotruck les gars. D'ailleurs, bonjour aux nouveaux qui viennent d'arriver, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des nouveaux qui sont là. Ton tracteur. Mais qu'est-ce que vous parlez ? Ah non, mais quel tracteur du décor ? Le tracteur bleu du décor prend feu. Le seul tracteur bleu qu'il y a, c'est le. Vous le voyez même pas parce qu'il y a ma chaise derrière en plus. Super. Bonsoir. Ah, ouais, Germain, ça va ? Yo, ouais. Et je viens parce que c'est vrai, à un moment, ton tracteur, on croyait vraiment il prenait feu sur le live. Mais non. Je te jure, je sais pas pourquoi, je sais pas si tu peux regarder le retour, à un moment, je sais pas, ça avait des petites flammes, mais je sais pas, ça devait être un bug de la caméra, je pense. Des petites flammes. Attends, je vais essayer de te dire vers quel... Regarde, genre... Fais mais un quoi moins... Fais un t'as moins... T'as géré, mais la prochaine fois, viens chez nous. Bah, mais Lisa, t'as qu'à m'appeler quand t'es chez Koé, puis on fera ça. Salut, salut les gars. Fais un petit moins 3, moins 4 sur ton... Bon, attends, mon tracteur, il prenait feu, vraiment ? Mais qu'est-ce qu'il me racontait ? Ouais, c'est un moins 3, moins 4 minutes. Attendez. Sur ton live, tu vas voir, c'est incroyable. Moins 3, genre, moins 4 minutes. Ouais, genre, ah ouais, regardez. T'as vu comment c'est incroyable. Ah mais parce qu'en fait, il y a le feu, il y avait le feu à côté. En fait, j'ai le poêle et ça, vu que c'est une plaque en fer, ça reflète. Ah mais c'est pour ça, ça prenait pas feu, les gars. Ah ouais, les gens, ils pensaient que ça prenait feu. Mais moi, tu sais qu'à un moment, je me suis dit, il faut que j'aille le voir, hein, ça, c'est chaud. Ah ouais, on aurait trop dit que ça prenait feu, les gars. Salut, salut à tous les gars. Oh là là, en fait ah là là les gars, en fait c'est le j'ai le poêle. J'ai le poêle en fait qui fait des flammes vu que ça me chauffe et en fait ça vu que c'est en vert, ça reflète, enfin, c'est pas en vert mais oh putain, c'est oh le bordel. Bon les gars, vous avez kiffé quand même. On est de retour sur Eurotruck quand même là. On est de retour. Bon, ouais, c'était sympa, trop gentil les gars et tout. Mais Mel, t'as intérêt à me faire passer hein. Mel, tu m'as dès que Koé il parle de farming ou un truc agricole ou quoi, tu m'appelles. Et hop, je passe sur NRJ. Ça fera la troisième fois, mais chez Koé. Bon, on est de retour. Alors du coup, Germain, t'as écouté un petit peu la radio, ce que je disais de beau. Ouais, bah écoute, je suis resté. J'ai vu que là, les gens aussi, ils étaient... Mec, il y avait quoi? Il y avait combien? 4000, plus de 4000 4005, pardon. Ils sont ouf, les gens, ils sont ouf. Donc, normalement, alors attends, je reprends ce qui s'est passé. On a été où? J'ai plus son antenne. Alors attends, on va remettre la musique, puis la radio maintenant. Donc là, la musique est présente, magnifique. Discord est présent, super. Mais le lien de NRJ, s'il te plaît. Bah du coup les gars, enfin il y aura pas de rediff sur, enfin la rediff sera le rediff du live, je pense. Mais père les gars, la rediffusion, je vous mettrai un truc. 4600 à un moment. Ah ouais mais trop. La question c'est que, ah ouais, je suis offline. Alors on va redémarrer le jeu les gars, on va finir la mission, puis après on aura fait un live quand même sympa les gars. On aura fait un live sympa. Mais je vois qu'ils kiffent le jeu. Je vois qu'ils kiffent quand je parle du jeu, tu vois, ils font pas un mode. Ah ouais c'est sympa. Hein. Ils sont vraiment en mode, mais c'est incroyable. Mais c'est cool. C'est cool. Après la radio tu peux pas vraiment dire tout à 100% quoi, enfin, parce que c'est des gens qui s'en battent un peu les steaks, tu vois, enfin c'est des gens qui sont dans la voiture, dans les camions, oh merde, ou alors en train de conduire, enfin voilà, ouais, t'as compris quoi, tu peux pas vraiment détailler parce qu'il y a tellement de gens qui, de tous les univers que tu peux pas dire alors farming c'est comme ça et tout. T'as trop de messages par contre. Trop de messages quoi? Sur le live? De quoi tu parles? De messages? Mais comment ça, de messages sur quoi, Mel? Bref, donc reprenons ce qu'on faisait. Alors, au début c'était décalé, et du coup après ça devait plus être décalé, je crois. Pro mode. Un peu. Ah ouais? Ouais. Ouais, dans le live, ah ouais. En plus, qu'elles ont dit salut le live! J'ai vu dans le temps, ils marquaient tout salut Louis, salut Brack. Tu pourrais faire une vidéo tutoriel pour stream? Bah ouais, enfin. Je peux. Il y avait du décalage. Bah non, j'entendais avec le casque, il y avait pas beaucoup de décalage quand je parlais. Mais voilà. Mais à un moment, il m'avait mute ça à la radio. Tu parles à quelqu'un, du coup, tu mutes les autres. Ah, nous sommes de retour. Les gens sont là. Les gens sont présents. Klaxonnez si vous voulez. Il me reste 35 km. Bah, soit on refait une autre mission. Ah, nickel. Tout le monde klaxonne. Ça fait plaisir. Attends, elle est calée là. Voilà. Fais des best-of de Eurotruck. Ouais, bah après je laisse les rediffusions, donc voilà. Donc ouais, du coup c'était sympa de passer. Mais en fait il m'a appelé pour vraiment parler de la FSL. Donc c'est-à-dire parler vraiment de Farming Simulator, mais genre parler de ce qu'on va faire quoi. Je pensais qu'il voulait vraiment qu'on détaille ce qui va se passer dans la FSL que j'ai déjà fait. Genre c'est 3 contre 3, tu dois presser, mettre les bots sur un tapis et tout.
Mais c'est ta deuxième chaîne. Oui, là, c'est ma chaîne secondaire, ouais. C'est ma chaîne secondaire, là. Je suis pas la principale. Mais c'est sympa de te voir passer sur Energy. Bah, la dernière fois, j'avais pas filmé. Oh, mais c'est trop beau la météo, là. Ah, ouais, les reflets et tout, incroyable. Il va comment, le gars du standard? Oh, mec, tout à l'heure avec Nico, mais c'est vraiment un bâtard, ce gars. Il s'est fait passer pour le standard, mais en fait, c'est Mel. Enfin, deuxième Mel. D'ailleurs, Mel, tu la connais? Parce que là, j'ai. Alors, attendez. GBX Inspire qui parle dans le chat, là. Bah, en fait, c'est. Elle est standardiste, mais chez Koé. Oh putain de merde. Enfin, en stage. Ah, c'est pour ça le truc bleu a disparu. Il a pas disparu. Mais ouais. Excusez-moi, je me suis un peu. Il y a un petit souci de collision. Il a regardé le live Energy. Bah, ouais, ils ont regardé le live. Le lien. Ma chaîne principale, c'est Starview. Juste Starview. Là, c'est Starview 3.0, c'est ma secondaire. Mais principale, c'est plus de. Bah, ouais, ça peut vous plaire en vrai, ceux qui me découvrent peut-être. Mais ça peut vous plaire ma chaîne principale parce que c'est plus du vlog. C'est pas du jeu quoi, c'est en vrai quoi. Regarde la route. T'inquiète, Mathilde, t'inquiète. Oui, je la connais. Elle a fait la même école. On se croise des fois. Ah, mais oui. Ok. Vas-y, hein. Non, mais Nico avait enregistré. Ah, ouais. GG pour Energy. C'est pas un exploit. Mais je mettrai un petit extrait sur Insta au pire. Je mettrai tout l'extrait sur Insta. Je ferai un petit truc sympa, je pense. Où, ouais, il a un camion. Bah, gros, il a un camion. Comment il a fait pour avoir un camion? Bah, mec. Incroyable. Par contre, c'est pas là, hein, qu'est-ce qu'ils me font, les gens. Donc, voilà, les gars. Donc, c'était sympa. Tu peux réécouter sur le site. Ouais, mais là, vu qu'il y a le live, on me voit en même temps. Donc, autant me voir, quoi. Autant me voir. Juste au pire, je décalerai le son et l'image. Comme ça, quand je parlerai à l'antenne, bah, enfin, vous verrez. Salut, ça vaut. Je suis abonné sur tes deux chaînes. Bah, nickel, les gars. Du coup, juste pour info là, qui c'est qui m'a découvert juste depuis que je suis passé à l'antenne là, genre depuis 10 minutes? Qui m'a découvert? Ou alors est-ce que vous me connaissez déjà? Ça aussi. Mais vu qu'il y avait des agrès qui. Il y a un garage là. Bah, il y en a pas qui vont dire moi, je sais, mais. Mathilde, ETS2, moi. Quoi tout ça? Moi. Mais Mathilde a dit moi, mais qu'est-ce que tu racontes, Mathilde? Non, mais si jamais t'as besoin pour un record. Un record? Un record de quoi? Un record? Ah, en gros, tu peux me passer les. Hein? Enfin bref, t'inquiète. Moi je te connais déjà pas moi. Oh, il y a quand même quelques-uns. Alors, Energy, je crois que sur le soir c'est 50 000 personnes. C'est pas énorme, hein. 50 000 auditeurs en moyenne à 22-23 heures quoi. Koé, c'est pas le même délire. Koé, je sais pas comment c'est toutes les heures, mais ça doit être plus du 100 000 ou 200 000 quoi. Je sais pas. Alors attendez. Où est-ce qu'on se gare là? Ah merde, c'est pas du tout là. Mais arrêtez de klaxonner là. Putain, mais il klaxonne, il croit que c'est la fête là. Ganel, il m'a dit un truc, je sais pas comment répondre. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Bah, mais je fais une marche arrière quand même. Mais je suis vraiment un gogol, moi. Je peux rentrer très bien normal et moi. Qu'est-ce qu'il fait lui sur la rambarde? Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il veut sauter ou quoi? Wesh, la camionnette, t'as vu ça? Attendez. Ah, tourne! Oui, Mathilde sur. Mais putain, mais je sais pas conduire. C'est bon, j'ai le chat, c'est pour ça. Prends un daf après. Bah, les gars, après, je sais pas si on fait une autre mission. Parce que demain faut que je me lève assez tôt, donc j'ai pas envie de trop faire un live long en fait. Là ça fait déjà 2h50, ouais les gars on va s'arrêter. Putain mais attends, je mute le son parce que là. Que c'était Guillaume Play, c'était 3 millions vendredi soir. 3 millions je sais pas mais en vrai si possible en vrai, pourquoi pas hein. Mais 3 millions d'auditeurs, mais non mais je pense que c'est sur une tranche d'une heure t'as 3 millions de personnes qui passent. Mais moi je parle en instantané. Parce que Energy, oui, sur Energy, c'est bizarre. C'est pas comme YouTube, c'est que tu vois en direct, là, on est 2200. C'est pas pareil. Mais bon. Attends, on va juste. Putain, mec, je fais de la merde. Tu pourrais faire en live Euro Truck en simulation et pas promo. Non, les gars, je reste sur la promo parce que la promo, ça rajoute une map incroyablement belle, quoi. Donc voilà. T'es là, Germain? Ouais. Ok. Bah, nickel, hein. Carré. D'ailleurs, en plus, Germain qui a bossé avec Guillaume Play, d'ailleurs. Ouais, Guillaume Play. Qu'est-ce que ouais, tu faisais de beau avec Guillaume Play? J'étais graphiste. Voilà, il était dans. Mais c'est incroyable, Mélissa, elle bosse à NRJ. Mais l'autre Mélissa, elle est standardiste à NRJ. Germain, il a bossé à NRJ. Enfin, t'as bossé en tant que. Ouais, bah, plus dans. J'ai bossé dans l'entreprise de Guillaume. Donc. Ouais, sa boîte de prod. Sur le, enfin, sur ça... le CV, enfin, sur le contrat, c'était l'entreprise de Guillaume Play, c'était pas NRJ quoi. Ouais, ok. Mais tu connais l'autre Mélissa? Non, je la connais pas, mais je vois qui c'est maintenant, quoi. Non, je la connais pas, vraiment. J'ai recroisé à Webedia avec le QG, quoi. Ah ouais. Moi, je connais Sukaina, toi. Mystère Ami. Bon, bah, les gars, on va s'arrêter, je pense.
Il y a des abonnés. Merci des abonnés qui nous ont suivis quand même pendant tout le trajet. En fait, elle aime pas quand je dis ce qu'il y a. Bon, bah, du coup, les gars, j'ai même pas la flemme pour une autre mission. Continue. Ah ouais, vraiment, vous voulez vraiment qu'on continue là? Bon, on peut continuer un petit peu. Allez, on fait une dernière mission si vous voulez. Si vous voulez, petite dernière mission, pas trop longue par contre. Il la connaît. Non, il la connaît pas, hein, t'inquiète. Enfin, je crois pas. Non. C'est qui? Non, je connais pas. Ah, c'est t'inquiète. C'est... Non, t'inquiète. Bah, tu. Enfin, bref. Bah, non, bah. Vas-y, va chercher ma mission. Moi. Parce que le prénom, il me dit un truc, mais. Je sais pas. Ah bon? Tu J'sais joues pas. Avec moi, toi? Oh, non. Livre des vaccins. Ah, c'était une mission de vaccin, là? Une voiture. Non, pas de voiture. Pas de voiture. Bah, du coup, on fait une mission, les gars. Donc, bah, dites-moi merci quand même, parce que. Voilà. Pas de majuscule. Allez, let's go! Par contre, du coup, il parlait de Farming Simulator. Il a dit, ah, il est en live sur YouTube. Ils ont dû voir dans un camion, ils ont dû bégayer. Mais attends, mais c'est pas okay. C'est vrai, mec, il parle de farming. Il fait, hey, il fait du Farming Simulator en live et tout. Et là, il va voir le live, il voit que je fais du camion. Hein, mais qu'est-ce qu'il fait? Au pire, j'aurais dû mettre une photo d'une remorque de camion. Tu avais pas dit que tu irais à l'ouest? Non, mais on va pas à l'ouest là. Ah, mais non, mais je vais prendre ma mission à l'ouest, mais après on va à l'est. N'inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Merci pour les 4400 pouces bleus. Bientôt 49800 sur Insta. On approche des 40. Les gars, on approche vraiment des 50 000. Hein. Merci à ceux qui s'abonnent, ça fait trop plaisir. Et ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez-y. Et vous faites gaffe au faux compte aussi. Qu'est-ce qui se passe, GX Inspire là? Justin Bieber là. Ah là là. D'ailleurs, c'était bien aujourd'hui chez Koé. Mel. T'as vu, tu en penses quoi du dernier post Insta de farming? Là, mais ça annonce le. Les gars, ça annonce que jeudi, il y a une annonce de farming. C'est tout. Tais-toi. Quoi, tais-toi? Comment ça, tais-toi? J'ai rien dit de mal. Faut aller où là? Ouais, faut aller là. Vous me suivez? Ils me suivent les autres ou pas? Ah oui, ça me suit. Je fais même pas gaffe là. Tu es l'un de mes youtubeurs préférés. Merci beaucoup, les gars. Mec, je suis mort, on est passé de 4600 à 1700. Prends un daf. Bah, en fait, là, on est un peu. En fait, là, voilà les viewers qu'on fait actuellement, là, c'est les viewers qu'on faisait d'habitude. Fallait tourner. Je vais changer mon nom. Vas-y, mais mets-toi un vrai truc. Enfin, un vrai truc. D'accord. Mel on air, tu mets. T'es le meilleur. Ben, merci beaucoup. Merci, les gars. Ils ont parlé. Quand du ETS? Jamais. Vas-y, t'inquiète, Mel. Vas-y. Ça tourne pas, ça! Bon, y'a pas le son du jeu. Ah, voilà. Sinon, Germain, ça va? Bah, ouais, tranquille, et toi? Mec, j'adore Euro Truck, hein. Euro Truck, c'est mon jeu, en fait, maintenant. Euro Truck? Ouais. Mec, bah, j'aimerais, j'aime bien. C'est à vous, j'entends mon téléphone. Ah non, mais non, il y en a qui disent j'attends mon téléphone. Mais les gars, ne vous faites pas avoir. Je n'offre pas de téléphone sur Instagram, c'est pas moi. C'est des faux comptes. Tout le monde suit là? Ça suit. Est-ce qu'on a perdu du monde là? Ah non, ils sont toujours là. Mel on air. Ah, mais vous la connaissez en fait? Ah, oh, ok, vous la connaissez quoi. Je pourrais te modifier les gyrophares du feint. On avait pèse en français. Ah ouais, ouf. Vas-y, hein. Starvo drag Mel. Mais non. J'ai le droit de parler à des amis quand même. Allez. Tu habites où? J'habite dans le sud de la France. Sud. Tu fais des drifts avec ton camion, ça fume. Bah non, regarde. En vrai, qu'en fait, il galère un peu à tourner. Et quand tu roules dans l'air, écoute mon volant là. Quand tu roules dans l'air, mec. Regarde, ça drifte. Ah oui, pas. Ça tremble, ça fait. Bah ouais, parce que là, il y a le retour de force sur celui-là. Ah, mon cul. Non, ça vite pas mon cul. Et ça tourne. D'où t'es venue l'idée du nom Stervio? Oula! Parce que c'est compliqué à expliquer, mais c'était quand j'étais petit. En gros, avec un pote, on avait une 3DS et mon pote s'amusait à changer de pseudo de 3DS, genre de la liste d'amis tout le temps. Et moi, comme j'avais pas de personnalité, mais je faisais pareil. Et du coup, on trouvait vraiment des noms genre nuls, tu vois. Genre des trucs qui avaient aucun rapport. Genre des trucs qui, genre, tu marquais des lettres au hasard, c'était un pseudo. Et un jour, j'ai marqué Stervio et depuis, je l'ai gardé. Mais il n'y a pas de. Genre, j'ai fait E-S-T-E-R-V-I-O. Oh, c'est sympa. Voilà. Oh non, j'ai pas pris ma. Ah merde. Attendez, je recule. Adieu le RP. Ah, ça va. Merci beaucoup, Bison7.
Oh Mathilde, t'as mis une vraie photo. Mais non. T'as mis une vraie photo de profil quoi Mathilde. Eh ben ça c'est bien. Pas trop tôt. Ça serait temps. Bah attends mais... Oui ma mission. Mec j'ai pas mon... Attends mais quoi? Où est-ce qu'on... Attends mais quoi? Je suis bien arrivé là. Bah je suis arrivé mais... Ah faut aller là. Ah c'est de la merde ça. Mathilde je pourrais en même temps... J'ai un talent caché. C'est quoi? Oui je me crois un peu dans un jeu de F1. Mais ça va. Pas trop dur les freins? Ça va. En fait faut passer par là-bas, dire qu'on est arrivé. Et après voilà. Alors attends normalement, alors du coup c'est où l'entrée là? C'est pas là. Ah voilà, faut rentrer là en fait. Ok c'est ça. Faut rentrer ici. Là tu dis que t'es là. Tu prends ta mission. T'es belle Mathilde. Ah ouais. Calmez-vous, calmez-vous. C'est parti. Oula, il y a un écho. Ah ouais Ganel. Demain tu fais quoi? Demain je fais quoi? Demain matin je vais chercher une... Enfin on va avoir une chariot avec mon père. Vu qu'on a vendu la note, c'est qu'ils sont au courant. Donc voilà, donc vous verrez sur Instagram la très belle charrue. Oh si je vous la montre mais pas sûr. Et demain soir les gars live sur demain soir les gars live sur Je vais y arriver. Enfin, je sais pas. Paysan français. Paysan français avec Zero. Donc du farming mais chaîne principale. Remel on air. Putain c'est nul ce pseudo. Non j'arrive. Je viens. Oui j'en ai mis une. Bah oui. Ah ah ah. Par contre je crois que t'as du décalage Mathilde. Faut que tu quittes le live et que tu reviennes je crois. Oh non. Dis-moi que tu t'ouvres. Oh non elle s'ouvre pas. Faut passer par l'autre côté. Par contre la mission c'est combien? C'est 500 km hein. Donc on en a bien pour encore 20 minutes de route hein. Ah il y a un mur là. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Maintenant petit demi-tour. Ça passe. Je vais devoir partir. Bah vas-y les gars pas de problème, il y aura la rediffusion ne vous inquiétez pas. Mais restez c'est quand même mieux. Mais je pense que ouais ceux qui vous renvoient la rediffusion je mettrai un truc de comment ça s'appelle tu sais genre comme la vidéo de dimanche. En gros dans la vidéo t'as écrit les parties de la vidéo en fait. Je sais pas si tu vois, comment s'appelle Germain là c'est les... Le sommaire un peu genre. Ouais en gros le sommaire de la vidéo quoi. Du coup il y aura ça, il y a marqué énergie puis voilà. Comme ça vous serez. Encore 3 heures de live. Ouais. Ou alors je réupload sur ma chaîne secondaire, mais utilité zéro. On verra. Timecode. Ouais, voilà, c'est timecode. Ouais, je me suis fait ça, ouais. T'as dit Tarly Wandowski. Non, j'ai pas dit Tarly Wandowski. Je ne suis pas Inoxtag. Et dommage que j'ai pas eu le déformateur de voix. J'aurais parlé comme ça. Ça va c'est une interview. Salut Germain. Est-ce que tu vas bien? Ah ouais, bien. Et ben oui. Putain, je suis con. Je te suis depuis le début du live. Depuis 3 heures. 3 heures 2 de live. Tournez à droite. J'ai zéro décalage. Bah, je préfère. Ah, tourne. J'ai un Logitech G29. Et moi, j'ai le G920. Bah, du coup, c'est Arquebra qui a regardé le stream. Il voyait le beau décor, la belle moissonneuse. Il aurait dû dire, mec, c'est un tracteur qui prend feu. C'est bizarre, mec. Vas-y, à plus, Mel. Bisous, ouais. À la prochaine. Je serai dans ton camion, j'aurais vomi. Non. Oula, la voiture qui double. Ouais, ils roulent trop vite, là. Ils sont malades de rouler si vite. Pourquoi ils roulent si vite, les gens, là? Ils roulent à fond, ils roulent à fond les ballons. Un dab s'il te plaît. Sauf que dab c'est un peu démodé quoi. tes vlogs sont clients. C'est à quoi tes vlogs sont clients. Merci aux clients fidèles. Merci aux clients fidèles. Oh merde, c'est pas la bonne route là. Excusez-moi, je me suis un peu trompé de déviation. Non, jamais il joue pas. Ça serait drôle que non, tu. Non, moi je suis sur le siège passager. Il est sur le siège passager avec le PQ. Oui. Et j'ai des nausées. Ah, regarde, j'ai mis un PQ. En vrai, pourquoi pas un de ces quatre? Ouais. Ça serait drôle. Mais en vrai, c'est que Road Truck, j'ai toujours kiffé ce jeu. Bah, ouais. Non, parce que là, j'y joue parce que j'aime bien, tu vois. Road Truck, c'est stylé, j'aime bien jouer avec. Enfin, j'aime bien jouer dessus, tu vois. Mais c'est une période. Je sais que ça se trouve dans 2 semaines, je vais faire, allez, ça me saoule. Mais sinon, le jeu est cool, quoi. Moi, j'aime bien. Le jeu est sympa, quoi.
Du coup, on n'aura pas fait de géocacheur avec avec Nico, quoi. Oui. Mais bon. Il a pas dit, putain, il est chiant. Non. Bah, écoute, en vrai... Enfin, là, t'étais en pleine... Enfin, ça aurait un peu cassé ton life, quoi. Je comprends. Ah, trop gentil. Attendez, téléphone au volant. Enfin, moi, Nico, sûrement aussi. Enfin, c'est quoi? J'ai dit c'est moi qui pense ça, mais Nico aussi, je pense. Bah oui. Bah non, ils s'en foutent. Du coup, t'as pu parler de tout avec eux? Bah non, j'ai pu parler de rien du tout. Parce que je vais parler de la FSL, j'avais préparé un truc. Et du coup, j'ai parlé, bah écoute, farming, faut traire à les vaches, ration mélangée. Ils devaient rien comprendre. Ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, ration mélangée, du pain et de la foin, mais. De la foin. Ça te saoule pas ce jeu-là? Non. Farming, actuellement, oui. Mais c'est bon! On a un nouveau jeu bientôt, oui! Ouf, toi tu vas nous mettre un avec tes conneries. Il y a eu un shoot. Oh ah c'est bon. Mec, t'as vu le live? Regarde attends, le live. Je regarde là. Ouais. Il y a eu un shoot. Ouais. Attends, c'est quoi ce décalage là? Je suis au péage là, tu as arrêté. Ah ouais. Oh damn. Genre la voiture qui éjecte là. Bah ouais. Qui éjecte le camion comme ça. Essaye de voir un peu. T'as le temps, Ganel. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh, doute pas. Je vois dans le rétro là. Nico, trop drôle, la prank, mais mec. Par contre, faut vraiment. Attends, on va le réécouter après le prank, les gars. À la fin du live, là, qu'on sera un peu moins nombreux, qu'on sera 500. C'est moi, je lui ai dit, faut qu'on prank Stervio. Et après, on a essayé de chercher. Et on s'est dit, ouais, franchement, le petit énergie, ça peut être sympa. Putain, mais mec. Mais vas-y, on a trop fait de la merde. On aurait dû pousser le vice plus loin. Mais non, parce que c'est. Oh, mais il est malade, lui. Bah, si. Tu nous as cru, t'es rentré dans le panneau. Comme. Mec, c'est que j'ai trop cru, mec. Dans le panneau. J'ai trop cru. Au début, on voulait dire, ouais, par contre, doucement sur les pubs, la dernière fois, tu as été un peu loin. Demande un petit test à Bastien. Mais ouais, mais. En plus, mec, c'est Mélissa, c'est pas Clément, y a pas de Clément. Putain. Je suis tombé dans le. Mais mec, putain! Mais ça me saoule ce GPS, il dit de quitter l'autoroute et après il me la refait reprendre, ce bâtard là. Sortez pas d'autoroute, les gars! Ah! Putain, c'est de la merde. Faut que je remette mon GPS correctement là. Parce que le GPS il me fait sortir. C'est pas parce que tu t'as mis esquiver les autoroutes ou ça? Bah ouais, c'est pour ça. En plus, tu payes le péage là, voilà, bravo. Ça me fait penser quand t'es venu me chercher à Orly, à l'aéroport. T'es rentré, ah ouais, 5 balles, fois, non, 1€ ou 2€, je sais plus trop. Je lui dis, vas-y, descends, parking, machin. Il me fait, ok, puis oh, je sais pas si où, je sors. Mec, Orly, c'est gros quand même comme aéroport. Ah, j'étais au bon endroit. Tu aurais pu brancher la truc accélère. Ouais, mais mon téléphone, c'est pas l'USB, c'est du câble USB truc là. Stervio, t'es belle. Ah ouais. Carrément. Il me double, il fait quoi lui? Tu peux. Attends, c'est quoi le truc avec énergie? Bah, je vous mets la il y aura la rediffusion du live et je vous mettrai le passage quand je serai passé. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Mais c'est pas possible! Et ouais, il me fait passer sur l'aire de repos pour éviter l'autoroute. Va y avoir un choc là, va y avoir un choc. Oh, c'est bon. C'est bon. Oula. Tu peux passer les vitesses. Hop là! Avec la boîte. Qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, mais genre, je reçois trop de messages là. Je suis un peu trop connu, quoi, c'est tout. Bref, c'est comme qu'on a des abonnés sur Insta, là. Moi, je veux passer mes abonnés. Oh, il me fait peur, lui, derrière dans le rétro. 49 789. On peut passer les 49 800. À la rediffusion, bam, ça monte aux 49 900. Et demain, on est en live, 50 000. Et voilà. Et après, on... Ah, demain, du coup, c'est-à-dire que c'est demain qu'il faut que je fasse une photo avec le Renault, avec mon costume, là. Putain, mec. Comment ça? Mais mec, là, pour mes 50 000 abonnés, je veux faire une photo avec le Renault habillé en poule. Ah ouais, j'avoue, faudrait peut-être le rentabiliser le costume. Bah mec, je vais faire une vidéo en poule et je l'ai encore jamais fait. Ah oui, mais je crois que tu l'avais mis pendant le live aussi, donc ça va aussi déjà. Putain, 4000. Bon bah, les gars, je crois que ce live là aujourd'hui c'est le plus gros live que j'ai fait sur ma chaîne secondaire depuis la création de cette chaîne. D'ailleurs, ça me fait penser que pourquoi pas très prochainement faire un live 24h. Hein. Bah non, au prochain farming. Tu penses? Ouais. Bien sûr que je suis jeune. Non, en fait, elle est pas jeune, elle est vieille, Mathilde. Vous savez comment elle est. Elle a des rides et tout. Oh, ouf. Tu peux passer les vitesses avec ta boîte de vitesse. J'ai pas de boîte de vitesse.
Pourquoi il y a des péages Ouais, il s'est TP lui. Il a coûté combien ton setup? Waouh. Il a coûté, je crois que j'avais calculé plus de 8000 balles hein, en vrai. Hein. Bah, vu que Farming m'a envoyé un PC, on dépasse les 10 000. Mais c'est pas moi qui l'ai payé, c'est Farming qui m'a envoyé un ordi. Mais genre, tu parles toi, mais tu craques comme un... Tu craques comme un, comme un papy. Ah oui, c'est vrai. Les gars, quand je m'assois, est-ce que ça vous le fait aussi? Quand tu t'assois, tu craques du genou. Oh, merci Bison 7 pour ton sub. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup, frérot. Mais ouais, du coup, quand je m'assois, je craque. C'est pas normal, hein. Jamais, tu craques pas, toi? Bah, ça arrive, mais pas tout le temps, quoi. Et moi, ça arrive à chaque fois. Genre, quand je m'assois, crac. On dirait qu'il me casse en deux. Je suis en sable. Pourquoi tu dis qu'il y a un nouveau jeu? Parce que les gars, Farming va annoncer quelque chose jeudi. Enfin, c'est ce qui est... Il est marqué 3, c'est pas 3 heures, 3 jours, 3. C'est 3 jours, c'est pas 3 ans. Ben, ça se trouve, c'est pas ça, mais faut pas être débile, enfin, je pense. Après, j'ai pas envie de dire non plus trop de conneries non plus, tu vois. Ça se trouve, il y aura rien. Je sais pas, franchement. Ça se trouve, il y aura rien, mec. Ça se trouve, je suis en mode bah ouais, il y aura tout. Mais moi, je pense qu'il y aura un truc de farming. Mais s'il y a rien, bah il y aura rien. Quand on sub, tu as des smileys, t'as pas le mot de lent. Ben, je vois tes commentaires, bien sûr. Tu as un grade spécial sur le Discord. Genre pour me parler, mais bon, j'y vais jamais. Enfin, là, j'y suis sur le Discord en vrai, mais. D'ailleurs, ouais, le Discord, c'est discord.gg/stervio. Ça te dit si je te propose d'être ton monteur? Bah, y a déjà un monteur qui est à reposer. Mais en fait, j'ai pas de montage à faire. C'est ça qui est con. Parce que le montage de vlog, c'est trop compliqué et j'aime pas. Enfin, j'ai pas envie de délaisser. Enfin, même si c'est chiant de faire le montage des vlogs, j'ai quand même envie de faire du montage. Parce que, bah, les gars, c'est mes vlogs quoi. Et je serais. Si c'est un monteur qui me fait du montage, je vais pas être content. Je vais faire, ouais, non, ça me plaît pas. Donc non, je veux quand même qu'il y ait un monteur que. Enfin, je veux être. À la rigueur, si. Bah, à la rigueur, au prochain farming, justement. Les rediffusions de live, les best-of de live. Il y aura des best-of de live, parce que. Voilà quoi. Ouais, je suis pas d'où ça vient. Le crack du genou, Ster. Bah ouais, moi je craque du genou. I'm free. Quoi, I'm free? I'm free, free, c'est gratuit. Bon, ça, t'es gratuit. Je demande pas des gens de travailler pour moi gratuitement, t'as craqué, toi. Moi, les gens, je les paye, moi. Tu voulais pas jouer à Bus Simulator? Non, mais on jouera à Bus Simulator un autre soir, c'est pas grave. Et attends, mais les abonnés, ils suivent ou ils sont tous au lit, là? Ils sont idoles. Attendez, mais les gars, les abonnés, est-ce que vous pouvez passer devant moi, les abonnés? Oh, ça me fait peur, ça. Est-ce que les abonnés peuvent passer devant moi? Je roule très lentement. Genre, juste passer devant moi, sur la voie de gauche, et après, vous repassez. Mais juste pour qu'on vous voie, quoi. C'est un vol au live, Winnie Morson. Oui. Ron se lève, les gars, je vous le dis, il va être en tendance. Ça, c'est obligé. Ça. Comment on sub? Un petit bouton rejoindre si tu veux. Oh là, n'hésite pas. Allez, les abonnés, on accélère. On passe devant. Allez, passez devant. Mais on va où? Ah oui. on va. T'inquiète, tout droit. Tout droit. Et à la prochaine sortie, à droite là. À l'échangeur, faut aller à droite. Voilà. Oula, oula, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Vas-y, passe. Mais qu'est-ce, il va y avoir un choc là. Mais y'a plus personne comme abonné là. Attends, mais ils sont tous au lit ou quoi? Y'a Flappy X Diablo. Bon, j'attends. J'attends. Bon, mais personne double, ok. Hein. Ok, c'est pas grave. Teste la camionnette Victor. Hein. Ouais, mais Bus Simulator, je l'ai pas acheté, faut l'acheter. Enfin, le si, Bus Simulator, j'ai testé, mais c'est The Bus que je veux tester. Voilà. Vas-y, je repasse devant, les gars. À balle. Est-ce qu'on a de l'essence? Ah, on va s'arrêter faire le plein. Laisse ta carte un peu dézoomée pour que je vois. Bah t'inquiète, c'est quoi? Là je fais le plein, les gars. Je fais le plein. Nolan, non mais il craque de partout. Comment ça je craque de partout? Arrête tes conneries toi. Je craque pas de partout. Par contre, ouais, je vais pas tarder d'arrêter parce que demain matin je dois me lever et tout là. Pouh, là. C'est une passion pour Ganel. Ah ouais. Ouais, mais mec, non. Une passion. Quand tu vas avoir 15 montages à faire, tu vois, la passion, c'est qu'à mettre. Il y a plein de gens qui font des métiers qui les passionnent. Mais bon, ouais. Regarde, youtubeur, est-ce que. Moi, je suis youtubeur, c'est un métier de base de passion. Mais bon, je suis payé, quoi. Parce que mine de rien, c'est quand même un peu de travail, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais, genre, quand Germain, il vient. Quand Zero, il vient porter la caméra pour mes vlogs, mais je le paye. Ah non, c'est vrai. Bah oui. Ah. On rigole, ça va. C'est de l'entraide entre fratés. Voilà.
m'en fous, je fais 15 montages. Mais Ganel, pourquoi? Juste pour dire, j'ai fait le montage de la vidéo des 3 fermes de Starbucks. Non mais on verra prochaine fois, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. Là, pas besoin. C'est que de l'air que tu as dans le genou. En fait, je suis un bibendum, quoi. Ah oui, ouais. Ça me rappelle. Mec, c'est bizarre, il y a du colza qui est pas mûr, à côté, il y a des bottes de paille. Mais qu'est-ce que c'est, ça? J'ai mal aux yeux, par contre. Oh, il y a un tracteur à gauche, il y avait un doute. Il y avait un doute phare. Raconte une blague. Vas-y, jamais dis une blague et si elle est pas drôle. Ok les abonnés, si là, bah, il va raconter une blague, si elle est drôle vous marquez MDR et si elle est pas drôle tu marques c'est pas drôle. Vous marquez c'est pas drôle. Vas-y Germain, c'est à toi. Commence. Ok. Tu fais le fanfaron, commence. Là tu vas aller sur Google, tu vas marquer blague nulle. Bah je vais aller sur Google. Ok attends, au pire on a le droit d'aller trouver des blagues sur internet non? Vas-y. Et après on choisit juste la bonne quoi. Vas-y, alors les gars, on va chercher une petite blague. Alors, top 100 des meilleures blagues. Ouais, mais attends, moi j'ai ma technique, moi. Attendez, les gars, j'ai une technique. Quelle mamie fait peur aux voleurs? La mamie. Non, je sais pas. Bah, vas-y, attends, dis-moi. Ils vont l'entendre. Hein? Faut qu'ils trouvent, non? Ah non, faut que juste qu'il dise la chute et après il dit si c'est nul ou si c'est bien. Ah, c'est ma mitraillette. Ah non, ça me dit. Non, je rigole, c'est pas moi, ouais, c'est le site. Hein, attends, avant les abonnés qui vont dire. Ils disent MDR. Ah, ils sont gentils, hein. Ça va, ils sont gentils. C'est pas ma blague, hein, je fais que lire, moi. C'est de la merde. Non, ouais, il y a quand même plus de MDR. Hein. Ah, Germain, il a été validé par les abonnés. Aïe. Germain, il a été validé par les abonnés. Par contre, moi je prends un risque. Je prends un risque fort. Mais on va voir. Mais c'est trop long. Attends, mais c'est trop long ces blagues. Attendez. Ah là 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 là, attendez. Blague drôle. Bah oui, de base, c'est mieux. On va regarder un petit peu. Ah mec, t'as pris vraiment la première. Bah oui, ah t'es sur le 26. Mais oui. Ensuite, à moi. Faut tourner les gars. Comment est-ce que la... comment est-ce que la chouette sait que son mari fait la gueule? Ah oh ouais, non là je pense que tu vas te manger un de ces râteaux. Parce que l'hibou. Oh putain. Attends. Mais c'est pas l'hibou, c'est l'hiboud en plus. Oh y'a rien qui va là. L'hiboud. Ah mince, je me suis trompé. Mathilde, elle a écrit nul. Mais t'es MDR. C'est pas drôle. Ouais, bon, je pense que vous rigolez le plus parce que je me suis chié à ma blague, quoi. Là, j'avais un seul truc à lire, je me suis trompé, quoi. Éclaté. Ah, bon, on refait une deuxième. Germain, t'es parti? Tu fais ta petite blague, là? Je sais pas, on va regarder ça. Attends. Attends, je vais regarder. Pourquoi... où est-ce que... Attends, où est-ce que les super-héros, pardon, vont-ils faire leurs courses? Ah ouais, non, là, par contre... Ok, bon, je jette là, ok. Ça va. Ça va, mais de l'autotune. Non, attends, prochaine blague. Oula, doucement, il est dans les virages. Doucement dans les virages. Attendez, en tout cas, je fais de la merde. Téléphone volant, c'est très pas conseillé. Non mais qu'est-ce que c'est là? J'ai une vieille page, je peux même pas la quitter. Et pourquoi il me dit confirmer? Les gars, mon téléphone il marche plus. Attends, je me mute parce que sinon ça va faire un truc. Raconte-moi une blague. Alors. Rire, mais voici une petite blague. Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais déménagé? Parce qu'il avait un bon appart. Oh elle est stylée. Non elle est stylée mec. Avoue elle est stylée mec, ça va, c'est pas nul. Hein? T'as entendu. Mec, dans le chat, c'est drôle ou pas? Grave stylé, c'est de la merde. Ah, ok, super, vous en battez les steaks. Mouais. J'ai une blague pour vous, les gars. Qu'est-ce qui craque quand il se baisse? Starvio. Allez, rigolez, parce que c'est drôle. Franchement, je suis mort de rire. Franchement, trop drôle, quoi. Oula, c'était là. MDR.
Ah. Oula. MDR. Ah voilà, voilà, voilà. Là, je préfère. Là, vous êtes des amis pour moi. Vous êtes des amis. Nul à chier. Ouais, mais ça, c'est que t'as mal entendu la blague. Bah oui. Bah. T'as 49 800 sur Insta. Oh, 49 800 sur Instagram. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je suis content. Pourquoi la fesse gauche et la fesse droite ne sont pas amis? Car il y a la merde entre eux. Ça, c'est drôle. Ça va, c'était nul, mais... Alors, bref, mais faut faire des blagues nulles, mais de paysans, là. Y'a pas un truc nul de paysan. Jamais, t'as pas une blague nulle de paysan? Je sais pas, faut regarder, on voit. La seule blague que je connais, c'est qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Mais c'est pas une blague de paysan, qu'est-ce et qui c'est... Qu'est-ce qui attend? Jonathan. Et... Wouhou! Aujourd'hui, c'est la fête foraine. Ah bah non, c'est vrai, c'est y en a pas. Oula, 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 la, 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 la. Ah, je vais... y a un souci. J'ai un souci de remorquage. Qu'est-ce qu'un gendarme sur un tracteur? Je sais pas. Qu'est-ce qu'un gendarme sur un tracteur? Blague ou conduire, il faut choisir. Ah, ça c'est stylé, Mathilde. Mais bon, c'est pas très drôle, quoi. Je viens juste d'arriver et boum. Et boum boum. Est-ce que vous connaissez des gens qui parlent avec que des onomatopées? Ben moi, oui. Elle s'appelle Mathilde. Oh merde. Ah non, mais je suis con, je peux pas... Mais qu'est-ce que je fais? Un poulet fermier. Ah, trop... Ah oui, trop drôle. Enfin, trop drôle. Tu rigoles quand t'as bu un coup, quoi. Sinon, là, tu rigoles pas, mais... Non, mais vas-y, je te parle plus. Tu parles plus? Comment ça, tu me parles plus? Comment ça, elle me parle plus, Mathilde? Bah, ok. Ok, ok, pas de problème. Alors, attends, on va où, là? Qu'est-ce qu'ils me font, les gens, là? Mais bougez de là. Mais toi aussi, oh là là, mais avancez. Pourquoi ils avancent pas, les gens? Voilà, elle boude. Oh non, Mathilde, elle boude. Tu boudes, Mathilde? À faire oui. Pourquoi il ne faut pas croiser les gendarmes en confinement? Car ils veulent ton attestat. Hein? Ah, Mathilde, elle a dit. Ah, il y a un feu rouge. Je l'ai pas vu. Ouais, bah écoute, moi je vais aller pioncer, je vais aller dormir. Bah, merde. Vas-y, mec. A plus, hein. Ouais, hop là. On se voit demain ou quoi? Bah, demain, ouais, je suis en live, donc vas-y. Hein. Vas-y, ciao tout le monde. Ciao. Vas-y. S'il y a des go, venez Insta. Je suis pas. Vas-y, à plus, Germain. Ah, mais merci. S'il y a des go, venez Insta. Mais arrêtez vos bêtises là. C'est pas Tinder. Pourquoi le temps? J'ai soif. Boire ou conduire? Il faut boire. Oula, c'est bon. Pourquoi les vaches ne marchent pas? Parce qu'elles ruminent. Ah non, c'est pas ça la blague. Je sais pas. Je ne sais pas. Mec, faut trop que je fasse un truc quand les gens fassent un don. Merci pour le don. Merci aux clients fidèles. Pam pam palin pam pam pam. Merci aux clients. Non, c'est nul. Ok. Est-ce que je fais un truc comme ça? Ça va être drôle, non? Non. À demain. À demain. Allez, on tourne, on arrive. Bon, j'ai le soleil en pleine face. J'y vois rien, là. The Bee la mouche. Comment ça, The Bee la mouche? Parce que... Attends, j'ai pas compris. Star Wars, tu sais, t'as des chances de te faire kick si tu grilles un feu. Mais non! Pas pour un feu. Pourquoi les vaches ne parlent pas? Parce qu'elles ferment leur gueule. Le mec, il y a une chute nulle. Parce que ça ferme et vache. Hein? Par contre, les routes, elles sont stylées, là. Eh, les routes, elles sont pas mal, là. On change, on va droite, à gauche. Comment appelle-t-on un dinosaure? Putain, j'arrive pas à lire en même temps de conduire. Bon, bah, trop tard. Un tripotéanus. Ah bon? Pourquoi? Un tripotéanus? J'ai pas compris. Ah, tripoter la nuit, c'est drôle! Non, c'est pas drôle. Non, j'ai pas compris pourquoi c'est quoi la blague là? Non, mais c'est quoi la blague? Tu peux m'offrir un PC? Non. Parce que
sont la ferme dont... Oh, on arrive à Jubjlana. On arrive, les gars. Ça annonce la fin du live. Alors, bah, du coup, on amène la cargaison. Déjà, merci aux abonnés qui m'ont suivi. Parce que déjà, c'était pas simple. Hein, tous les abonnés qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Franchement, les gars, bah, vous gérez, quoi. Vous gérez. Donc, demain, vous inquiétez pas, c'est le week-end. Vous conduisez pas. Que je ne suis pas en live sur Eurotruck. Mais mercredi, au travail. Non, on verra. Mercredi, je pense que je relèverai sur Eurotruck, quoi. Je crois que c'était ce côté qu'il fallait aller. Oh non. Il faut que je fasse demi-tour. Parce que... Bon, au pire, je m'en fous. Là, du coup, on finit de... Oh, attends, comment je fais demi-tour, là? Ça passe. Bon, il y a tout le monde qui est dans moi, là. Je vois pas... Oula. Dire cette phrase. Vois... Oh, putain, la palette. Je me suis explosé la palette. Alors. Allez, oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les gars, bah déjà, merci à, du coup, à toi et à tous les gens qui m'ont suivi sur cette magnifique route. Merci à ceux qui m'ont suivi sur énergie, c'était incroyable. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement quitter le jeu. Et on va manger. On va juste quitter ça. Et on va aller voir le passage où est-ce que Nico m'a pranké. Surtout. Et j'attends, j'ai surtout regardé le passage quand je passe sur énergie, voir si le son était bien et si j'étais décalé. Voilà. Bon, merci du coup ceux qui s'en vont, bonne nuit, mais le live n'est pas terminé. Et on a 77 000 abonnés sur cette chaîne. Non, on peut pas avoir 77 000 abonnés sur cette chaîne, hein, c'est pas possible, les gars. Mais par contre, sur Instagram, sur cette chaîne, les amis, nous avons actuellement. Ah non, chaîne principale, on va passer les 280 000 demain, à mon avis. Ou non, fin de semaine. On a 77 000. Attends, vous êtes au courant? Attends, est-ce que vous êtes au courant que quand j'ai commencé le live, on avait 76 200 abonnés? Là, on a 77 000, donc on a pris 800 abonnés. D'habitude, je prends 100 ou 200 abonnés par jour. What the fuck? C'est incroyable, ça. Et mon jeu qui bug. Super, ça. Donc, on va juste regarder le live, quoi. Voir un petit peu ce que ça donnait quand j'étais à l'antenne, parce que je ne me suis même pas écouté. Donc je ne veux pas savoir si c'était bien ou pas. Merci aux subs, merci aux clients fidèles. Donc c'était quand? Alors du coup on va couper la musique. Regardez, écoutez comment il n'y a pas décalage. Salut. Regardez, écoutez comment il n'y a pas décalage. Salut. Voilà. Regardez, écoutez. Donc voilà, il n'y a pas décalage. Donc je disais, on va écouter quand j'étais à énergie. Ah oui là. Farming Simulator, un jeu qui vous permet voilà, de devenir... Oh, le son était trop stylé. Et on était avec Stervio, donc plus de 279 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ah ouais, il y avait un peu de décalage et pas trop. Sur sa chaîne là, donc coucou à tout le live de Stervio. Et voilà, il nous a pas mal expliqué. Ça va, il y a pas trop de décalage. Comment marche ce jeu, comment il fonctionne. Et c'est vrai que le jeu est quand même assez ouf parce que il est quand même assez réaliste. Donc vraiment, on est content d'en parler ce soir. Et on voulait justement avoir l'avis. C'est comme on parle beaucoup de Fly Simulator. Attends, c'est au début que c'était mieux, non? Genre même des pilotes d'Air France. Attendez. Écoutez. Non, ça c'est au début. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ça c'est au début. Vidéo, bah voilà, vous nous dites TikToker, Instagrammeur. Là, je sais pas, je parlais ou pas là? Pour vous inscrire. 23h. DJ, c'est jouer. Beaucoup, on retrouve que simulation line-up de départ du The Event. Salut, ouais. Stervio. Salut. Salut, vous allez bien? Salut, salut. Bah ouais, on va très bien avec toi. Bah écoute, super, je suis en stream sur YouTube, il y a tout le monde qui te regarde, qui nous écoute là. Ah, ça fait trop plaisir. Oh, Stervio, on va devenir des stars. C'est incroyable. Je suis mort. Alors Stervio, pour tout ce... Bon, même si le nom de ouais. Simulator, ça veut dire beaucoup. Ouais. Mais en gros, si tu devais résumer le jeu pour quelqu'un qui a jamais entendu parler, tu dirais quoi? Bah c'est un jeu de simulation. Ouais, il y a un peu de décalage, mais les gars, c'est normal, tant que ça monte là-bas, que ça passe par le... Enfin, par que... Normal, non, les gars, c'est logique qu'il y ait du décalage. Mais il y a très peu de décalage en vrai. Hein. Ah ouais, de ouf, hein. Donc c'est trop bien. Et alors du coup on va écouter les pranks de Nico. Attendez, Nico, c'est pas tard là, il va pranker. Dites glace. Ah oui, on mangeait une glace. Nico. Alors, qu'est-ce qui m'a pranké? Qu'est-ce qui m'a fait? Là, on est en live, en live. Bonsoir. Attends, c'est quand qui m'a appelé? Ah, c'était là, je crois. Attends, c'est là qui m'a se pranké. Attends juste. Attends. Voilà. Attends, je voulais savoir ce qu'il disait au début en fait. Bah sinon je le fais mais... Attends. Masqué au pire, c'est bon. Ah ou sinon tu veux salut, ça va? Ouais mais... Mais c'est des bâtards. Ça va être un moment... En fait ils jouaient... Bonjour. Oui bonjour. Mais attends, mais pendant une heure ils en parlaient. Ah salut Nico. Nico viens sur le live si tu peux venir. Voilà. On va aller le contacter. Attends. Vous voulez faire le C15 Trophy un jour? Attends, là il parle normal. Ah mon live il bug, merde, attendez les gars. Attends deux secondes, je mets juste pause là. Ça devrait être bon là. La série est trop cool, merci beaucoup. Regardez, on déneige à maximum les routes. Il y a zéro voiture qui passe par jour.
Mais on le fait quand même parce que... Et zéro tracteur aussi. Attends, c'est quand qui parle de moi là? Ça dans le champ. Parce qu'il y a vraiment une sacrée différence entre un C15 et une Express. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? À moi. Oh merde, bon bah ça c'est... Ah bah sinon je te le donne. Ah ouais, je te le donne. Oh, j'ai des problèmes d'image là. Et comme ça il va pas comprendre qui c'est, tu fais limite, tu... Oh, tu fais genre c'est énergie. Oh attends. Oh en plus il s'y attend. Ah non, là il voulait me pranker et du coup alors que là il savait pas comment me pranker. Oh, incroyable. Attendez, il y a un truc à faire. Ouais, mais genre... ouais mais non mais c'est va y avoir des ouais, va y avoir si. Des stalkers. Non mais les gars, je suis sûr il y a déjà 10 personnes. Pas, j'avais pas vu les messages. Là il y avait aucun message. Hein. C'est que quand après, genre au moins 2 minutes après. Et là tu cherches le jingle, tu fais énergie. Après tu fais allô. En fait je crois que j'ai jingle. Ah j'ai jingle en plus d'énergie. Incroyable. Mais je sais pas si j'ai un nume. Bah je sais pas. Enfin. Ouais mais il y aura 2-3 personnes qui vont. Mec il était pas au courant. Ouais dommage. Ah en vrai, si, j'aurais dû si, te si, le si, dire, mais attends, en off. Si, si, mais attends, mais si, mec. Si, faut que je le fasse. Mais vas-y, genre, je mets musique d'énergie. Attendez. Mais non, mais il est cool, y'a pas énergie. Quand le standard t'appelle, y'a t'as pas énergie qui passe dans les oreilles. Franchement, ça peut être très drôle. Putain, mais c'est vrai, bâtard. Voilà, genre, je mets ça. Et après, on lui fera le reveal. Là. Mais c'est le temporaire, ça. En plus, c'est un vieux temporaire, c'est de la merde. Parce qu'ils vont l'appeler en off, à mon avis. Du coup, est-ce qu'il faut l'appeler en masqué ou pas? Mais je peux pas, on peut pas appeler les gens masqués, je crois, aujourd'hui. Mais attendez, mais ça aussi, il m'a appelé un masqué. Normalement, c'est. Je fais ça et genre, j'essaie de trouver une autre voix. Je fais. Attends, je te l'envoie. Je c'est vraiment un bâtard. Oh, merci, Cagnotte. Eh, merci beaucoup, Cagnotte. Hein. J'aime bien ton pseudo, c'est original. Je t'appelle Fabienne. Non, mais attendez. Eh, les gars, franchement, on fait un truc ensemble là. On fait un truc attends, ensemble. Attends, le chat disait quoi, le chat là? On s'appelle comment? Le chat, il disait quoi? Tu t'appelles Fabienne, OMG, ne le dis pas. Non, mais attends. Arrache on pas, va l'appeler, ça va être incroyable. Vas-y, attends, je vais chercher mon téléphone, je te file son numéro. Pourquoi il y a pas de numéro en live, tu la mets, mais au pire, tu la mets sur tes haut-parleurs. Tu m'as eu, bah oui, tu m'as eu. Bah, tu sais, genre comme ça, ils croiront que c'est les haut-parleurs du studio. Non, je pense. Ouais. Ça va être un moment mythique, les gars. Putain, mais mec, il est trop cru, mais j'étais sûr que c'était pas lui. Non. Ah, je sais pas. Allez, vas-y, on voit le. C'est vrai qu'il y avait personne qui lisait, parce qu'il y avait du monde. À ce moment-là, il y avait du monde sur le live. Je sais pas quelle heure il était, mais il y avait du monde. Bah, avant, on va dire comment. Attends, il faut trouver une voix là. Attends, j'arrive à faire. Un truc qui te. Attendez, j'écoute là, il va m'appeler, les gars. En plus, avec le téléphone, tu peux pas. Stervio, bonjour. Ah ouais, je tape. Ouais, Bastien, bonjour. Ouais, c'est Clément. Là, on te reconnaît. Non, mais putain, c'est chaud. T'as pas une voix. Attends. Salut, ça va. Tu vois, genre un truc un peu comme ça. Ou salut, ça va. Des standardistes, standardistes. Est-ce que tu pourrais placer. Je réfléchis de ouf. Quel bâtard. Genre, moi, t'es quoi? Genre, ce serait incroyable. Attends, il disait quoi là? C'est bon, non, mais attends, juste. Ah, mais une heure à réfléchir quand même, mec. Putain d'idée là. Pas que je me chie dessus. Mec, à ce moment-là, j'étais trop en mode putain, on m'a appelé. Je le fais, je vais enlever le casque, je vous entendrai plus, les gars, mais faut que je me concentre. Genre. Ouais, de ouf, ce serait incroyable. Vas-y, bah vas-y, vas-y, j'ai un pro. Par contre, oublie pas de mettre bien sur ton micro qu'on entende. Ouais, je vais mettre un haut-parleur. Putain, donc, du coup, je fais. Énergie. Je t'appelle quand ça se passait tout à l'heure. Donc, au final, je décale, ça sera pas 22h45, mais ça sera plus vers minuit. Minuit, donc. J'écoute ce qui t'en. Bah sinon je le fais mais... J'ai stressé con. Il faut vraiment que tu prennes une voix différente, vraiment. Non, mais faut que je trouve une voix. Salut, c'est Clément de... Mais pourquoi Clément, mec? Là, c'est la voix d'handicapé, ça. Attends, qu'est-ce que t'as fait? Attends. Là, c'est la voix... Comment tu vas? T'as fait... Salut, ça c'est... va, là on te reconnaît pas. Eh, hey, salut, c'est Clément d'Energie, comment tu vas? Mec, tu m'aurais appelé comme ça, mec. Là, c'est la voix... Handicapé, ta gueule, mais non, on peut pas dire ça. Genre, putain, mais c'est chaud, j'arrive pas. Attends, faire une voix. Salut mec, comment tu se mets comme ça? Je réfléchis, gros, attends. Merde. T'as vraiment mis une heure. Hein. Vas-y, go. Attendez. Là, on n'entend pas sonner. Il m'appelle. Allô ? Oui, bonjour Bastien. Ah. Oui, bonjour, c'est Clément d'Energie, tu vas bien ?
Oh non, bah, super, et toi? Bah super. Écoute, je t'appelle pour te dire qu'on va avancer l'émission d'ici 15 minutes. Ok, ouais, pas de problème. Bah, aucun problème. Ça te pose pas de problème? Non, non, bah toi, vous me rappelez, c'est ça? On va te rappeler de toute façon tout à l'heure d'ici avec le standard. Et il faudra savoir si tu pouvais parler pendant 10 minutes de Farming Simulator. Mais surtout que là quand il m'a dit ça, je trouvais ça un peu, enfin pas bizarre, parce que sur le coup je me suis pas rendu compte, mais je me suis fait mais bah oui, mais c'est en fait il m'appelle pour ça, donc logique je vais parler de ça. J'ai dit bah oui. Bah au moins Braque il m'a contacté sur Twitter, donc moi j'ai... Oh mec, c'est incroyable, il croit précisément. Tu penses? Là, tu penses qu'il nous troll pas? La ligue farming, hein, de l'e-sport par rapport à la Zian. Tu penses qu'il nous prend pas là? Donc voilà. Bah ça serait bien que tu parles aussi un peu plus approfondi du jeu, s'il te plaît. Si c'est ouais, possible. Mais y'a pas de soucis, bah je parlerai de ça. Ah, c'est cramé quand même. C'était pas cramé du tout, mais un peu. Sur le coup, j'étais pas cramé. Un peu cramé, non? On te rappelle d'ici un quart d'heure du coup. Ok, ça marche. Et puis, depuis un quart d'heure, surtout que mec, à la base c'était 22h45, il était même pas 21h quand il m'a appelé. Je fais un quart d'heure, mais c'est tôt vachement. Ça marche. Allez, attends. J'allais voir sur le stream de Bastien. Attends, je vais voir sur le stream ouais, de Bastien. T'es sûr, il troll, Attends, je vais voir sur le stream de Bastien. Attends, est-ce qu'il est allé voir mon stream? Attendez. On s'est fait vendre, je suis sûr, il y a Attendez, j'écoute. Ah oui, non, il a cru. Il a dit, c'est Clément. Oh non, c'est Clément, il doit bosser à énergie. Oh non, et franchement, mon idée, meilleure idée du mois. Oh là là, mais mec, tu sais que sur le coup, attends, si on va voir le live, mec, sur le coup, j'y ai pas cru vrai. Enfin, après que j'ai raccroché, vous allez voir. Mec, c'est incroyable, mais c'est vraiment incroyable. Stervio, c'est encore 1000 les gars, ça fait plaisir. Mais mec, grave. Écoutez le début du live, quand je passe, c'est quand qui m'a appelé, Nico? Grave. Attends, c'est quand qui m'a appelé? Ah, je sais plus quand il m'a appelé, c'était au début, non? C'est pas possible ça. Bon, c'est là, ouais. Non, je sais pas, on verra. Non, c'est... Mais non, c'est bizarre, c'est Mélissa là au standard. Ah, là, ça faisait juste, c'était là alors. Bah pour parler de la ligue farming, de l'e-sport par rapport à la Zilan, donc voilà. Ça serait bien que tu parles aussi un peu plus approfondi du jeu, s'il te plaît. Ouais, bah y'a pas de soucis, bah je parlerai de... Ouais, pas de problème, ça marche. Un maximum. De toute façon, ouais, il me posera des questions et je lui répondrai, hein, donc voilà. On te rappelle d'ici un quart d'heure du coup. Moi je compte diviser sur un gros truc. Nickel. Ça marche. À plus. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Aïe. Voilà, j'ai un plus au calme. J'ai pas la fin, j'ai fait A plus. Plus. C'est ton pote, là. Mais je sais pas, c'est Clément, je sais pas, il doit bosser à énergie, je sais pas qui c'est. Du coup, j'ai pas compris, il a dit quoi? Il va avancer de un quart d'heure? Mais attends. Tu vas voir après, tu vas voir ce que j'ai dit. Vous avez compris quoi, les gars? J'ai pas. Il t'appelle dans un quart d'heure, je crois. Un quart d'heure, 10 minutes. Gad, okay. Il était trop chaud. Je suis pas sûr. Allez, là, ce que je vais dire, je crois que là je me rends compte, je fais, mais c'est bizarre. Vas-y, ok, les gars. Attends, les gars, quand je serai à l'antenne, je me muterai ce micro là et je vous ferai écouter l'antenne, le retour. Vas-y, carré. C'est quand même énergie, quoi, c'est pas. Attends. Après, j'en suis rendu compte. Non, j'ai rien compris, c'est un prank. Non, c'est pas un prank. C'est pas un prank. Bah, évidemment que c'est pas un prank. Je dis pas. Je pense pas. Et là, je commence à douter là. Non, mais en plus, il a pas un numéro privé et tout. Non, normalement, y'a pas. Attends, en vrai, attends, j'ai trouvé ça, se trouve, c'est un prank. Non, c'est pas un prank, je pense pas. Là, je me disais, en fait, c'est bizarre. Non, je pense pas. Là, j'étais en mode, c'est un prank. Bah, c'est vrai que c'est con que ce soit Clément. Clément, c'est qui Clément? Et voilà. Bonne question. C'est Mélissa, normalement. Bah, écoutons, on verra bien. Il va faire deux fois l'interview. Quel gros bâtard. Mais normalement, c'est bizarre, c'est Mélissa, là, au standard. Bah, oui. Je la connais, Mélissa. Elle est au standard normalement. Mec, tu vas me la faire à moi, je connais tout le monde à énergie. Oh, attends, ouais. Putain. Attends, je mets sur le côté les gars, attends, je mets énergie. Comme ça on va juste tester. Hop, on se met là. Est-ce qu'on va mettre... Attends, je vais essayer de voir si je peux mettre énergie sur... Putain, mais t'es vraiment... Bref les gars, bref. Ah là 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 là, Nico. Mec, tu m'as eu comme une grosse merde. Mec. Je me suis fait avoir comme un champignon. Ouais. Mec, en vrai, c'était bien joué, hein. C'était bien joué de ouf. Attends, après du coup t'as dit quoi sur ton live après? Attends, t'as dit quoi après? Dans 15 minutes. Oh, mais c'est incroyable. Mais à quel moment tu... Franchement, je fais le jeu, genre putain, il a l'air trop cool. Pourtant, et tout. Pourtant vraiment, les gars, dans le chat, c'était quand même cramé, mec. C'est le secret, les gars. Comme ça, vous pourrez dire vous étiez là, vous voyez? Quand il s'est fait prank comme un gros zinzin. Oh, quel connard! Il y en a, ils disent c'est un prank. Dans son live, et lui dit bah non, c'est pas un prank. Ah, ils disent bah non, c'est pas un prank. Tant mieux, t'es pas comment il est teubé, même les gens. Mais c'est vraiment un patin, Charles.
Les gens lui disent c'est un prank, mais il y croit. Ah, attends, il est à moitié sûr. Il y en a plein dans le chat qui disent que c'est un prank. Ah non, arrêtez. Dites pas ça, dites pas ça. Pas faire ça, les gars, arrêtez. Oh putain, Swan, arrête tes conneries. Les bras trop se marrer. Mais après, ça trouve, il y en a, ils croient que c'est vraiment un prank. Enfin, il y en a, ils disent ça. Mais ça trouve, ils sont pas sur notre live. C'est juste, c'était tellement bizarre. Que... Non, mais il y en a plein, ils disent que c'est toi. Eh, hey, mais les gars, jouez le jeu. Putain, non, attends, chut, au pire, on dit. Mais c'est pas drôle. Non, stop, on dit rien parce qu'il va venir sur notre live. Ah ouais, j'avoue. Ah oui, c'est possible ça. C'est possible. Attendez, bah, allez, on pense à autre chose. Alors, du coup, on était en train de déneiger. Là, je suis bientôt en train de là. Quel connard. Du coup, j'ai accès, je retourne. Du coup, il y a un peu de neige là. À la concession, ouais. À la concession. Bora, mais vous voulez démarrer Bora, mais vous voulez démarrer tout le monde. Je sais pas, par contre. Ouais, après, c'était cramé. Oh. Après, je suis venu. Attends. Oh, attends, mais après, je suis venu en vocal. Attends. Oh, attendez, j'ai pas vu qu'il y avait un don tout à l'heure. Merci. Attends. Parce qu'après, les gars, je suis venu en vocal. J'ai fait, mec, t'es un bâtard. Il fait, mais comment ça? Oh là, je suis désolé. Un max de GG pour. Attends. oui. Une petite couche. Une petite couche de protection. Attends. Le centre du village. C'est quand que je suis venu? Minimum. Je te jure. C'est attends. Pas lui. Putain, c'est vrai que tu peux rien faire en fait, c'est dommage. Là, je suis venu en vocal là. Mec, il a tellement rien capté, je suis mort. Putain. Si t'as été con, et on peut. C'était trop drôle en vrai. T'aurais dû dire, ouais, par contre, l'autre fois, t'étais un peu arrogant et tout. Ouais, mais mec, c'est hyper stressant. Mais c'est... Il était là. Ah. Attends, mais je sais quand que je suis venu en vocal. Tiens, qu'est-ce que tu fais sur le live là? T'es pas en live, mec? Comment il se ramène là comme ça? T'es... Salut, mec! Tout le monde a balancé, mec. Mais de quoi ils ont quoi? Mais je regarde ton live, j'ai vu. Bah, j'ai fait quoi? Regarde ton live, t'as fait passer pour le gars d'énergie. Non, jamais. La tête qu'il a! Non! J'ai pas ton nom, comment tu veux que j'aurais fait? Comment tu veux que j'aurais fait? Moi, j'ai rien capté, mec. Hein. Ah ouais, on avait ça. Ah, voilà, là. Genre, en plus, je fais Clément, mais je fais, c'est pas Clément, non, c'est Mélissa. Enfin, c'est... Oh, le mec, il connaît toute la. Il connaît même la femme de ménage là-bas, comment elle s'appelle. Mais mec, en plus, j'ai stressé ma rage. Genre, j'ai dit putain, mais il va me reconnaître, je vais être grillé et tout. Et je savais pas quoi dire. Mais non, parce que j'ai gardé le casque, donc j'avais le haut-parleur en même temps. Mais en vrai, à la base, on voulait vraiment faire un truc. Genre, vas-y, par contre, dire, tu veux arrêter de prendre la confiance. Bah, si, des boudes. La dernière fois, t'as fait trop ta pub. Je me suis dit, waouh, vas-y, viens, je te déglingue. Et moi, je me suis dit, oh là là. J'ai perdu mes couilles un peu là pour le coup. Tu dis, ok, bon. Putain, j'avais une vraie idée là. Ah, je suis parti. C'est drôle, mais c'est dommage qu'il y ait toujours des gens qui balancent. Ça, c'est un peu relou. Mais non, mais par contre, j'ai vraiment. Là, ça fait vraiment que 30 secondes que je suis au courant. Parce que j'ai fait putain, mais c'est bizarre. Mais ok, mais. Attends, et quand je suis parti, t'en dis quoi? Qui a balancé, c'est incroyable. Ah ouais. Les amis, on aurait pu trop. Ouais, on aurait pu trop rigoler en fait. Ça aurait été si. Il aurait paniqué. T'as vendu la paille ou pas? Putain, bah bref, les gars, bref. Mon dieu. Là, c'est des potes, ça. Putain, c'était sûr ça. Allez hop. Bon, les amis. Flemme de manger une glace. Si, une glace, une petite glace. Sauf qu'il n'y a personne pour parler là. Personne ne veut venir en vocal pour manger la glace. Bon, c'est pas grave. Non, flemme de manger une glace, les gars. Là, faut que j'aille dormir là. Faut que j'aille me laver, faut que j'aille dormir. Parce que demain, je me lève à 8h. Non, c'était pas énergie tout, c'était énergie la radio quoi. Donc voilà. Un très bon live. Ouais, c'était un live de ouf, hein. Presque 5000 pouces bleus. Merci à vous, merci à ceux qui vont regarder la rediffusion aussi, ça fait plaisir, merci à vous les gars. Et voilà, donc c'était top les gars, merci à ceux qui sont passés, merci à ceux qui m'ont découvert peut-être. Et on a fait un record de viewers les gars, on était à 4000, plus de 4800 je crois. Chaîne secondaire, c'est incroyable les gars, chaîne secondaire c'est très rare que je fasse, j'ai jamais fait ça. Chaîne principale, je fais jamais ça, enfin très rarement en ce moment. Mais c'est trop bien, merci beaucoup les gars, je vois que vous avez kiffé, donc c'est top, merci beaucoup. Donc on se retrouve demain, nouveau live, chaîne principale sur Farming, demain soir 20h30. Venez sur Insta où je vous mettrai des petites stories demain matin de ce qui se passe. Et puis voilà, bonne nuit Mathilde Esther. Mathilde qui est restée depuis le début je crois. Je te connaissais pas mais je t'adore, bah merci beaucoup. En plus ils ont dit ouais ton décor il est trop bien et tout. Mais c'est vrai qu'en vrai ça, il y avait le... En fait, attends, ici là... Il y a, en fait, ça reflète le poil et du coup, on a l'impression que ça cramait dans le live. Mec, c'est incroyable. Il y a tout le monde qui a spammé, ça crame. En vrai, vous êtes Et sur le coup, j'ai fait, mais n'importe quoi. Tu vois, je regardais dans le retour, je fais, mais il n'y a pas de flamme. Putain, t'es le boss. Merci, les gars. À plus. Bon, allez, bonne nuit. C'était cool. Voilà, je suis fatigué, mais c'était cool. Et voilà. Merci à ceux qui sont abonnés. Voilà, bonne soirée à tous, c'était Starvio, bonne nuit, merci au modérateur, modératrice, merci à Mathilde,
Et voilà, Max the Carnival Chat, bonne soirée à tous et bonne nuit. Bonne tout le monde. Ciao. À demain les gars. À demain.